この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。Bonjour à tous et bienvenue pour Soumis ma scène turbo épisode 8 et on est ravis, on est heureux, on a la mine réjouie, franchement on a passé un Soumis ma scène Tokyo tous les quatre mais qui était absolument mémorable, je crois qu'on s'est fait des souvenirs pour la vie. C'est et bizarre, en plus hein. Le meilleur n'est pas encore disponible à l'heure actuelle sur YouTube, c'est-à-dire qu'on a publié je ne sais combien de vidéos durant la semaine du Tokyo Game Show et un peu après. Trop selon certains. Une bonne douzaine je dirais, dont un Prologus. Et un épilogus qui, à eux deux, ils font déjà 3 heures. Oui. Il y a eu les billets d'humeur, je ne sais pas comment les appeler autrement, les vlogs de Hubert qui en a sorti un. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. c'est beau aussi, du coup, la nuit. Et là, à l'heure où vous nous regardez, normalement, cet épisode est dispo. Il y en a encore un qui arrive. Ouais. Il y a un peu l'épilogus du vlogus. Je sais plus. On s'y perd en tout cas. Hubert rigole, ça veut dire qu'il est là. Bonjour Hubert. Voilà, bonjour. Regardez, c'est lui l'homme du miracle. C'est montre lui qui t-shirt. Permet, qui rend tout cela possible. Et regardez, il a le t-shirt le plus incroyable qui soit. Voilà, modèle collector unique. Déjà, ouais. Vu, il nous porte directement sur le torse. C'est il est aussi là. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est là, regardez. Et je vous donne l'astuce, pour moins de 2000 yens, enfin, désolé, hein, je dis le prix du cadeau, mais pour moins de 2000 yens, c'est au Yodobashi Akiba, 7e étage, il y a un Uniqlo. Et c'est, en plus, c'est la bonne matière Uniqlo. Donc tu viens avec ta clé USB, etc. Même pas, tu mails ton image. Il y a juste un truc, ils te disent pas de trucs sexuels, pas de trucs violents et tout. Bah. J'ai dit, c'est que Hubert. Mais en tout cas, voilà, en 10 minutes, tu te fais ça. Et en plus, tu as le temps de passer au bac promo pour récupérer des fringues pour ton fils. Tout ça pour dire, donc il reste évidemment beaucoup de vidéos en stock et des biens. Franchement, vous allez avoir des petites surprises. Est-ce on s'est baladé du côté d'Osaka. Des trucs. Disons que on va ceux qui savent sauront et vous aurez on a pas petit aperçu. Mais on a fait des attractions absolument incroyables. Ouais. Disons on a fait des attractions, on a fait une exposition. On a fait des expériences et on a fait un magasin assez connu. Et surtout, on est ravis de l'accueil que vous avez réservé à toutes ces vidéos, parce que c'est vrai qu'il y a eu un nombre d'abonnés grossissant. On arrive aux 20 000. Ça veut dire qu'on est, toujours de niche. De niche, mais plus trop. Mais de niche. Bah, 20 000, on va pouvoir. Populaire de niche. Voilà. C'est comme le marché du manga, c'est une grosse niche. Mais oui, donc c'est niche à 25%. On est ravis donc de l'accueil que vous nous avez réservé. Et tout ça pour dire que votre émission favorite dédiée au Japon et à la pop culture continue, va se poursuivre. Japonais. Et aux jeux vidéo japonais, et évidemment. Il faut remercier les Patriotes pour ça, parce que sur patreon.com/soumimasen, d'abord, ils ont du contenu un peu élite, un peu VIP, puisque Hubert tout à l'heure m'avait dit « Hey, tu sais quoi ? Il y a une discussion où vous parlez de Famitsu pendant 15 minutes dans le métro. » Il dit « Je sais pas quoi en faire, mais c'est passionnant. » Je lui dis « T'es sûr que c'est passionnant ?» Mais tu sais, c'est Hubert, hein. Il est émerveillé par n'importe quoi. Et il nous envoie, et du coup, il dit « On va peut-être garder ça. » Je dis « Ça fait un bon bonus Patreon. » Tu vois, même Hubert, il avait vraiment la patate. On n'a jamais vu un Hubert aussi patator quand même. Et je rappelle, parce que désormais c'est une obligation contractuelle, si vous avez envie de soutenir la chaîne, c'est possible, c'est très simple. Il y a évidemment le Patreon dont tu viens de parler, patreon.com/soumimasen, mais également, eh bien, comme on dit sur YouTube, il suffit d'activer la cloche ou de s'abonner, ça prend littéralement 2 secondes. D'ailleurs, moi je m'abonne à plein de chaînes, hein, actuellement. Pouf. Bah oui, parce bah, que il a compris. Bah, je regarde YouTube sur la télé, hein, désormais c'est vraiment mon truc, et donc voilà. Tu sais que les gens nous regardent aussi jours. Sur la télé. Oui, je peux comprendre, parce que c'est quand même parfois des émissions. Accrochez-vous, celle-là, elle va être
Elle va être très très longue. Un petit peu longue. Mais si vous n'avez pas envie de nous voir en vidéo, c'est également possible de nous écouter en audio, puisque nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, c'est très facile. Généralement, on met les liens sur le compte Twitter, parce qu'on a également un compte Twitter, twitter.com/soumimasen. Et voilà, vous pouvez nous retrouver très très facilement sur les réseaux. Il y a pas un underscore quelque part hein. Peut-être. Non, je crois pas. Je crois qu'on on a évité l'underscore. On est sur Instagram. On est même sur TikTok, mais alors de façon sporadique. Hein. C'est quand Hubert tout d'un coup m'envoie une. Hey, j'ai une vidéo pour TikTok. Je fais ah ouais, vas-y, balance et je le prends. Mais on aurait intérêt à être gros sur TikTok. Hein, et comme tu l'as dit, Daniel, sommaire absolument gargantuesque et, ce mois-ci. Donc on remercie. Je voudrais encore remercier. Ah, encore on les remercie. Mais tu sais pourquoi? Parce que la masse de contenu qui arrive n'aurait pas été possible. Et ça, faut dire un truc, c'est que c'est la première. On débriefe un peu le Japon. C'est la première fois qu'on va complètement en indépendant au Japon et on a pu faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça, oui, parce qu'avant, il y avait un programme à respecter, il y avait, surtout, un temps très limité. Et un budget, et un budget serré. Et là, en plus, on avait l'avantage d'avoir le yen assez bas. Donc du coup, on a pu prendre Hubert avec nous. Et ça, au début, c'était pas prévu. Et comme on a vu que vous nous soutenez sur Patreon, on s'est dit on va partir en full voilure. On dit c'est comme si, parce qu'on vient de loin, on met toutes nos billes. Voilà, on a mis toutes nos billes. On a pu quitter Tokyo. C'est la première fois qu'on allait tourner ensemble dans le Kansai. Bon, voilà, vous savez qu'on est allé dans le Kansai. On a pu faire plein de choses vraiment différentes. Et on espère qu'ils vous intéresseront, voilà. Surtout. Mm. Et puis, en plus, il fallait voir Hubert choisir la focale dans le magasin. Il était là, genre, ouais, là, et machin. Et tout. Non, mais en plus, avec du vrai matos, parce que Hubert, il a eu son nouvel objectif absolument incroyable, nous dit-il. Il a eu ses petits micro-moumoutes. Pour nous camoufler en toute discrétion dans des endroits On n'a pas mis plus de perruque rose, mais on s'est quand même incrusté dans des endroits où on n'avait pas le droit de filmer. Ah, bravo, t'as la ref. Ouais. J'ai la ref. C'est vrai qu'on a fait ça. Et nous nous incrustâmes dans des endroits. Nous étions en infiltration. Et non seulement on était quand même dans des conditions vraiment idéales grâce à vous, mais en plus, le Japon était de notre côté, puisque bon, il y avait beau temps, mais même trop. Et aussi, un autre détail, c'était que c'est l'année où ils ont arrêté de faire ça. Ils ont arrêté de nous dire « Ah non, on ne peut pas filmer ». Ils ont compris, je crois que c'est l'analyse de Greg qui dit que maintenant, si tout le monde se balade avec son perche à selfie ou son machin, du coup, tu ne peux pas empêcher les gens de faire ça. Du coup, personne n'empêchait Hubert de faire son métier. Mmh. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. C'était qu'on était vraiment à la sensation de liberté. Le Japon de la perche à selfie, désormais. Ouais, exactement. Tant mieux. Je le disais donc. Ouais, gros sommaire. Sommaire, absolument gargantuesque, puisqu'on va avoir pas mal de recos Japon, pas mal de digressions comme vous les aimez. Il s'est passé beaucoup de choses au mois de septembre au Japon. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup, beaucoup de jeux aussi à chroniquer, parce qu'en termes de sorties entre août et septembre, puisque ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas réunis autour de cette table pour évoquer les différentes sorties, eh bien, il y a eu une masse de jeux et pas mal d'action RPG. On aura l'occasion d'y revenir avec un petit focus, même un gros focus sur Infinity Strash, Dragon Quest, Dai no Daiboken, à savoir l'adaptation en jeu vidéo de Fly. Mais également Is This Nordics. J'adore quand il dit Fly. Ouais, Fly. Les cheveux en bataille. Fly. Celui qui aura la médaille. Fate Samurai Remnant, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On va revenir sur Armored Core 6, puisqu'enfin on va pouvoir noter Armored Core 6. C'était un petit peu notre fil rouge de la dernière émission. Et bien cette fois-ci, ce sera l'heure de du verdict. F-Zero. F-Zero 99, enfin bref. Une actualité absolument foisonnante. On fera également le petit point sur les actus, mais un petit peu moindre parce que comme on en a déjà débattu dans le Prologus et l'Épilogus, on va un petit peu se concentrer sur les derniers rebondissements de l'actualité. C'est à dire que je regarde un peu, c'est la magie Pouillot qui fait son programme et j'ai le déroulé de l'émission. Et alors ce qui est génial, c'est qu'il y a le tour d'actu, il y a marqué rapide promis, les sorties du mois suivant rapide promis et le au revoir bye 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 rapide promis. Ça c'est les conducteurs faciles. Non, mais c'est le côté Pouillot. C'est pour zoner un petit tempo parce que je sais que là, au moment des recos, ça va partir en digression, mais j'ai vu que les gens réclament désormais. Voilà, ils nous disent cette partie pop culture est parfois même plus intéressante que la partie jeux vidéo, que je ne peux pas croire. Il y a des choses je pense qu'on en a vraiment trop parce qu'en plus il y a eu les deux mois. Il y a des choses qu'on va réserver peut-être pour le Director's Cut. Par exemple, là j'ai le artbook de Fumito Ueda, on montrera dans les Director's Cut. On a des petits bouquins. On a peut-être un film dont je parlerai en Director's Cut. Des petits jouets. Enfin voilà, vraiment. Il fait pas le point. Si vous êtes abonné au Director's Cut, vous allez en avoir encore plus que ce qu'on vous promet déjà dans la version qu'on appelle entre nous la version Vanilla. Voilà, il faut le savoir, c'est un petit peu comme ça. Vanilla Software. Son petit nom de code. Est-ce qu'on a des gros nichons et des abdos? Oh là là, voilà, c'est polémique. Bah, Vanilla Software, c'est vrai.
Bref, tout ça pour dire qu'on va passer directement au reco sans perdre plus de temps après le sommaire. Et on va revenir sur un point qui a été longuement débattu. C'était lors de notre deuxième émission, je crois. On va dire que c'est même devenu un point régulier de toutes les émissions. Je ne sais plus si on est vraiment revenu tant que ça. En tout cas, là, il y a une grosse étape. Voilà, il y a eu tellement de rebondissements désormais. Il faut le dire un truc, c'est qu'on en parlait avant la grosse razzia. On en parlait au moment de l'éruption du documentaire BBC. Bah, on en parlait avant... Je ne vais pas dire before it was cool, parce que c'est pas... Non, c'est pas cool du tout. C'est pas comme bah, before it was cool, donc, mais en français, before it was C-O-U-L-E. Ouais. Avant que Johnny's cool, justement. Et oui, Johnny and Associates, puisque vous suivez peut-être l'actualité japonaise sur Twitter, sur X, pardon. Vous avez vu que la grande agence de talent, de boys band même, au Japon, est vraiment, c'est même plus que dans la tourmente, c'est qu'elle est en train de se dissoudre d'elle-même. On l'évoquait, c'était je crois au mois de février-mars, à la suite d'un documentaire réalisé par la BBC, donc pas un documentaire japonais, un documentaire réalisé avec un œil extérieur, celui de la BBC. Eh bien, ça revenait sur le scandale de Johnny and Associates et sur toutes, les malversations du fondateur Johnny Kitagawa. Ça a soulevé la société japonaise dans plusieurs sens. C'est-à-dire d'abord, un, c'est pourquoi il y a un documentaire anglais qui en parle et mieux que nous, et plus, de manière plus descriptive et de manière moins complaisante. Quoi. Bah, moins l'omerta, finalement. Moins l'omerta. Tout d'un coup, il y a eu cette prise de conscience. Et là, c'est incroyable, mais c'est comme si tu pouvais plus arrêter la parole. C'est-à-dire que même dans le documentaire qui montrait des victimes et qui disait « Ah ouais, mais Johnny, il a quand même beaucoup apporté pour moi », au fur et à mesure, ce genre de témoignage a été balayé par les gens qui étaient victimes et qui commençaient à dire « Non, non, mais voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé ». Et de... tout le monde savait, tout le monde a pris conscience que en fait toute l'élite de cette société savait et qu'ils sont tous mouillés dedans et de fil en aiguille est arrivé ce qu'il y a. Greg, est-ce que tu peux résumer un petit peu? Je vais résumer très rapidement et je voudrais aussi qu'on explique pourquoi est-ce qu'on revient autant sur cette affaire de Johnny's, parce qu'on pourrait se dire que c'est des chanteurs, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec Sumimasen, mais si, justement. Donc, dans un premier temps, on va déjà rappeler l'affaire. Donc, il s'agit en fait de Johnny's and Associates, qui est une société qui a été montée dans les années fin des années 50, début des années 60, par un homme qui se fait appeler Johnny Kitagawa, et qui, en fait, a créé les premiers boys bands du Japon. Et il a notamment, grâce à un boys band qui s'appelle le Shonen Tai, qui était donc trois jeunes hommes qui dansaient, qui chantaient, comme dans tous les boys bands, il a réussi à mettre la main sur le monde du divertissement japonais. C'est-à-dire qu'il a mis en place un système où il lançait un premier boys band, le boys band cartonnait, il faisait tourner ses gars dans des séries. Donc les gars devenaient des stars, tout le monde les voulait, et il disait « Ok, si vous voulez mon Shonen Tai qui cartonne, vous me prenez aussi ce petit jeune. » Et comme ça, tous les 2, 3, 4 ans, il lançait un nouveau boys band. Et du coup, 80 à 90% des beaux gosses du marché des beaux gosses japonais étaient tenus par ce gars-là. Et cette agence-là, tu pouvais rien faire sans elle. Il n'y a pas un film, il n'y a pas une série télé, il n'y a pas une émission qui se montait sans un Johnny's. En fait, c'est-à-dire que tous les gamins qui faisaient partie de cette agence, on les appelait les Johnny's. Et pourquoi on en parle ? Parce que en fait, on a découvert donc Johnny Kitagawa est mort à 87 ans en 2019, je crois. Et alors, ça se savait dans le milieu, mais personne n'en parlait parce que personne n'osait en parler, vu qu'il avait la main mise sur les médias. Mais en gros, Johnny Kitagawa a abusé de... Alors aujourd'hui, on dénombre 350 victimes déclarées. Donc, j'ai vu qu'il y avait quasiment 500 plaintes à l'heure actuelle. Donc, entre les années 60 et aujourd'hui, ça veut dire qu'en gros, il a agressé un gamin quasiment tous les mois ou tous les deux mois, quoi. Et donc, on découvre qu'en fait, il avait mis en place un système où tous les gamins qui voulaient devenir des stars venaient faire des stages dans des écoles de danse et de chant et qu'on leur proposait des séminaires, entre guillemets, où en fait, ils allaient dormir dans une espèce de résidence à 12-15 gamins. Et la nuit, quand ils dormaient, Johnny passait dans les dortoirs et il faisait son shopping, en fait. Et le gamin qui... Il forçait personne... Alors, encore une fois, c'est expliqué à la japonaise, mais ils expliquent, ils forçaient personne, mais évidemment, si tu disais non, tu avais moins de pubs, tu avais moins de télé, machin. Et surtout, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était tous des mineurs. Donc l'histoire de consentement, enfin, ils disent, mais si on refusait ou quoi, il n'y a pas d'histoire de refus ou quoi. Enfin, quoi, même si tu acceptes ou pas, ça reste Ça reste un crime parce qu'ils ne sont pas majeurs. Ouais, et donc, on dénombre
au moins 350 victimes, alors qu'il soit star ou non. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de grosse star qui a révélé qu'il lui était arrivé des problèmes. C'est surtout des gens, soit qui n'ont pas terminé la formation parce que justement ils trouvaient ça insupportable, soit des gens qui ont quitté les groupes dans les débuts parce qu'ils ne supportaient pas. Il n'y a pas encore eu de grosse star qui a dit « oui, moi, j'ai été agressé ». Il n'y a pas eu de Kimutaku. Par contre, il y a eu des stars qui ont dit « effectivement, j'ai assisté à des trucs, mais je ne pouvais pas parler ». Et donc, il y a eu un premier procès en 1999 parce que le Bunshun, donc le fameux magazine à scandale, enfin c'est pas un magazine, enfin oui c'est un magazine à scandale, c'est un tabloïd. C'est le seul média japonais libre. Enfin, c'est pas pareil que le Canard Enchaîné, mais c'est le seul média. C'est l'investigation, mais avec un petit peu presse à scandale derrière. C'est le seul média, on va dire, indépendant. Oui. En gros, c'est le seul qui remue la merde, on va dire. Et donc, en 99, il publie l'interview d'un homme qui dit, moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'école Johnny's et je me suis fait tripoter par Johnny Kitagawa. Donc, Johnny Kitagawa attaque le magazine. En première instance, il gagne, mais en appel, il perd. Et personne n'a repris cette information, que ce soit quand il a gagné ou quand il a perdu. Aucune télé, aucune presse, rien, personne ne veut faire. Pourquoi ? Ben parce que si tu fais ça, tu te fais blacklister et ben du coup, tu n'as plus les Johnny's qui te présentent ton émission, tu perds les Johnny's dans tes dramas, parce qu'on a déjà expliqué comment fonctionne la société de l'entertainment japonais. Il crée des sociétés de production dans lesquelles tout le monde est entremêlé et du coup, ben Johnny's, il a des parts. Par exemple, quand tu fais un nouveau drama, on va dire, il est dans le comité de production. Nippon Télé met un peu de fric, Bandai met un peu de fric pour pouvoir faire les t-shirts, Uniqlo met un peu de fric pour pouvoir faire les chaussettes, etc. etc. Et donc Johnny's va mettre un peu de fric pour gagner des dividendes et pour aussi s'assurer que ces mecs soient là. Et comme les Johnny's sont hyper connus, tu t'assures un audimat minimum. Voilà. Donc là, on a posé les bases de l'affaire, personne n'en parlait. Et en début d'année, donc on en parlait dans le premier ou le deuxième Sumimasen Turbo, la BBC sort un documentaire où ils interviewent 5 ou 6 anciens Johnny's qui disent voilà, Johnny's m'a fait ci, Johnny m'a fait ça. Silence radio total des médias japonais. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, c'est Internet. Alors déjà, Johnny Kitagawa est mort. Donc ça facilite peut-être un peu les choses. Et aussi, et surtout, grâce à Internet, grâce au web, grâce désormais aussi aux expatriés, aux métis qui sont bilingues, il y a des gens qui sous-titrent en japonais cette émission. Et l'émission commence à circuler sur les réseaux sociaux. Et il y a une émission du matin qui en parle. 2, 3, etc. Boule de neige. Ça commence à exploser. S'il y en a un qui parle, ensuite les autres se lâchent. Parce qu'en fait, au Japon, personne n'a envie de prendre la parole. Mais dès qu'il y en a un qui prend la parole, et en plus, c'est de manière détournée, ils ne disent pas « Ah, Johnny Kitagawa est un violeur ». Ils disent « Ah, sur les réseaux sociaux, on fait référence à une enquête de la BBC qui dit que… » Donc on se mouille vraiment très très peu. Et du coup, dès qu'il y en a un qui dit ça, l'autre dit « Ah, sur telle chaîne, ils ont dit que quelqu'un avait dit que ». C'est très pincette en fait. Et jusqu'à ce qu'il y ait des gens en direct qui lèvent la main, qui disent « Ah, moi aussi j'ai été victime ». Et à partir de là, effet boule de neige, ça grossit. Et donc c'est l'affaire qui intéresse le Japon depuis la rentrée en fait. C'est-à-dire que tout l'été, il y a eu pas mal d'histoires, pas mal de gens qui se sont révélés. Il y a eu beaucoup de scandales aussi internes, beaucoup de gens qui sont plus ou moins cancel. En plus, j'aime pas ce mot-là, mais la complosphère japonaise s'en est mêlée parce qu'ils disent « Ah, mais je suis sûr que c'est pas vrai ». Enfin, il y a toute une tendance de fans qui disent « Ce n'est pas vrai, c'est un complot pour faire monter la K-pop ». Tu vois, donc c'est assez compliqué à suivre. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, les crimes sont... Il n'y a pas eu de procès, mais les témoins sont entendus, ils sont crus. Il y a eu plusieurs conférences de presse. Et c'est là, justement, voilà, qu'on ne s'est pas arrêté. Là, on a eu un gyakten toutes les semaines. Et surtout, Johnny Associates a fini par reconnaître la responsabilité. Johnny Associates a, par le biais de sa présidente, qui est la nièce de Johnny, donc qui essaie aussi de se lever à la fois son patrimoine, sa boîte et l'honneur de la boîte. Au début, ils se sont dit « Ah merde, il y a vraiment trop de témoignages. On va reconnaître. » Ça a pris du temps. On va reconnaître. Ouais. Et le premier truc, c'est communiquer de presse en disant « On est désolé. » Oui. « On est désolé, on reconnaît Johnny, il n'a pas été cool. » Et ensuite, au fur et à mesure, on leur a dit « Mais c'est pas assez, en fait. Vous pouvez pas. » Au fur et à mesure, ça a été conférence de presse sur conférence de presse. Et vous savez, on aime bien ça, les conférences de presse au Japon, les trucs avec les flashs qui cliquent et qui mettent un peu la pression. Et au fur et à mesure, la nièce a été dans l'obligation de claquer sa dème. Alors, elle reste, j'imagine, au board. C'est là
là où commence un peu la descente aux enfers des Johnnies, où chaque semaine, il y a un truc qui pète. C'est que déjà, donc, ils font cette conférence de presse où elle dit finalement « je démissionne et à ma place, le nouveau PDG, ce sera un des anciens membres des Shonen Tai ». Sauf qu'évidemment, elle démissionne, mais de facto, elle garde les parts de la société. Donc en fait, elle est plus PDG, mais elle possède la boîte. Donc ouais. L'argent rentre quand même dans ses poches. À peine le gars du Shonen Tai est nommé, que tout de suite, il y a des histoires qui sortent sur lui, comme quoi c'était le bras droit de Johnny, qui l'aidait à choisir les gamins. Que il disait, voici de la saucisse, ce genre de choses. Il faisait des blagues sur sa saucisse. C'était pile pendant qu'on était au Japon. Ouais. Il a été nommé PDG et dans l'heure... C'est devenu son surnom. Voilà, et dans l'heure, on a dit, ah oui, mais lui, il était connu pour venir, il mettait son sec sur une assiette et il disait qu'il veut ma saucisse. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas ouf. Donc, je m'occupais de Hubert à ce moment. J'ai pas suivi ça. Voici mon Coco, voilà, donc dans cette conférence de presse-là, en plus, ils annoncent que Johnny's et Associates gardera ce nom. Oui. Voilà, il gardera ce nom. Donc les gens disent, ouais, s'il y a une société qui s'appelait Hitler Corporation, on changerait le nom, quoi. Là, Johnny, c'est le nom d'un criminel qui a peut-être violé 350 gamins. Vous pouvez pas garder ce nom-là. Si, si, il n'y a pas de problème, etc. Voilà. Bon, finalement, la semaine dernière, on a vu qu'ils ont tout démonté. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que le logo a disparu du fameux bâtiment qu'on voit en long en large depuis plusieurs semaines. Hein. Et ils ont changé d'appellation. Ils ont changé de nom, ils vont l'appeler Smile Up. Le problème, c'est que Smile Up, en abrégé, ça fait SMAP. Et SMAP, donc, c'est le plus gros groupe de Johnny's. Et donc, les SMAP, parmi les SMAP, il y a un personnage qui est très, très connu. C'est Kimura Takuya, qui a longtemps été le plus bel homme du Japon. Si vous avez joué à Judgment et Last Judgment, vous le connaissez forcément. Mais aussi, je vais en reparler aussi dans certains films. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle autant des Johnny's dans Tsumimasen Turbo? Parce que ça a une... Enfin, Johnny's a une emprise sur la vie culturelle japonaise depuis les années 60 qui est énorme, qu'on ne soupçonne pas. Et là, pour expliquer ce qui se passe, c'est qu'on a les SMAP. Donc voilà. Les SMAP étaient le groupe, le poster groupe. Et ils étaient là pour représenter Dragon Quest, en fait. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. On se dit, c'est des chanteurs, pourquoi Tsumimasen? En fait, les Johnny's sont complètement intégrés à la pop culture. Donc les SMAP, par exemple, donc un groupe qui depuis n'existe plus, parce que justement, c'était le premier groupe à exploser en plein vol à cause de tout ce qui se passait chez Johnny's. Il y en a deux qui sont restés chez Johnny's, et il y en a trois qui se sont barrés, qui sont devenus indépendants, youtubeurs, etc. Mais à l'époque où ils étaient cinq, comme Daniel le dit, les SMAP, c'était les ambassadeurs de Dragon Quest. Donc là, les images qu'on voit à l'écran, ce sont les pubs de Dragon Quest 7, 8, 9 et 10. J'ai pas pu récupérer avant. Ils ont joué au fameux Dragon Quest 8 qu'on a Action jamais... RPG. Au Action moment RPG. De l'annonce de Dragon Quest 8, c'est eux qui sont montés sur scène pour montrer la pré-version, le prototype du jeu. Je garde encore précieusement la vidéo parce qu'évidemment, elle a été retirée puisque... Le jeu a complètement changé. Le jeu a changé et on avait le mec de le Kimutaku qui dit « mais le jeu n'est pas fini !» Et genre, avec une grande naïveté, parce que c'était pas les... Non, voilà. C'était Dragon Quest 9, pardon. C'est Dragon Quest 9 Oui, excuse-moi, c'est pas le 8, le 9. Je sais pas si on se rend compte, mais on se rend compte, mais c'est comme si U2 ou les Worlds Apart avaient fait la pub de tous les GTA ou de tous les FIFA. Donc, c'est vraiment très emblématique. Donc, ça, c'est les SMAP. Mais il y a aussi d'autres groupes qui sont intégrés, notamment le lead chanteur des V6, qui est un autre groupe des Johnny's, a été Ultraman. Il a été notamment Ultraman Tiga, qui a été le Ultraman le plus populaire des années 2000. Voilà, donc on le voit là, il va se transformer pour casser la gueule au Kaiju. Donc c'est un personnage très emblématique de la pop culture. On parlait tout à l'heure du beau gosse Kimura Takuya, qui d'ailleurs est dans la sauce, je vais y revenir. Kimura Takuya, il est présent à la fois dans le cinéma. Voilà, regarde, Ultraman Tiga, qui est vraiment le Ultraman des années 2000. Ensuite, donc Kimura Takuya, qui a joué dans beaucoup de films et d'adaptations de séries télé et de mangas. Là, on le voit par exemple, c'est lui le personnage principal de l'adaptation au cinéma de Space Battleship Yamato, Uchu Senkan Yamato, donc l'œuvre majeure de Leiji Matsumoto, donc créateur d'Albator. Donc c'est un film dont le héros est Kimura Takuya. C'est un comédien de doublage aussi chez Ghibli, puisque... le château ambulant, c'est lui qui fait Howl. C'est lui qui fait la voix de Howl. De Hurl, il s'appelle Howl. En français. Hurl. Howl. Je sais plus comment Howl. Il s'appelle en français, mais Howl. Donc Howl.
C'est lui le héros du château ambulant. Et surtout, évidemment, Kimura Takuya, c'est qui ? C'est le héros des deux jeux Judgment, les spin-off ouais. De Ryuga Gotoku. Et lui, donc, il serait bien emmerdé s'il devait l'enlever, voilà. Lui. Et alors, tout seul, je viens de vous présenter des choses qui sont assez lourdes quand même. Hein. On parle de Ryuga Gotoku, on parle de Yamato, on parle de Ultraman, on parle de Dragon Quest, des choses qui sont très très importantes dans l'écosystème de la pop culture japonaise. Et aujourd'hui, est-ce que ces gens-là peuvent encore exister ? On se souvient de Pierre Taki, il a pris de la drogue, hop, on fait une mise à jour du jeu, il n'y a plus sa tête. Est-ce qu'on peut continuer à garder Kimutak en visage de ça, en sachant que justement, Kimutak, depuis deux jours, est dans la sauce à cause des Johnnies ? Déjà, le mois dernier, il a dû supprimer une publication sur Instagram, parce que lui, il ne se cache pas d'être un soutien de la société. Donc le mois dernier, quand ils ont fait leur conférence de presse en disant voilà, on est désolé pour toutes les agressions de Johnny Kitagawa, etc., il a fait un post sur Instagram où il dit The show must go on. Oui. Qui depuis a été supprimé. Oui, très mauvaise idée. Donc ça a déjà fait du mal. Et il y a deux jours, il y a des fuites qui ont montré que, en fait, Kimutak était, qui a un rang assez élevé quand même au sein de Johnny's, était contre le changement de nom. Il a dit non, il faut absolument garder le nom de Johnny, c'est notre héritage, etc., etc. À deux doigts de dire on s'en fout des agressions, quoi. Et même une fois que le changement de nom a été acté, il a dit non, moi je suis contre et je veux garder cet héritage. Il est hyper conservateur en fait au sein de la société. Et je pense qu'on est, enfin, à un ou deux dérapages de son éviction totale de la vie publique japonaise. Parce que là, c'est vraiment. Alors, on a oublié de dire, parce que là, je parlais essentiellement de la pop culture, mais il faut savoir aussi que les Johnny's font énormément de publicité, énormément de séries télé, comme j'avais dit. Il y en a énormément qui ont été annulées dernièrement. Ce qui a poussé Johnny's à faire ces conférences de presse où ils changent de nom, etc., c'est que les contrats publicitaires se sont tous envolés. Ouais. Pendant qu'on était au Tokyo Game Show, on voyait chaque jour une nouvelle marque. Des conglomérats, une marque parmi ceux-là. C'est pas une marque, c'est comme si Nestlé dit on arrête de bosser avec eux, sauf que Nestlé, ils ont 40 marques. Donc il n'y a plus un seul Johnny's aujourd'hui au Japon qui fait des pubs pour les nouilles, qui fait des pubs pour le whisky, qui fait tout ça, ça a disparu. Pareil, les voitures, c'est Mazda ou Nissan qui a annoncé pareil, qui prenait plus les SMAP. Derrière, c'est Kirin. Voilà, fini, toutes les boissons, parce que Kirin, il fait pas que de la bière, il faut aussi des boissons cafés, énergisantes. Voilà. Café, tout donc tout ça, c'est fini les SMAP. Y a même une société qui a été très maligne, qui a dit, nous, on continue d'utiliser des jeunes issus des Johnny's, mais on ne contracte plus par Johnny's, on les contracte en direct. Ouais. Parce qu'on ne veut plus qu'un seul yen aille à la société de ce criminel. Et donc chaque jour, pendant qu'on était au Japon, il y a une nouvelle société qui disait « Nous, on ne bosse plus avec eux ». Et c'est très rare de la part des sociétés de prendre comme ça une position. Parce qu'en général, les gens, ils laissent passer l'orage, hein, ils attendent. Même, on l'a vu, les fesses et puis ça repart. On l'a vu même pour l'époque du tsunami, c'est méchant, les méchantes sociétés électriques. Mais finalement, au bout d'un moment, au bout de trois mois, ils sont calmés tout de suite. Et là il y a vraiment un vrai contre-attaque même, on peut dire ça. Et là, ce qui a démarré aussi à la fin de notre séjour au Japon, c'est les chaînes qui commencent à annuler des séries télé. Qui disent « Ah, bah, là, machin, il devait jouer le héros de cette série télé qu'on va diffuser en janvier, c'est fini ». Là, Kimura Takuya, il a dit une connerie de trop. Ils ont annulé une série à lui dont le tournage devait démarrer la fin octobre. Ils ont dit non, hop, poubelle. Ouais. Donc, c'est vraiment le début de la fin pour beaucoup, beaucoup d'activités. Et c'est pour ça que la société, se sentant en danger, a changé de nom. Et surtout, le problème de la société Johnny's, d'un point de vue comptable, on va dire, c'est que c'est une société vieillissante, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, évidemment, quand on était au Japon, j'en ai discuté avec des Japonais, j'ai appris des choses absolument incroyables. Par exemple, pourquoi ça pèse aussi lourd les Johnny's ? Le fan club des Johnny's a 10 millions de membres. C'est presque 10% de la population japonaise. C'est-à-dire que tu rentres dans un métro, il y a au moins un ou deux passagers qui sont du fan club des Johnny's et Associates. Et chaque fan doit les membres du fan club doivent payer 40 000 yens par an. Environ 250, 260 euros. Tu multiplies 260 euros fois 10 millions tous les ans, ils sont assis sur leur cul, ils gagnent déjà
a énormément d'argent. Il gagne entre 200 et 300 millions. Non, attends, je dis des bêtises. Des milliards 2 milliards de yens, quelque chose comme ça. Voilà. Un milliard de yens, voilà. Mais sans rien faire, tu vois. Donc après, évidemment, il y a tout le merchandising, il y a toutes les retombées, les ventes d'albums, etc. Donc c'est une entreprise, une industrie qui est richissime et qui risque de tout perdre. Donc là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et donc là, on parle vraiment très égoïstement de l'impact sur la pop culture. Mais après, socialement, sociologiquement, on découvre qu'en fait, Johnny Kitagawa, c'est un vrai méchant de série, un méchant de manga. Enfin, c'est un monstre. C'est-à-dire que chez nous, tu vois, il y a Xavier Dupont de Ligonnès, enfin, des gens comme ça. Mais là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a institué le viol sur mineur de manière industrielle. C'est-à-dire, tu parlais de 500 plaintes depuis les années 60. Donc, enfin, ça veut dire que... 500 plaintes, parce qu'il y a tous ceux qui préfèrent ne rien dire. Il y a des centaines de gosses qui ont été là-dedans. Et puis, il y en a plein qui n'osent pas dire. Oui. Ceux qui, à mon avis, sont célèbres aujourd'hui. Ah bah, et qui Kimutaku, Kimutaku, il n'a rien vu. Hein. Je pense que les gens qui sont célèbres aujourd'hui ne veulent rien perdre, donc ils ne disent rien. Mais ceux qui sont semi-célèbres, là, le dernier, c'était l'un des derniers boys band des Johnnies, enfin un des derniers, il a déjà 10 ans, mais un des derniers gros boys band, c'est le nom en plus s'appelle Kiss My Foot. Je ne connais pas. Donc ils étaient. En plus, ça s'écrit Kiss My Foot Tsu. Bref. Et donc en fait, ils étaient 6, ils étaient 7, ils ne sont plus que 6, et le 7e raconte tout ce qui lui est arrivé en fait. Et en fait, les fans l'ont détruit. Les fans du groupe ont dit « Ouais, non mais de toute façon, on sait qu'il avait quitté parce qu'à l'époque, ils avaient donné une raison. Il avait arrêté le groupe pour sortir avec une fille et puis de toute façon, il chantait moins bien que les autres. » Donc tu vois, lui, il prend la parole et il se fait cartonner. Donc, t'en as plein aussi qui osent pas parce qu'ils se disent les fans vont rentrer dedans. Il y a des coups à prendre. Voilà. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, t'as tous les complotistes qui disent que c'est à cause de la K-pop que Johnny est accusé faussement de ça. Et tu as aussi en fait les fans aveugles qui refusent de. Puis les fans de chaque groupe, parce qu'il y a vraiment, il y a pas que SMAP, hein, il y a Kinky Kids, enfin. SMAP, Kinky Kids, Tokyo, V6, Kiss My Foot. Enfin, il y en a. Exile. Exile, justement, c'est pas les Johnny. Non, Exile, c'est pas Johnny. Ah ouais, ils sont perchés. Mais il y en a énormément. Il y a eu un autre rebondissement, c'est-à-dire que les chaînes ont fait leur introspection, les chaînes assistaient aux conférences de presse, et là, cette semaine, les chaînes se sont aperçues, je sais pas si. Alors, c'est le plus gros gag-ten de toute l'histoire de cette affaire. C'est que. C'est pour ça qu'on peut pas les prendre au sérieux et que. Oui. En fait. C'est la transparence tranquille ou quoi. Non, mais c'est aussi pour ça que l'affaire Johnny's éclabousse toute la société japonaise, où jusqu'à présent, c'était toujours. Elle met en lumière une certaine forme d'hypocrisie médiatique. Voilà, où jusqu'à présent, c'était « Ah, désolé, on a empoisonné vos gamins avec du lait. Ah, soumis ma scène. » Et puis voilà, c'était pardonné. Plus. Et là, en fait, toute l'hypocrisie de ces conférences de presse suite à des catastrophes explose au visage des Japonais. Parce que là, Hubert, si tu peux balancer l'image. Voilà. Dans cette fameuse conférence de presse où les Johnnies disent « On va changer de nom, etc. etc. » Il y a cette image qui a été capturée. Alors, elle a été floutée pour préserver l'anonymat. Mais il y a cette image. En plus, mais les gens, c'est des charlots, quoi. Cette image a été capturée quand les gens montent sur scène pour dire « Oh, pardon, on est désolé, on change de nom, vous inquiétez pas. » En fait, la personne qui va monter sur scène transporte un document avec elle. Et ce document, en fait, c'est la liste des mauvais journalistes. C'est un trombinoscope des journalistes qui poseraient des questions dérangeantes. Voilà. Donc, en gros, c'est... Oh, et puis, en plus, en des termes pas sympas, tu vois, c'est la NG list. Oui. C'est la no good list. C'est les reclus. C'est eux... Parce qu'il faut savoir que les journalistes étaient placés dans la salle à des endroits très stratégiques. Ça. Et en fait, ils avaient préparé le plan de lui, on lui donne la parole, lui, on lui donne pas la parole, parce qu'il est problématique. Ouais. Donc, évidemment... Enfin, il va nous poser problème. Donc, voilà. Les journalistes problématiques ont levé la main pendant toute la séance. Et ils n'ont pas été interrogés. Voilà. Et donc, ce document a filtré. Et ça leur prête au visage. Mais ça ne s'arrête jamais. It keeps on going. Putain, c'est quand ouf. On était au Japon aussi, on s'est aperçu que ça commençait un petit peu à se craqueler du côté des groupes de filles, notamment les AKB48. Kibi48o, donc. Ça, c'est quelque chose qui pourrait également éclabousser bientôt la sphère médiatique japonaise. Alors, j'ai peur que les Johnnies occupent... Enfin, tu vois, tu peux pas gérer deux scandales à la fois. Mais effectivement, comme tu le dis, quand on était au Japon, il y a 2-3 anciennes AKB qui ont commencé, qui ont aujourd'hui une trentaine d'années, et qui ont commencé à se lâcher, mais de manière faussement innocente. C'est-à-dire que... il y en a une d'une trentaine d'années, on lui a posé une espèce d'interview vérité... Alors, la première fois que...
enfin ta première fois, c'était avec un mec de ton âge en date et tout ça. Elle a dit non, pas du tout, c'était avec un vieux producteur. Ah bon, mais pourquoi? Et là, elle déballe, elle dit ben, des fois, il nous arrivait que le producteur nous dise ben voilà, ce monsieur est un sponsor important, il faut que tu ailles dîner avec lui. Et non, mais c'est enfin tout, tous les trucs horribles qu'on te raconte dans les dramas, dans les séries à propos du showbiz, en fait c'est vrai. C'est ça aussi qui est incroyable dans cette histoire de Johnny's, c'est que c'est à l'échelle industrielle, c'est le crime à l'échelle industrielle. Et ben ça donne du grain à moudre à tous les gens qui depuis des années disent ouais tous pourris, etc. Parce que c'est enfin je sais pas, enfin on se rend compte 500 plaintes, enfin c'est oui. Mais disons que c'est des rumeurs ou des bruits de couloir. Même nous, quand on y allait, on en discutait avec des gens sur place. C'est des choses qui paraissaient déjà. Alors moi, j'en ai entendu parler une fois. Plus crédible. Enfin, moi, j'en ai entendu parler une fois de cette histoire. C'était au tout début des années 2000, quand j'ai rencontré l'acteur qui faisait Force Rouge de Bioman. Parce que lui, avant de faire Bioman, c'était à 16-17 ans, il faisait des comédies musicales, ce genre de choses. Et donc, il était en compète avec les Johnny's. Et il disait, ouais, de toute façon, les Johnny's, ils y sont tous passés. Bon, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais je me suis dit, c'est peut-être aussi le commentaire de quelqu'un qui était jaloux. Parce qu'après Bioman, il a fait quelques trucs. Mais c'est vrai que c'était une grosse star à l'époque de Bioman. Et puis après, bon, alors il était spécialiste d'une danse traditionnelle particulière. Et comme il s'est lancé sur cette voie-là, bon, bah forcément, il n'a pas eu une carrière fulgurante dans la pop culture non plus. Donc... je me suis dit, bon, effectivement, on devait avoir des affaires un peu sales, mais ça doit pas être aussi, ça doit pas être aussi grave que ce qu'il raconte, parce qu'il y avait aussi pas mal de jalousie. Mmh. Parce qu'il disait, ouais, quand on faisait les castings, les Johnny's étaient vachement moins bons que nous, etc. etc. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu là, au contact donc, d'une personne qui était du show business. Et après, ça circulait un peu comme une blague, si tu veux. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas entendu autant que ça, en fait. Et je pense que même si ça se savait, les gens se verrouillaient tellement entre eux que... Merci Greg, merci Daniel pour ce point qui semblait nécessaire hein, sur la pop culture japonaise. Et j'espère que le mois prochain on en aura moins. Bah, déjà on va passer à d'autres choses un petit peu plus réjouissantes dans les recos. Est-ce que... Tu parlerais un peu de cinéma Daniel ? Cinéma, est-ce que je vous raconte le film que j'ai vu qui s'appelle Sandland ? Eh oui ! Puisque, il faut le dire, nous avons choisi de regarder City Hunter, tous les trois. On espérait en faire une vidéo spéciale pour alimenter eh bien, tous les sous-milieux de Tokyo. Ça va finir en Director's Cut, du coup, étant donné la qualité du film. Comme c'était un peu nul, on peut le dire, hein, c'est pas ouf. Disons qu'on voulait pas faire une vidéo simplement pour cracher sur le film, et on s'est dit, ça fera plaisir à ceux qui nous attendaient sur ce sujet-là en Director's Cut. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, ça valait pas une émission. Le film qui était en balance, qui était Sandland. Inspiré de l'univers d'un manga de Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, tu es allé le voir peu après. C'est à la fois un vieux manga et en même temps, c'est son manga un des plus récents, tu vois. Et parce que bon, il est. C'est un vieux manga récent. C'est un vieux manga, exactement. Et c'est un film qui dure une heure et demie tout assez, mais par contre qui est vraiment magnifique. Je trouve que il y a maintenant un savoir-faire entre la connaissance de ce qu'on peut faire avec la 3D et le style Toriyama. Et c'est beau. C'est vachement beau en fait. C'est super beau. L'intégration de la 3D est assez bien foutue. Il n'y a pas de gros moment où tu te dis ah c'est de la 3D en fait. Tu sais qui est souvent le cas dans l'animation, par exemple dans City Hunter, tu vois clairement les moments en 3D là. L'hélicoptère. Là, c'est genre, ok, ça fait partie du contexte. C'est un monde post-apocalyptique, donc un monde où il y a très très peu de flotte et où on raconte l'histoire de Belzébuth, qui est le petit démon et qui s'associe à un militaire qui bourru et qui en même temps a une mission. Et ils partent à l'aventure à bord de leur petit tank. Et ça, c'est un truc assez réjouissant puisque ça permet de voir le mecha design de Toriyama. Et les mecha design de Toriyama, ils sont somptueux, quoi. Alors Toriyama, je pense qu'il a fait le mot d'excuse au début pour dire j'espère que vous aimerez mon film, mais il est juste il a dû signer quelques chèques et c'est pas non il a dû les recevoir il a signé au dos des chèques on sait que c'est pas son produit de cœur, quoi, mais c'est rigolo de voir ce monde. Plusieurs fois dans le film je me suis dit ah en fait on dirait un monde alternatif de Dragon Ball, en fait il pourrait avoir Son Goku dans le décor et qui passe. Et est-ce que t'as passé un bon moment alors? Ah c'était plutôt rigolo parce qu'il s'est planté au Japon le film. Alors ça a pas si bien marché qu'il aurait voulu parce que en plus il est sorti en fait tout le monde s'attend à faire le first slam dunk et c'est pas possible
impossible de faire The First Slam Dunk si t'as pas le génie en fait. Et je tiens à dire que l'histoire, c'est exactement la même que celle qui est dans le jeu qui va sortir l'année prochaine. Genre, oui, j'ai checké. Il y a un jeu chez Bandai Namco qui va sortir l'année prochaine. C'est exactement la même chose. C'est, voilà, le film reprend exactement le même principe. Ils auront la même quête, ils ont les mêmes combats à faire, les mêmes ennemis. Alors, on peut préciser que c'est la toute première fois de l'histoire que ce n'est pas Toei qui s'occupe d'un dessin animé tiré d'une œuvre d'Akira Toriyama. Je pense qu'on va y rebondir là-dessus. Juste pour finir sur Sandland, en fait, il y a un petit détail et ça frappe surtout quand tu as vu la petite carte postale qui t'est offerte quand tu vas voir le film. C'est que c'est un cinéma de Oji-san, en fait. C'est un peu un truc qu'on avait dit sur FF16, tu sais, que c'est un truc fait un peu de vieux pour les vieux, avec des rêves de vieux. Ce côté un peu confortable d'un Yakuza qui est très, genre, un truc de vieux pour les vieux. Bah là, j'ai eu un peu cette impression, parce que c'est pas fait pour faire plaisir aux kids, en fait. Tu sens que c'est pas un cinéma pour les gamins. Je pense que, tu vois, si t'emmènes ton gamin, peut-être qu'il va y prendre plaisir, mais en fait, c'est plutôt pour les vieux. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a plein de personnages qui sont des vieux monsieur. Là, on a vu c'est comme si le colonel d'Akira devenait une espèce de personnage un peu SD. C'est un peu bizarre. Et en fait, quand je dis Oji-san, c'est que il y a pas un personnage féminin. Ah oui. C'est trop bizarre, mais c'est très bizarre à voir ça. Mais en une heure et demie, il y a pas une personne. Alors certes, le héros Belzeb, il est doublé par... Le test de Bechdel, là... Mais non, mais c'est juste que c'est un monde post-apocalyptique où il n'y a pas de femme, et ça ne s'explique pas par le scénario. Non, non, il y a... Genre, alors, tu sais quoi, genre, si c'est vraiment... Je pense qu'il ne croyait pas en la puissance de l'export de ce film, mais je pense... Tu rigoles? Bah, je sais pas. Il n'est pas prévu pour sortir. Alors moi, je me permets de vous contredire, parce que Sandland, c'était l'un des plus gros stands de la Comic-Con de San Diego. C'est vrai qu'ils avaient prévu aux États-Unis, mais aux États-Unis, ouais. Moi, quand j'étais à la Comic-Con de San Diego, je sais pas si je l'ai dit dans une précédente émission, mais une fois encore, tout comme l'année dernière, la Comic-Con de San Diego de cette année, les plus gros stands étaient japonais. Les stands Gundam, les stands Bandai. Et donc, le stand de l'année dernière avait un énorme stand Dragon Ball avec une capsule à l'échelle 1-1, etc. Là, cette année, c'était un énorme stand Sandland, enfin un stand Toriyama, on va dire, où d'un côté, ils vendaient les figurines exclusives de Dragon Ball. Et de l'autre côté, il y avait le tank à l'échelle 1-1, plus gros que celui qu'on avait au TGS. Mais pour l'instant, le film n'est pas encore confirmé, mais ça ne serait tardé, je pense. Mais le délai, il devrait se dépêcher. Hein, regarde The First Slam Dunk, qu'on l'a attendu quand même un petit bout de temps, et il a été confirmé relativement vite. Et donc, c'est vraiment un cinéma un peu de vieux monsieur, en fait. Il n'y a pas l'humour cul de Toriyama des années 80, parce que c'est une œuvre plus tardive. Mais c'est juste... Il y a plein d'idées intéressantes, quoi. Le post-apocalypse, pourquoi il n'y a pas de flotte et tout. C'est plutôt un univers intéressant, mais il manque quelque chose, il manque un truc qui rajouterait de la densité. C'est un manga qui fait un seul tome à la base. Hein. Comme par exemple d'autres personnages que les trois qu'on a là et les méchants. Le méchant qui est une espèce de repompe de Freezer très très bizarre. C'est un mec dans une boule et tout. Et voilà. Mais il fait un peu Modok. Tu veux dire que déjà à l'époque, le Toriyama, le générateur de personnages Toriyama... C'est déjà ça. Hein. Mais oui, en fait, les persos, ils auraient pu être faits sur Fantasy Life Online. Ou DQ9. Il y a un truc, c'est que Toriyama a eu un gros bouleversement durant ces dernières semaines. Tu voulais aborder le sujet en disant que c'était pas Toei. Attention, tu vois, parce que je suis celui qui fout un peu la merde. C'est ce qu'on appelle l'expertise. C'est quoi, pour les trois qui voulaient pas, ils peuvent skipper jusqu'à. Ouais, ils ont le timecode. Hein, ils ont le timecode, mais voilà. Il y a eu un énorme. Enfin, donc Johnny's, c'était un énorme bouleversement sociétal et qui rebondit énormément sur la pop culture. Là, c'est aussi un autre événement énorme qui se passe en coulisses autour d'Akira Toriyama et qui pourrait aussi, on ne sait pas encore, malheureusement, on ne lit pas dans l'avenir, mais qui pourrait aussi bouleverser l'univers de la pop culture et la gestion des licences dans l'avenir. Parce qu'il s'est passé... Enfin, il y a eu un coup de tonnerre dans le monde du manga, de l'animation, du jeu vidéo et de la licence d'une manière générale. Début septembre, quand le Bunshun, toujours lui, sort un article incroyable qui nous explique une histoire complètement abracadabrante. Je reviens en arrière pour vous expliquer un petit peu, pour que vous ayez tous les éléments pour comprendre pourquoi c'est important. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité
à proprement parler, autour du manga Dragon Ball. C'est-à-dire le manga, que, non. Mais l'animé, le manga, non. Donc, il y a des rumeurs d'un Dragon Ball Magic, il y a des choses comme ça, voilà. Mais... Donc le manga est terminé depuis une trentaine d'années, un peu moins, mais bref. Le manga est terminé depuis très longtemps, mais par contre, dès la fin de Dragon Ball, le manga... alors, il y a le Jump, dans lequel paraissait Dragon Ball, et il y a aussi le magazine qui était très connu dans les années 90, un peu moins aujourd'hui, qui s'appelle le V-Jump, qui est en fait un Jump qui parle de jeux vidéo et qui fait des petites BD tirées de Dragon Quest. Il y avait un peu de Muscle Man, un peu de... Et du coup, c'est là-dedans... Entièrement sponsorisé. Hein. Ouais, voilà, mensuel, plus quali. Et il y avait très peu de jeux autres. C'était vraiment autour des jeux à licence. C'était les jeux Square Enix ou les jeux tirés de licence Toriyama. Enix, Square ou Bandai. Voilà. Et donc, c'est un beau magazine, un format MOOC avec plein de petites cartes à gratter, plein de petits cadeaux. Enfin, bref, c'est un espèce de pif gadget du jeu vidéo. Et c'est dans ce magazine qu'est prépublié le manga Dragon Ball Super, voilà, auquel donc Akira Toriyama participe, c'est-à-dire qu'il relie un peu. Il fait les layouts, d'après ce que je... Non, il corrige ouais, certaines pages. Ouais. Et donc, pour gérer ce magazine, donc le rédacteur en chef du V-Jump, c'est un monsieur qui s'appelait Iyoku, donc le rédacteur-chef Iyoku, qui était assez connu des fans de Dragon Ball et des lecteurs de V-Jump, parce qu'à partir de 2016, donc, il présente le magazine sur... Parce que le magazine V-Jump a une chaîne YouTube dans laquelle il présente avec un kimono orange, voilà, le fameux kimono de Tortue Géniale. Enfin, que Tortue Géniale offre à Sangoku. Et donc, ce monsieur Iyoku, en 2015 ou 2016, il intègre une nouvelle unité au sein de l'éditeur de Dragon Ball, donc Shueisha, qui s'appelle la Dragon Ball Shitsu, donc la Dragon Ball Room, la chambre Dragon Ball. En fait, c'est une unité composée de ce monsieur Iyoku et de deux autres personnes qui est entièrement dédiée à la gestion des droits de Dragon Ball. C'est-à-dire que 30 ans après la fin de Dragon Ball, si Celio veut faire un t-shirt, si Bandai veut faire un jeu, si Plastoise ou Necoware veulent faire une figurine, etc., etc., il faut l'appro de Shueisha. Et comme on le voit encore aujourd'hui, Dragon Ball, c'est une licence qui est très vivante. Donc, cette unité Dragon Ball, cette Dragon Ball Room, elle a toutes les raisons d'exister. Et donc, elle gère tout le merchandising, tout le licensing. Même si, évidemment, si tu veux faire un t-shirt tiré de l'animé, tu passes par Toei, mais Toei doit quand même demander l'autorisation à Shueisha, etc., etc. Et donc, évidemment, Shueisha ramasse un peu, Toriyama Sensei ramasse un peu, etc. Et donc, monsieur Iyoku, il lui arrivait des bricoles en interne, a priori, et... J'ai pas, enfin, le Bunshun est assez évasif là-dessus, mais dès le mois de mai de cette année, monsieur Iyoku discrètement aurait créé une société qui s'appelle la Capsule Corporation. Ah tiens, ça rappelle quelque chose aux fans du manga, évidemment. Rien à voir. Et donc il crée une société qui s'appelle la Capsule Corporation, mais sans en parler à personne. Et au mois d'août, il démissionne de Shueisha, et en démissionnant de Shueisha, il emmène deux autres personnes avec lui, deux autres salariés de Shueisha avec lui. Et donc, c'est les trois personnes qui étaient de la Dragon Ball Room, en fait. Donc, alors, monsieur Iyoku, comment dire, quand il part, je ne sais pas s'il est encore de la Dragon Ball Room, mais les deux autres personnes qui le suivent en viennent, en tout cas. Et donc, ces trois personnes intègrent, enfin, ces deux personnes rejoignent monsieur Iyoku, deviennent salariés de la Capsule Corporation. Et à partir de là, ils annoncent que désormais, ils laissent les droits de publication de Dragon Ball à Shueisha, mais que ce sont eux qui vont gérer en direct tous les droits de merchandising, de cinéma, d'animation, de figurines, de textiles, tout. Donc en gros, ils sont partis avec l'expertise du merchandising, ils laissent à Shueisha les droits liés à l'exploitation du manga, mais tout le reste, donc toute la manne financière, parce que le manga rapporte pas autant que tous les produits dérivés autour de la licence, eh bien, tombe un petit peu dans leur poche et plus dans celle de Shueisha. Alors, c'est ce que dit l'article, en tout cas. Je ne sais pas si Hubert, tu as l'image de l'article. Ça a été vraiment ça a été un coup de tonnerre dans le milieu de l'édition. Il faut le dire, c'est un truc qui leur pendait un peu au nez, parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont fait sécession avec Shueisha, parce que Shueisha ne pouvait pas les garder toute leur vie.
Je pense à Tetsuo Hara, Bulonson, Tsukasa Ojo, enfin toutes les... Inoue aussi. Hein? Takehiko Inoue. Inoue qui est devenu carrément indépendant. En fait, c'est que c'est le... Il y a un stade critique dans lequel il ne pouvait pas garder ses auteurs sous contrat et les payer autant qu'il aurait voulu à presque rien faire. Et du coup, pour eux, ça devient beaucoup plus intéressant d'être à leur compte maintenant qu'ils sont déjà stars. Et il faut le dire, c'est que pendant des années, Namco Bandai et tous les autres participants, enfin pas Namco Bandai posément, mais il y a toutes les autres sociétés, donc la Toei, on parle de, j'ai dit Bandai, mais bon, ça peut être aussi Taito parce qu'ils développent aussi Uniqlo. Sega, enfin, ils font des prize games. Toutes les sociétés, il y a des vingtaines de sociétés, parce qu'il y a aussi les gâteaux, les nouilles, les machins, trucs. Tous ces mecs-là se sont fait des couilles en or. Sur Toriyama. Ça veut pas dire que Toriyama gagnait pas. Non. Mais ça veut dire que... c'est le moins qu'on puisse dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui venaient taper dedans. Grappiller les parts de gâteau. Taper dedans et en plus avec une étape intermédiaire qui déterminait qui fait quoi. Et ça, je pense que c'est le truc qui a été déterminant. Par contre, Toriyama n'a pas fait de déclaration encore. Alors, ce qui s'est passé, ouais, c'est que le Bunshun, hein, ils aiment bien, on dit tout à l'heure, ils aiment bien remuer à la boue. Voilà, ils mettent les pieds dans le plat. Donc, dans l'article, ils expliquent, comme on ne sait pas trop si c'est encore le cas ou pas, parce qu'a priori, les négociations ne sont pas terminées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si la capsule corporation représente réellement la licence Dragon Ball ou si c'est toujours Shueisha. A priori, d'après l'article, c'est toujours en négociation. Mais en tout cas, qu'a fait le Bunshun ? Ils sont allés voir Toriyama lui-même. Voilà, donc ils ont le journaliste explique, j'ai poireauté devant chez lui jusqu'à ce que je le vois. Je vois une bagnole se garer, il sort de chez lui et je l'attrape. Alors donc ça, c'est un article. Alors ça, c'est pas le même article. Ça, c'est notre article culte avec Puyo. Oui. Alors ça, c'est un article qui date de 2017 où déjà, ils étaient allés faire le pied de grue chez Toriyama parce que son nom est apparu lors des Panama Papers. Qu'il aurait des comptes offshore et voilà. Alors, en fait, et à l'époque, il raconte, mais j'en sais rien. Enfin, c'est même pas moi qui gère mon argent. Et là, il sort littéralement. Il sort les poubelles en jogging. Ouais. Et donc, mais bref, tout ça pour vous montrer parce que l'autre article du Bunshun, j'ai pas le Bunshun papier malheureusement, mais c'est pour vous montrer à quel point le Bunshun est prêt à aller au fond des choses. Et donc, ils arrivent. Toriyama Sensei, c'est vous? Donc, il dit oui, c'est moi. Vous êtes au courant de cette capsule corporation, etc. Ah, excusez-moi, mais le département marketing de Shueisha m'a demandé de ne rien dire parce que je fais tout le temps des gaffes. Et ils ont dit, mais c'est vous qui avez dit à monsieur Iyoku d'appeler cette société la capsule corporation. Il dit, ah non, j'étais très surpris. Et voilà, et l'échange s'arrête là. Akira Toriyama a dit non, moi c'est fini, je dis plus rien. Je me souviens de cette interview parce qu'on se l'a dit, je me souviens ce matin-là, Puyo, j'ai dit putain, il y a Akira Toriyama en photo et il est en train de parler, il sort les poubelles, enfin vraiment, c'était le big event. Et ce mec-là ne s'exprime que par des communiqués de presse. Mais non, mais il s'exprime même pas, ça ne l'intéresse pas. Non, mais il s'exprime sur les communiqués de presse quand il sort un truc. Oui, c'était pour quel Dragon Quest, il a dit, ah bah c'est le 12 Non, pour le 11, où il disait, oui, non, mais je sais que mes personnages se ressemblent toujours. Oui. Même si j'avais su que j'en prenais pour, je prenais Perpète avec Dragon Quest, j'aurais pas signé. C'était pour l'anniversaire. C'était pour l'anniversaire d'Dragon Quest. Il a dit. En plus, mes persos, ils commencent à tous se reconnaître. Ouais. Et là, c'est un moment que j'avais raconté dans mon bouquin, ouais, mais je le raconte ici. C'est qu'à un moment, il y avait le making of de Dragon Quest 11, et il y a toute l'équipe qui lui font. Il y a l'équipe d'Enix, Square Enix, qui lui dit, écoutez, monsieur Toriyama, il lui envoie par fax, tu vois, les instructions. Excusez, pour les designs, en fait, il faudrait que les deux héros portent des trucs à capuche. Parce qu'à un moment, il s'évade et il dit, il faudrait des capuches et tout, et qu'ils puissent les enlever. Et là, Toriyama, il fait, non, en fait, le design, il est très bien comme ça, il est parfaitement équilibré, il y a l'épée qui tombe comme ça, et donc. On n'y touche plus, j'y touche plus. Genre, il se fait chier à lui envoyer des trucs pour des indications. Ouais, et il a plus envie de s'embêter, hein, Kira Toriyama. Quand il fait les trucs, il est. Voilà. Il a 68 ans. Oui. Bien sûr. Puis surtout, il a plus rien à prouver. Il a plus besoin de ça, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est pas la thune de Dragon Ball, c'est Dragon Quest, quoi. Je reviens sur cette affaire, parce qu'au final, les gens qui nous écoutent disent, bah, on en a rien à foutre, que l'argent, il y a A ou B, tu vois. Ouais. En fait, ça peut changer. Il y a énormément d'implications à tout ça. La première, c'est que, comme tu le disais, c'est pas la première fois qu'un mangaka reprend ses droits. Sauf que jusqu'à présent, les exemples que tu as donnés, et les exemples qui sont repris par tout le monde,
c'est des mangas dont la carrière est entre guillemets terminée. C'est-à-dire que quand Tetsuo Hara de Ken le Survivant et Tsukasa Ojo de Nicky Larson quittent la Shueisha pour fonder leur propre société, c'est parce qu'ils estiment aussi que Shueisha n'exploite plus leur personnage. Et c'est d'ailleurs ça qui fera la fortune de Tetsuo Hara, puisque lorsqu'il crée sa société, dans la foulée, il va vendre les droits de Ken le Survivant pour faire du pachinko, donc les jeux d'argent. Et là, il déclare d'ailleurs « animé, figurine, j'ai jamais gagné autant d'argent que depuis qu'il y a des pachinko Ken le Survivant ». Donc ça lui permet de prendre en main sa licence et de faire d'autres choses. Takehiko Inoue, c'est pareil, Slam Dunk, la série était terminée. En plus, il était parti fâché de la Shueisha. On voit le manga fini de manière abrupte. Et ça lui permet de relancer plus tard avec le fameux film dont on a déjà parlé, qui est extraordinaire. D'autres exemples de mangaka comme ça qui partent avec leur truc sous le bras, c'est le mangaka de Gunm, qui quitte la Shueisha en cours de route pour faire son spin-off chez Kodansha, Last Order. Et puis donc là, le film avec... produit par James Cameron, là, qui est sorti il y a quelques années. Je serais curieux de savoir si un jour on aura ça en jeu vidéo, c'est-à-dire pour l'instant on n'a jamais eu de grosse sécession de... Tout d'un coup un artiste reprend... C'est pas impossible que Shigeru Miyamoto dise « Ah non, attendez, Mario m'appartient. » Mais ça serait intéressant de voir si un jour il y aura des artistes liés, par exemple Dragon Quest, hein, peut-être qu'un jour Toriyama... Est-ce qu'on peut faire un Dragon Quest? Est-ce que Toriyama peut aller faire un Dragon Quest ailleurs, ça pourrait être... Genre, il y a vraiment... Je pense que Square Enix a tout verrouillé en termes d'exploitation d'IP. Hein. Alors, mais tu sais quoi, c'est pour ça que des anomalies comme Dino Daiboken existent, quoi. C'est parce qu'ils ont tout verrouillé, sauf un certain truc. Mais ça serait intéressant de voir si le fait que les gens deviennent indés, c'est un truc qui pend au nez des grandes entreprises, simplement. Et donc, pourquoi je... Et je dis pas ça pour Tsumimasen Turbo, qui est devenu... pourquoi je dis que c'est important? Parce que donc, comme je disais, dans mon déroulé, c'est qu'en fait, tous les artistes dont on parle, c'est des gens dont on estime que le manga, l'exploitation du manga était terminée. Mais Dragon Ball, depuis 30 ans, ça ne s'est jamais terminé, ça ne s'est jamais arrêté. Ça fait 30 ans que tous les 1, 2 ou 3 ans, on a des jeux vidéo Dragon Ball. Il y a toujours eu des figurines Dragon Ball, qu'elles soient dans les machines à pinces, qu'elles soient là, il y a toujours eu des t-shirts, il y a toujours un anniversaire à fêter, il y a toujours. Et puis là, en plus, avec le smartphone, il y a toujours une nouvelle appli, il y a toujours un nouveau truc. Et depuis, en plus, l'explosion de Dragon Ball aux États-Unis, c'était Atari qui faisait les jeux Dragon Ball, là, les saloperies là, sur Wii et tout ça. Là, les DBZ Sagas, voilà, les Legacy of Goku. Il y a des Legacy of Goku qui se tiennent. Mais, ouais. Ah, non, mais la plus petite, où il y avait 95 persos jouables, genre il y avait le fermier à tête de chien, enfin, ils essayaient de mettre toujours plus de persos. Enfin, bon, bref. Et donc, Dragon Ball ne s'est jamais arrêté. Et là, Dragon Ball rapporte toujours énormément d'argent. D'après le Bunshun, le marché de... Enfin, comment dire, la valeur de Dragon Ball, c'est-à-dire ce que rapporte en droits dérivés Dragon Ball tous les ans, c'est environ 50 millions, entre 50 et 52 millions de dollars par an, à peu près. J'ai converti. Milliards, tu veux dire? Non, millions de dollars. C'est rien du tout. 50 millions de dollars, c'est rien du tout. Moi, je les prends, hein. Mais je pense que c'est plus, hein. Mais d'accord. En droits dérivés. Ah, en droits. C'est pas ce que ça génère en bénéfice. C'est pas ce que ça génère en général, c'est en bénéfice. Ah, d'accord. Et oui, en bénéfice, c'est pas mal. Et donc, on fait pas ça, assumer ma scène. Et donc, c'est même 50 millions. Enfin, je sais pas si c'est pas mal quand même. Un truc qui a 30 ans qui rapporte encore 50 millions aujourd'hui. Ouais, je vous demande de vous arrêter. Pour éclaircir un peu ce dialogue de sourds, on a checké après coup. Difficile de trouver ce que rapporte concrètement Dragon Ball chaque année. D'après un article du San Francisco Chronicle, jusqu'en 2019, Dragon Ball aurait généré 23 milliards de dollars depuis sa création. Et ça, on est d'accord que c'est beaucoup. Je vous demande de continuer. Voilà ce que déclare le Bunshun en termes de valeur. Et donc, ça serait sur cette valeur-là que se jouerait la discussion. Et l'autre implication, parce que j'explique pourquoi c'est important, c'est que du coup, jusqu'à présent, Shueisha, qui est une société très protectrice, surveillait un petit peu la qualité de ce qui était fait autour de ces licences. Mais là, tu as si potentiellement Capsule Corporation prend les droits de tout ça, cette société existe uniquement dans le but d'exploiter Dragon Ball. Donc qui dit que demain, cette société, par exemple, ne va pas vendre à tout et n'importe qui, puisque
le but, c'est effectivement de diffuser Dragon Ball au maximum. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le danger que demain, cette société dise « Bah oui, oui, Sangoku, c'est l'ambassadeur du Qatar » ou enfin, tu vois, parce que... Ah, ils ont quand même un devoir de... Mais devoir t'en sais rien. Enfin, ouais. On ne les connaît pas, ces gens-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent... Ils géraient Dragon Ball avec la guideline de Shueisha. Là aujourd'hui, ils sont en roue libre. Ouais, si demain, mais... si demain ils veulent faire, je sais pas moi, du Tabasco sans Goku, ils peuvent, tu vois. Alors que jusqu'à présent, c'était pas fait pour des raisons X ou Y. Mais c'est donc il y a ce danger de voir peut-être la marque Dragon Ball se dévoyer si jamais. C'est un danger inhérent à chaque. C'est un danger qui existe. À chaque changement de, je veux dire, ça aurait pu être le cas pour Mortel Adèle qui est devenu Mortal Adèle, donc grand phénomène de littérature enfantine, et qui avant était publié chez un éditeur, et puis à un moment le mec il a dit je vais m'auto-éditer depuis cette année, et ça cartonne mais à son compte quoi. Ah bah il fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est, enfin ici on parle de Dragon Ball. C'est une IP. Alors, c'est oui, mais je reprends l'article du Bunshun où justement Akira Toriyama n'a pas l'air de s'en occuper. Ah oui, Toriyama il s'en lave les mains. C'est-à-dire que là l'auteur de Mortal Adèle, si on lui dit on voudrait faire des gonichés Mortal Adèle, il va dire lui au contraire il s'implique à chaque virgule. Akira Toriyama il regarde plus. Tu imagines bien qu'il joue pas à Super Butoden et tout ça, quoi. Enfin, et donc, du comment coup, tout ça pour dire que cette prise de contrôle pourrait donner des idées à d'autres et que, en termes et de... aussi, voilà, deuxième grosse implication, c'est voilà. Donc là, il y a Capsule Corporation qui se fait, mais est-ce que demain il y en a pas d'autres qui pourraient se réveiller et dire ah bah ouais, tiens. Moi, j'étais l'ancien responsable de Masashi Kishimoto. Ah, je vais monter Konoha, le village de Konoha. Corp, voilà, tu vois. Ah ben bah, moi, je vais monter Mugiwara Limited, moi, tu vois. J'aurais peur pour eux, pour One Piece. Et il y a ce danger, justement, parce qu'on le sait, les éditeurs de manga nouent des liens très forts avec leurs auteurs. Et jusqu'à présent, ce genre de trahison n'était jamais arrivée, mais là c'est vécu vraiment, je pense, comme une trahison, parce que c'est un salarié de Shueisha qui a fait ça dans leur dos. Donc est-ce qu'il pourrait pas y avoir encore est-ce qu'ils vont pas s'arranger pour reverrouiller encore plus les futurs auteurs, les futurs stars? Écoute, je leur souhaite. Tu peux pas, enfin, bah à un moment, oui, ils sont déjà tellement verrouillés de base que je vois pas comment ils pourraient, mais en tout cas voilà, cet article du Bunshun a fait vraiment un gros bruit dans tout l'univers du merchandising et de la licence, parce que si jamais effectivement Dragon Ball change de main, c'est un précédent assez incroyable. Est-ce que je... J'allais y venir, il y a peut-être une troisième... Il y a eu une troisième... Alors, c'est pas une affaire, mais un troisième événement retentissant au Japon. Tu veux que je me lance? Je sais pas si tu veux... Excusez-nous, il y a eu beaucoup de... Je sais pas si c'est vraiment une reco, ça permet d'évoquer le studio Ghibli. Voilà, en fait, j'ai vu Kimitachi... Le garçon et le héron. Kwakubé. Kwakubé, à savoir le garçon et le héron, plus simplement. Dernier long métrage donc de Hayao Miyazaki. Voilà, exactement. Alors attention, il y a juste le teaser qui dure 40 secondes, Hubert. Ah, moi je le regarde pas. Fermez les yeux. Hubert si voilà, le montage. Voilà, Hubert le diffuse et en fait, on dit aux gens de faire des yeux, c'est génial. Voilà, c'était tout. Ça, tu dois... Ferme les yeux, Greg. Hubert, enlève. Enlève. Ah, mais il peut pas, il réalise en direct. Ah oui, parce qu'il y a un plot twist. Il arrive au milieu du film. De toute façon, ça va striker la vidéo, donc quoi qu'il arrive. Ferme les yeux, ça strike la vidéo. C'est quoi, tu mets une image? Pourquoi moi, je l'ai déjà vu. Mets l'affiche. Voilà, mets l'affiche. Mais en fait, pourquoi on veut pas regarder le trailer? C'est que le film a été sorti dans un first slam dunkisation absolue, à savoir... Blackout médiatique total, c'est-à-dire il n'y avait que l'affiche qui était connue, il n'y avait pas de trailer, là le trailer il a été fait pour l'Occident. Non, regarde pas Pouillot. Il l'a mis en boucle. Il prend un malin plaisir. Il est sur son téléphone. pendant une heure, vous aurez le trailer en boucle. Mais en plus, moi, je l'ai vu, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pour ça que je ne ferai pas de critique ici. Enfin, je reviendrai pas sur le film. Maintenant, on va revenir à sa sortie, je pense, au prochain épisode, Pouillot. À la sortie française, tu veux dire. Ce sera le 1er novembre. Oui, le 1er novembre. Parce que j'ai envie de respecter aussi cette idée que les gens veulent... Peut-être que dans les bonus, si les gens veulent vraiment toute fin de bonus. Voilà. Tu nous masqueras, le truc. Hein. On verra. Donc, on reviendra sur la... ce que tu as pensé du film. Par contre, je peux vous dire, j'ai adoré. Voilà. On reviendra en détail sur le fait que tu as adoré. Tu sais que pour beaucoup de gens, ne serait-ce que même le titre, c'est déjà trop de spoilers.
Mais en même temps, il faut au moins connaître le titre du film. Je veux juste dire un truc, c'est que j'ai pas aimé un Miyazaki aussi fort depuis Chihiro, je pense. Ah oui. Ah ouais, non, je pense que c'est son... Mais honnêtement, je pense que et donc, c'est brillantissime. Et donc voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que le film est sorti au Japon cet été. Et là, vient d'être annoncé la semaine dernière. Non, deux semaines. On était au Japon, donc c'était maintenant avec la diffusion, il y a quasiment un mois. On a eu le SMS qui nous disait... Enfin, le tweet qui nous disait « Attention, Ghibli a été racheté par Nippon TV ». Énorme deal. Quel hold-up. Énorme deal de la part ni Disney, ni Netflix. Mais je pense qu'il y a une raison à Nippon TV. C'est que, Miyazaki, et surtout Suzuki, qui est producteur et qui est artisan de tout ça, voulait que ça reste une société japonaise, ancrée dans une tradition japonaise, et aussi une respectabilité. Nippon TV, c'est pas comme si tu te vendais chez Hanouna. Ça reste quand même de la bonne télé, ça reste quand même assez exigeant. C'est pas la NHK qui reste quand même une antenne nationale, mais Nippon TV, c'est quand même quelque chose d'assez important dans le paysage japonais. Nippon TV, donc du coup, se rafle la société, donc la boîte de production, le studio. Tous les droits. On ne sait pas. Tous les droits. Donc on verra qu'est-ce qui se passera pour les deals. Encore une fois, le merchandising. Et surtout le merchandising, parce que quand Miyazaki réalisait les films, Chihiro et tous les autres, à cette époque-là, il disait toujours moi, les goodies, j'en ai rien à foutre. C'était pire que ça. Je n'en veux pas. Les seuls goodies, à l'époque où Miyazaki tenait vraiment le truc, avant que Suzuki mette son grain de sel, Miyazaki tenait le truc, les seuls goodies que tu avais, c'était des maquettes d'avions. Porco Rosso et quelques peluches Totoro et les artbooks et les Ekonte, donc les storyboards. Et du coup là maintenant si tu rafles les goodies Ghibli, enfin c'est des millions chaque année qui tombent gratuitement dans l'escarcelle de Nippon TV. Qu'est-ce qui va devenir du studio Ghibli en fait? Pour Suzuki et Miyazaki, en fait c'est pas l'important, en fait c'est ce qui se passera après leur vie, en fait. Parce que là, pour l'instant, on s'apprête à vivre encore une période où Miyazaki va encore réaliser. Et ça, c'est important de le dire. C'est qu'il est déjà en train de travailler sur le suivant. Et on peut lui donner 3, 4 ans. Et voilà. Est-ce qu'il y arrivera? Est-ce qu'il n'y arrivera pas? Moi, j'ai prédit qu'il en fait encore un autre. Ouais. Mais on a prédit qu'il partira sur sa planche à dessin. Et je crois que il veut faire comme Natsume Soseki, c'est-à-dire s'arrêter en cours de route et laisser une grande œuvre inachevée, parce que c'est un peu la marque des grands artistes de laisser une grande œuvre. Satoshi Kon, malheureusement, Takahata, même Hergé, finalement il en a laissé une. Après t'as inachevé, c'est-à-dire que quand Hergé meurt, personne peut faire la BD à sa place. Personne peut la finir. Alors que quand Takahata décède, malgré tout, le film sort quand même, parce qu'il y a toute une équipe derrière, ils avaient déjà discuté de la vision globale, de la direction du film, etc. Mais du coup c'est un gros coup incroyable dans le monde de l'entertainment japonais, parce que du coup il va falloir dealer avec Nippon TV pour plein d'autres participants, les Netflix et tout ça. C'était pas un entretien privilégié. Pour Suzuki, c'est un peu la porte de sortie. Parce que il est toujours mouillé dans ses histoires. Alors je suis désolé, parce que ça va être un peu le Sumimasen glauque, mais est-ce qu'on rappelle un peu qui est Suzuki et pourquoi c'est un personnage un peu sulfureux ou pas? Très vite. Très rapidement. Donc le studio Ghibli, qui était tenu par Miyazaki et Takahata, avait malgré tout quand même au-dessus de lui un producteur qui gérait toute la paperasse, enfin tous les trucs pénibles dont les artistes voulaient pas trop entendre parler. Le producteur, tout simplement, celui qui va chercher les sous. Et en fait, donc Suzuki, depuis plusieurs années, a pris des initiatives qui ravit les fans de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de merchandising. C'est-à-dire qu'avant, si tu trouvais 3 peluches Totoro dans la toute petite boutique qu'il y avait à Asakusa, t'étais content. Aujourd'hui, il y a des Ghibli stores un peu partout, remplis. Alors, il y a des boîtes à mouchoirs Totoro, il y a des porte-clés qui parlent, il y a plein de trucs partout. Il y a des costumes de bébé, je tiens à le dire, qui sont parfaits. Voilà. Et du coup, déjà, c'est un gros revirement pour le studio Ghibli, où jusqu'à présent, les goods étaient quand même assez rares. Et... quand le catalogue Ghibli débarque sur Netflix, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un des gros coups d'il y a 3-4 ans, c'était un putain de hold-up, faut dire ce qui est. Les gens se disent « Ah, mais il se passe des trucs chez Ghibli, qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a quoi, 6-8 mois, ça éclate. En fait, donc le producteur Suzuki
à une maîtresse ou une compagne. Non, une, c'est sa compagne. C'est sa compagne officielle, ouais. Mais elle est, enfin, il y a pas une histoire comme quoi il l'avait pas dit. Pour pas que ça non, fasse non, des... Non, mais il est divorcé, je crois, c'est tout. Oui, mais... non, mais il avait pas dit que c'était sa meuf parce qu'il lui a filé derrière. Pas, voilà. Il avait pas dit que c'était sa compagne pour... Pour lui filer des marchés. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, donc... Elle était photographe. Ce monsieur Suzuki, voilà, qui, a priori, aurait rencontré cette dame dans un bar à hôtesse, je crois, ou... Peut-être, non, et, non, je crois pas. Et du coup, en fait, donc cette femme, qui est, cette femme qui est une artiste photographe, en fait, il lui a confié tout un tas de contrats, il en a fait une directrice artistique, et elle a réalisé tout un tas de choses, il a financé ses documentaires, il a financé tous ses business avec l'argent du studio Ghibli, et bon, ça s'est su il y a quelques mois. Donc ouais. C'était un peu chaud pour lui. D'autant plus qu'elle n'est pas japonaise, et ça voilà. Au Japon, c'est pas évident. Ah bah, l'argent pur hein, voilà. Ne va pas en Thaïlande. Ouais. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour lui, et je pense que quand tu parles de... porte de sortie, c'est le mot. Oui, je pense que là, lui, il se dit, bon, c'est bon, est-ce que je vais continuer d'accompagner Miyazaki, mais dès que je peux m'arrêter, je m'arrête. Ouais. Avec une valise en sachant qu'il a 80 balais aussi, Suzuki, quoi. Bon, je m'en fais pas pour lui. Mais quoi qu'il en soit, le film est super. Mais voilà, oui, effectivement, c'était une grosse actualité, le fait que Ghibli, Ghibli, désormais... Ne s'appartient plus. Voilà, n'est plus un studio indépendant. Voilà. C'est ça. C'est ça le ouais. plus important. C'est que c'est fou. Ce n'est plus une unité indépendante. Mmh. Et pareil, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que, par contre, Miyazaki ne réalisera pas en dehors de Ghibli une dernière fois. C'est... Non, mais est-ce que Nippon Télé ne peut pas se dire, ah bah tiens, Super Mario Land, là, chez Universal, c'est pas mal, on va faire Totoro Land. Pareil, exactement comme ce que je disais tout à l'heure sur Toriyama et Dragon Ball. Est-ce que Daniel irait? C'est ça la question. Voilà. Tout dépend des goods et des attractions. Voilà. Mais tu veux qu'on tease un peu une vidéo? Ah, on peut teaser, oui. Bon, on peut teaser. On a vu Daniel dans un parc d'attractions et rien que ça vaut le détour. Ouais, on est, voilà. Et on te voit faire gling-gling. Vous n'êtes pas prêt. Ah ouais. Mais en tout cas, est-ce qu'on va enfin avoir... un jeu vidéo Totoro, oh. Un jeu vidéo Porco Rosso. Totoro Musso, c'est ça qu'on veut. Voilà. Ah putain, qu'est-ce qu'elle bonne idée. Le Chabus, c'est Fury. Soit t'as de la lave qui tombe. Et puis t'appuies sur la Fury et t'as Porco Rosso qui lâche des bombes, ah ouais, et tout. les personnages de Ghibli qui sont tellement belliqueux. Ghibli Musso. Ah, on va se régaler. Voilà, ce serait bien. Et ça, c'est possible grâce à Nippon Télé. Ses concentrations. Mais appelez-nous, on a des idées. on a des idées. Bon, ça nous offre une transition toute trouvée pour parler de jeux vidéo, enfin, après, oh là, quoi, ça fait... 1h45 d'émission, mais au moins. Mais non, mais c'était... Je pense que c'était nécessaire. Alors ouais, déjà, je pense c'est pour que ça que les gens sont là. Bah, je pense, d'une part, que c'est important, parce que si les gens viennent ici, c'est parce qu'on parle de choses qui ne sont pas discutées ailleurs. Et puis surtout, ça va, je pense, bouleverser plus ou moins profondément le milieu du divertissement japonais. C'est vrai. Et donc, par ricochet, le jeu vidéo. J'avais une reco-surprise, mais je la garde pour la prochaine fois, je crois. Ouais. pas mal. Toi, t'as un truc... Bah non, mais moi, je les efface, les recos, à chaque fois. Je vois vos 40 recos et je me dis, bon, bah, tant pis, j'en ferai une reco la prochaine fois. Ah bah oui, bah, je sais. Bon, allez, on passe au jeu vidéo sans plus attendre. Et c'est le moment d'envoyer le jingle, mon cher Hubert. Et oui, il est grand temps de parler de jeux vidéo autour de cette table, et enfin, de jeux vidéo pluriel, parce que là, vraiment, on a une liste longue comme le bras, on a même été obligé de refuser des gens à l'entrée, tellement il y avait de jeux qui nous sont passés entre les mains durant ces, quoi, un mois et demi, deux mois quasiment, depuis la dernière émission, depuis la dernière fois où on s'est retrouvés ici. On va commencer peut-être par le premier, celui auquel on a vraiment joué tous les trois, et bien saigné, hein, c'est Dragon Quest Dino Daiboken, alias Infinity Strash. Oui, c'est un nom à rallonge. La typo est pas très heureuse. Ouais, alors j'irai, voilà, moi j'ai simplifié en Infinity Strash, mais ouais. C'est Infinity Strash The Adventure of Dai, c'est ça, hein, le nom occidental, le nom. Il n'y a pas Dragon Quest dans le titre. Si. Si, ah, oui, Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Dai. Dans cet ordre-là. Le mec qui fait le logo, septembre. Ah ouais, non, j'espère là, qu'il facture. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, je crois que dans la graphie officielle, il y a Infinity Strash en majuscule et tout. Enfin, bref, c'est un sacré bordel, tout ça pour dire que c'est l'adaptation en jeu vidéo de Die. Et il n'y en a pas eu tant que ça. Alors ça fait partie. De Fly, pardon. Oui, c'est mieux. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu, évidemment, depuis le retour en grâce. En smartphone. En smartphone, ouais. Avec la production de l'animé. Ça fait partie des différents projets qui avaient été annoncés. Il y a également eu un jeu en borne d'arcade pour les enfants.
Et là, c'est vraiment l'adaptation qui s'est faite attendre, puisque c'est un développement qui a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu. On peut le dire, un development hell. Ouais, exactement, un titre signé donc chez Square Enix, forcément, puisque l'on parle de Dragon Quest, de la licence Dragon Quest. Et messieurs, c'est donc un animé RPG, un action RPG matiné, non pas de séquences animées, mais de séquences intermédiaires inspirées du dessin animé. Tu m'as déjà fatigué. Ouais, c'est sûr. En gros, c'est un beat'em up avec des mécaniques de RPG. Oui, c'est un boss rush avec des... Un peu. C'est un boss rush avec des touristes qui sont venus se faire casser la gueule. Alors, il faut le dire, on n'était pas acquis. Clairement pas moi, en tout cas. Si vous avez vu la vidéo du Tokyo Game Show, hein, voilà. Vous aurez compris qu'on était un petit peu mi-figue mi-raisin. On était un peu mi-figue mi-raisin. Et en fait, c'est que d'abord, il y a un problème en soi pour le jeu. Le sens du timing, c'est qu'il y a que des action RPG en ce moment qui sortent. C'est ouf. Il y a Istis. Il y a Fate Samurai Remnant. Nayuta. Ouais. Enfin, vraiment, il y a vraiment une quantité d'action RPG. Et sans parler de FF16, si tu en as entendu parler. Non. Donc, il y a vraiment... En ce moment, la mode, c'est t'appuies sur un bouton et tu donnes un coup, quoi. Tu donnes un coup et t'as un petit bouclier. Ça aussi, c'est l'autre mode. C'est que t'as un bouclier avant de pouvoir agresser l'adversaire. Il y a un stagger. Ouais, ouais. Voilà, la vraie mode, on en a parlé déjà pendant le Tokyo Game Show, c'est l'étourdissement. Ouais. Voilà, le stagger. Et honnêtement, moi, j'adore le stagger. Mais c'est vrai que... À toutes les sauces, quand même. Mais c'est vrai que là, il commence à en avoir vraiment Il est beaucoup. Temps qu'il ferme stagger. Hein, et... Très bon. Et alors là, je vais te dire un truc. Je pensais Dis-moi pas aimer... Truc. Mais bon, parce que le jeu s'est fait défoncer, hein. Où qu'il soit, le Metacritic est critique, justement. Il est autour des 60. Eh bien, moi, je vais te dire un truc. Dino Daiboken, c'est dans mon top 3 shonen préféré de tous les temps. Parle du manga, là. On parle du manga. Et je pensais pas un jour retrouver un jeu Dino Daiboken. Genre, c'était impossible. Dino Daiboken, il est même pas présent dans Jump. Superstar Jump Ultimate. Star, non, il n'y est pas. Ah bah non, Dragon Quest, c'est un enfer en termes de licence à gérer. Bref, c'est pour moi, c'était la licence qu'on n'aurait jamais. Je crois qu'il apparaît dans Jump Force en DLC. Oui. Mais c'était à peu près tout. Et genre, c'était déjà de l'ordre du miracle pour moi. Et là, on a vraiment un jeu. Il y a un jeu qui est un action RPG et qui, pour moi, se tient. Et il y a un truc que je trouve vraiment bien avec ce manga, et c'est aussi pour ça que ça me parle, c'est que c'est un vrai manga qui se déroule comme un RPG. C'est-à-dire que personnage qui est faible au début, qui va devenir fort avec des compagnons, ça c'est de l'ordre du shonen. C'est quand même l'élu. C'est-à-dire les rivaux, les rivaux qui vont devenir ses copains, enfin vraiment il y a tous les clichés, mais surtout ça se déroule comme dans un RPG avec une logique de RPG. C'est-à-dire les gens se heal, les gens ont besoin de telle magie pour se téléporter. Enfin, vraiment, L'équipement, il y a vraiment une. C'est vrai qu'il y a un souci du détail où habituellement dans les mangas et dans les animés, le grand méchant dit je reviendrai, puis il se téléporte mystérieusement. Sérieusement. Alors que là, il dit « je reviendrai ». Et il utilise un item de téléportation. Ils sortent leur petite plume, là. Fuit. Il sort. Et je trouve que c'est un souci du détail qui est charmant. Et à partir d'un certain moment, et ça, c'est le propre de Shonen, souvent, les personnages deviennent trop puissants. Et donc, du coup, on va le voir, c'est pas le problème de ce jeu, puisque le jeu s'arrêtera avant que tout le monde puisse voler. Ah, on spoil direct. Ouais, le jeu ne va pas jusqu'au bout de l'animé. Ça, j'ai trouvé ça un peu scandaleux. Je pense que c'est presque de l'ordre de l'hommage à la série télé originelle. Puisque la série télé originelle s'arrêtait à Baran. Et genre, Baran, il s'envole et puis il part et voilà. Et ils n'ont jamais fait la suite. Donc c'est pour ça aussi que... Ouais, mais désormais, la suite, elle existe. Donc, la suite existe. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore les storyboards au moment où les... Mais non, mais ils savent comment se termine le manga. Il s'est terminé il y a 30 ans. Oui, mais si la production, elle a commencé au moment où t'en étais à Baran, peut-être qu'ils ne sont pas allés plus loin. Je pense qu'il y a un vrai truc, c'est un souci d'échelle. C'est-à-dire que le jeu est déjà très très long, même comme il est. Je trouve... Très long. Ouais, en tout cas, très, très verbeux, très, il fait très interrompu. Ouais. Mais non, mais il fait 25 heures. Bon, Faut expliquer aux gens comment se déroule le jeu. Oui. Voilà. C'est des séquences action RPG. En général, c'est soit des boss, comme vous les voyez. C'est un jeu qui est extrêmement structuré, chapitré, on va dire. Chapitré, soit des niveaux à traverser, soit des mecs à tuer. C'est des missions qui peuvent être très, très courtes dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'elles peuvent durer, comme tu le dis, tu parlais quasiment de boss rush. C'est vrai que c'est un peu ça. Ça peut durer 2 minutes à 3 minutes par séquence. Mmh. En gros, tu vas avoir le moment où tu vas avoir les images, les vignettes qui vont défiler, qui vont reprendre donc la trame principale. Et au moment où ça bastonne, bah, c'est toi qui vas incarner Daipop, Mam et les compagnies directement en jeu. Ce qui veut dire que tu n'auras pas... C'est pas du tout un monde ouvert. C'est pas du tout une aventure inédite. Tu vas suivre la trame en réalisant les combats qui ont lieu dans le manga, soyons même plus précis encore. Le début commence par Baran qui te donne un coup et tu es amnésique. Oui. Et en fait, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont fait ce ton sépia pour les flashbacks.
c'est que c'est au fur et à mesure, c'est Dai qui se souvient de c'est qui la il est. Recollection voilà. De ce qui se passe dans ouais. le manga, et ça explique aussi toute une mécanique de jeu derrière dont on parlera peut-être un petit peu après. Et alors attention, parce qu'il ne s'agit même pas de refaire le dessin animé originel avec le moteur du jeu. C'est, en fait, c'est des, bah, c'est des gifs, là. Voilà, c'est ouais. des gifs, même pas animés du dessin animé. C'est des captures d'écran du dessin animé. Avec des sous-titres qui ont été redoublés, je pense. Et c'est bien et donc voilà, donc on se tape un slideshow qui peut parfois durer 10 minutes. Ouais, heureusement, tu peux l'accélérer, tu peux couper les séquences. Ouais. Ouais. Mais donc tu te tapes les diapos de Tata Jacqueline, quoi. En gros, c'est l'animé au moins bien puisqu'il est statique. Voilà. Donc, non, mais c'est vraiment c'est ça, c'est une soirée diapo. Et quand t'arrives à la fin d'un chapitre soirée diapo, on te dit et c'est là que Dai et ses amis affrontèrent machin. Hop. Ça passe, tu te retrouves dans une arène avec le boss, donc tu tabasses le boss est mort, pouf, tu repasses en soirée diapo, où on te dit, ah bah maintenant que Dai il a tué machin, il va faire ça et ça et ça. Et heureusement l'histoire est très très chouette. Moi je les ai regardées les séquences, parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs de l'époque où je lisais le manga. Mais structurellement, c'est hyper pauvre. Mais c'est hyper vieillot, surtout. Ouais. Enfin, alors, c'est un animé RPG comme on pouvait s'en coltiner il y a 20 ans. Et il y a un autre truc que j'ai plutôt apprécié, c'est que je trouve que la gradation, c'est-à-dire la manière dont tu montes en XP et que ça débloque des pouvoirs et tes perks qui se débloquent au fur et à mesure que tu récupères des cases de BD, j'ai trouvé ça assez chouette. Vraiment, j'aime bien les adaptations de manga qui intègrent le fait que c'est un manga, c'est-à-dire intègre des cases de BD. Par exemple, Jump Ultimate Stars, t'avais des cases de BD que tu mettais et ça te faisait un deck. Ben en fait, j'adore l'idée de faire un deck sur de la BD. Vraiment, ça oublie pas ses racines de ce que c'est une BD, tout en reconnaissant le travail des animateurs d'aujourd'hui. Et moi, en fait, j'y ai passé. J'ai pris vraiment mon pied. Ouais, alors que mécaniquement, ça reste quand même très simple. Hein. T'as quelques combos. T'as évidemment la possibilité d'outiller tes différents pouvoirs à cooldown sur le côté. Évidemment, c'est ton ulti. C'est tout. T'as l'ulti, t'as les magies. Tu peux customiser un petit garde peu. Garde spéciale, esquive spéciale. Tu peux customiser les coups spéciaux. Mais c'est vrai que c'est un peu pauvre. Et certes, je te l'accorde, il n'y a pas de Ultima. Il n'y a pas de Léviathan. Il n'y a pas d'Ifrit, mais moi j'ai préféré jouer à Dino Daiboken. Oh là là, c'est dit. Ah non, mais Dino Daiboken supérieur. On a tellement d'action RPG qui arrivent en même temps. Moi, je te parle juste de plaisir pur de faire monter des persos et de suivre une histoire. Moi, j'ai préféré revoir Dino Daiboken. C'est peut-être aussi parce qu'il est conçu comme ça. Hein. Ouais. Il faut dire ce qui est. Mais le mode histoire, pour moi, est une espèce de gros tutoriel de 15 heures. Qu'une fois que tu as terminé ce tutoriel, parce qu'en fait, on va dire ce qui est. Le cœur du jeu, c'est un dungeon RPG. C'est un sanctuaire. Ouais. C'est un dungeon RPG dans lequel tu retournes niveau 1 dès que tu recommences. Mécanique de roguelite intégrée voilà. directement dans le jeu. Il faut que tu ailles tout en bas. En fait, l'arnaque, c'est que le jeu ne va pas au bout du scénario. Et on te dit, quand tu as fini le scénario, ah, en fait, le dernier boss, il est au fin fond du donjon optionnel. Donc, du coup, bah, il n'est pas du tout optionnel, puisque si tu veux tuer le dernier boss, il faut que tu ailles au fond. Mais c'est le dernier boss sans pour autant se battre contre les autres boss intermédiaires. Ils ont mis ban directement. Oui. Quoi. Et du coup, tu te retrouves avec ce truc optionnel qui est en fait le cœur du jeu. Et évidemment, à chaque fois, tu recommences tes niveaux 1. Mais l'avantage que tu peux avoir, parce que le jeu devient de plus en plus difficile, plus tu vas profondément dans le truc, le seul moyen de t'en sortir, c'est de récupérer toutes les magies et toutes les super attaques que tu ne peux apprendre qu'en avançant dans l'histoire. C'est pour ça que je dis, moi, qu'en termes de structure, l'histoire du jeu n'est qu'un tutoriel, parce que c'est ce qui te permet d'avoir les personnages complets. Ça te permet aussi d'avoir des cases de BD. Donc voilà. Et une fois que tu les as, une fois que tu as fini le mode histoire, tu as le choix de plus ou moins créer le personnage que tu veux, équiper l'attaque que tu veux, équiper les vêtements que tu veux, équiper les cases de BD qui manipulent tes stats telles que tu le veux, pour pouvoir en fait créer une équipe de 4 personnes, ou moins si tu le veux, une équipe de 4 personnes pour descendre dans le donjon. Il y a un trophée si tu le finis à un perso. Il y a un grind très prononcé comme tu le dis, puisque les cases de BD que tu vas récupérer, tu vas pouvoir les fusionner pour augmenter leurs différentes capacités. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir en double, vont être convertis en cristaux qui vont te servir à les évoluer au fur et à mesure des matériaux que tu récupères. T'as une case de BD qui fait HP plus 10, si t'en as deux, la deuxième disparaît et se transforme en point d'expérience ou en point d'énergie spécifiquement pour cette case de BD qui pourra passer au niveau 2. Et donc HP plus 10 deviendra HP plus 12, HP plus 15, etc. Elles peuvent monter de 10 niveaux chacune.
Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir les meilleures cases de BD. En plus, tu peux en avoir qu'une de chaque. Ouais. Donc, tu peux pas équiper plusieurs personnages avec la même case de BD. Non, mais il y a suffisamment de cases pour être... Voilà, et donc, il faut trouver... En plus, tu as des cases de BD spécifiques pour chaque personnage. Voilà, les cases ultra rares. Si Dai utilise celle-ci, il aura un truc en plus. Si Mam utilise celle-ci, elle aura un truc en plus. Et donc, le but, c'est d'avoir un maximum de cases de BD. Donc, il y a des cases de BD que tu n'obtiens que dans le scénario. Et après, tu as des cases de BD que tu n'obtiens que dans le donjon. Aléatoirement, souvent. Voilà. Donc, le but, c'est de farmer les meilleures cases de BD, de farmer ensuite les points qui te permettent d'augmenter les cases de BD pour ensuite être suffisamment fort pour descendre au fin fond des je sais plus combien d'étages du donjon, puisque ça devient en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des énormes fossés de difficultés. Je crois qu'il y a 15 paliers, non ? Voilà, il y a d'énormes fossés à partir du 4e ou 5e palier où d'un seul coup tu peux tomber parce que c'est des salles aléatoires. Des salles aléatoires. Et tu peux d'un seul coup tomber sur des salles où il y a deux boss. Voilà. Et là tu te fais avoiner. Et le passage d'une salle à l'autre, c'est un petit peu comme dans Hades, tu choisis ton orientation si tu veux récupérer plus de plus force, de puissance, plus de défense et insister sur tel pas aspect. Hades, hein. C'est non, pas évidemment, non, mais j'exagère, mais c'est juste pour expliquer la structure entre les différentes salles. C'est très bien fichu, mais par contre, c'est pour les gens qui ont du temps. Ouais. Ah bah, parce que c'est en fait, c'est dur exprès. C'est-à-dire que c'est pas dur en étant imaginatif. C'est dur, genre, bon, bah, à partir de tel étage. C'est arbitraire. 20, voilà, d'un seul coup, les ennemis ont deux fois plus de HP. C'est ce qu'on appelle le Yarikomi appliqué à l'action RPG. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que même si tu es super préparé, il y a quand même un gros facteur chance. Ah bah, oui. Si tu as la chance de croiser des slimes de métal. Des slimes de métal, tu peux les invoquer. Il y a des items qui te permettent d'invoquer. Il y a un item qui permet de changer la prochaine salle. La prochaine salle. Voilà. Mais par contre, il y a des salles, parce qu'il faut dire ce qui est, il y a quatre personnages dans ton groupe, mais tu n'en diriges qu'un. Les trois autres sont dirigés par l'IA. Et il y a les deux autres. Voilà, non, trois. Tu es trois. Mais On est quatre. Oui, tu as le choix parmi quatre, mais tu évolues à trois. Quoi ? Mais non, on est quatre dans le donjon. Non, on est quatre dans le donjon. Oui. Ah, dans le donjon ? Ok. Dans le donjon, on est quatre. Et t'as pas qu'une quelle encore ? Si, je l'ai eu, mais je suis pas retourné avec une. Mais non, mais il faut sélectionner, tu sélectionnes et tu mets une quelle. Tu peux descendre à quatre. Ah ouais, voilà. D'accord. Tu descends à quatre et le problème, c'est que toi, tu diriges ton personnage, mais les trois autres sont un peu neuneux. Et dès que tu tombes sur des zones, sur des pièces où les ennemis ont des attaques de zone, tu peux être sûr que t'es. Notamment Pop le magicien, tu peux être sûr qu'il va plonger devant les attaques ennemies. Les bombes. Pour rire mou le plus vite possible. Les bombes qui explosent toutes seules. Et au final, je vous donne tout de suite le tips principal du jeu, c'est dès le 5e, 10e palier, il faut jouer Mam parce que c'est la seule qui a un sort de soin et il faut se contenter de courir après les alliés et de les soigner régulièrement. Ouais, tu zappes quand ils ont leur jauge de furie pleine et comme ça tu peux te débarrasser des boss. Il faut juste prendre le contrôle de vos alliés quand ils ont la jauge de furie, tu balances la super attaque et après tu reviens vite dans la peau de la healeuse pour pouvoir soigner tout le monde parce que sinon ils crèvent comme des idiots. Et surtout, autre détail super important, tu ne peux pas ressusciter. Ouais. Une fois que tes HP sont à zéro, c'est fini. Et ça, c'est galère. Et ça c'est galère parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu gagnes pas assez de HP par rapport aux dégâts des mecs. Arrivé au 6e, 7e palier, les mecs, ils te foutent des grosses patates. Quoi. Donc voilà pourquoi c'est un jeu de grind. Tout simplement parce que il faut, si tu veux finir le donjon, il faut que tes cases de BD, enfin, il faut que les meilleures cases de BD du jeu soient toutes niveau 10. Mais alors, ça, c'est le donjon. Il y a un truc intéressant, c'est que si tu as les cases de BD du chapitre 1 ou 2 ou 3, si tu les récupères la totale, ou même une partie, t'as des bonus genre tout à coup il va faire HP plus 50, tout à coup il va faire attaque plus 30, et c'est vraiment intéressant comme là on parle évidemment du donjon, mais la partie histoire, comme on l'a dit, tu parlais de boss rush, là on a vu pas mal de boss défiler, et c'est vrai que les boss constituent le cœur de l'expérience solo. Ils sont pas si évidents que ça, en tout cas en normal, t'as quand même intérêt à être bien préparé. Il te donne un niveau indicatif. Et il te donne un conseil genre, hey, tu devrais pas aller un peu farmer. Ouais, un petit peu. Souvent il t'incite à aller justement, à passer par le sanctuaire ou alors à faire les missions annexes un peu plus longues que les autres et un peu plus moussoisantes, donc t'as un peu plus de monde dans le terrain. Mais parce que les boss, je pense notamment à Yunkel ou Flazard, il y a des moments où ça se joue, c'est un peu ça, dur, joue ouais. Ça se joue à la dernière unité de vie où, ça m'est déjà arrivé de gagner les combats ric-rac, c'est pas si simple. Tu me demandais, Daniel, ce que j'en pensais. Je suis un petit peu comme toi, j'y suis allé non pas à reculons parce que c'était, mais je trouve le jeu moins mauvais beaucoup plus hypnotique que ce à quoi je m'attendais. C'est une bonne surprise. Évidemment, moi je me suis régalé devant l'animé, donc je retrouve tout ce que j'ai kiffé. Mais même d'un point de vue mécanique, c'est très très simple. Alors, je vais pas dire que c'est le jeu le plus riche, même en matière de combos. Hein, t'as trois combos et
trois variantes de pouvoir, on va dire, à chaque, à chaque type de pouvoir à cooldown. Et tu ne peux, ne peux équiper que trois attaques ou trois sorts quand tu es un magicien. Mais je trouve que l'équilibre se maintient bien en termes de ressources disponibles. Et le leveling est pas mal. En termes de gestion du level up, en termes d'attribution des cases, comme on l'a dit, en termes de symbiose entre la partie rogue et la partie solo. Ce qui fait que je me suis surpris à jouer pendant 6 heures sans, avec cette motivation du level up, avec cette motivation de débloquer des cases, avec des combats qui étaient toujours à la limite, un petit peu en tension, avec la possibilité de modifier les builds. J'ai mis une attaque... J'ai vu renforcer l'attaque à mort de Dai, et du coup quand il frappe il fait vraiment des grosses peufras et tout. Et ben je me suis surpris à apprécier beaucoup plus le jeu que ce à quoi je m'attendais, et surtout que ce à quoi je m'attendais au début. C'est-à-dire que plus tu avances et plus tu deviens vraiment t'as un arsenal qui se développe et une mécanique en symbiose qui se passe vraiment très bien. Donc plutôt surpris en bien. Je vais pas dire que c'est le jeu du siècle, mais je vais pas dire que c'est la grosse merde à laquelle tout le monde m'avait préparé. N'ayant pas vu l'animé, c'est aussi assez réjouissant de. Enfin, j'ai vu que pas assez. Hein. J'ai pas vu jusqu'à Crocodile. Non, mais tu connais l'histoire. Bien sûr. Par contre, l'histoire, je connais par cœur. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir les seiyuu. Et vraiment, les seiyuu de qualité. Il y a un vrai travail de doublage un peu à l'ancienne de Dino Daiboken. C'était assez plaisant en fait, parce que toutes les séquences ne sont pas en flashback sépia. Elles sont aussi en modélisé façon. Les séquences les plus importantes. Façon Dragon Ball. Quoi. Donc, vraiment surpris en bien. Moi, je suis pareil. C'est un mauvais jeu auquel. T'accroches. j'ai étonnamment passé 20 heures avec grand plaisir. C'est-à-dire il parvient. Donc, c'est pas un mauvais jeu. Il parvient. C'est-à-dire que je peux pas. C'est simple. Non, je peux pas. En fait, de la manière dont il est structuré, etc., je peux pas le conseiller. C'est pas. Enfin, tu vois, en école de game design. Même au fait de Dai. Ouais, si, peut-être. Si, et encore, moi, je pense. Il n'y a pas assez de produits d'Aiboken. Non, mais moi, je pense qu'en tant que fan de Dai, t'es un peu énervé de voir que le jeu s'arrête aux deux tiers de l'histoire, quoi. Ah, mais moi, je m'y attendais. Enfin, une fois qu'on me l'a dit, De toute façon, tu le vois d'entrée de jeu. Donc, Il y a que 7 chapitres. Moi, honnêtement, Le vois déjà en termes de progression sur PS5, tu te dis exactement où t'en es. Non, mais Baran, sur eux, il arrive au chapitre. Baran arrive au chapitre 5, et je me dis, ah, ok, ça va aller que jusque-là. Enfin, c'est évident. Bah, ils auraient pu. Enfin, après, le manga, c'est un boss rush aussi à la fin. Donc, oui, ils auraient pu. Ça aurait pu. Tu vois, moi, je pense qu'en 7 chapitres, ils auraient pu tout faire tenir. Non. Au lieu de perdre un temps fou là sur la forteresse de machin. Là, ça s'arrête aux environs du volume 17. Et c'est quoi, 34 volumes 34, 37, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Voilà, donc, non. Il reste encore tous les pions d'échecs. Il reste. Les pions d'échecs, t'en fais un boss rush. Ouais, mais il reste Ban, Mistvern. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Cacher la fin du jeu dans un dungeon RPG, je trouve ça malhonnête. Mais messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre la fameuse page des notes Famitsu Masen, qui a déjà fait notre réputation. Regardez Hubert comme il est fort. Alors, je vais pas faire le faux naïf. Je me souviens de la note que j'ai mis à Final Fantasy XVI. Donc je lui mets plus que 6, je lui mets 7. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, j'ai vraiment kiffé. Hein. Ok. J'ai passé un très bon moment. Ouais, dans l'ancien temps, je parlais de 6 labels. C'est complètement un jeu 6 labels. Donc voilà, 6 labels. Là, je sais pas d'où ça vient. Voir 5 labels, mais voilà, c'est entre les deux. Mais on va mettre 6 pour la démarche. Moi. Je l'aime beaucoup, mais il m'énerve, donc je vais mettre 5. Voilà, comme ça. C'est un jeu sur lequel j'ai aimé vraiment passer du temps. Je pense que je vais y retourner un petit peu si je tombe sur une astuce qui me permet de moins galérer. C'est-à-dire que là, je suis tombé sur une alerte ce matin qui dit qu'on a peut-être trouvé le moyen de faire sortir les slimes métalliques. Ah. Et du coup, si je peux gratter deux ou trois niveaux en expert ou voir un peu si je peux retrouver des cases de BD sans trop me faire chier, j'y retournerai. Là ça devient trop du travail. Alors, pour l'avoir fini, après, se débloque... On peut refaire les missions en X, c'est-à-dire toutes les difficultés. Tu peux refaire le jeu, t'as un vrai boss rush, mais en difficulté maximum. Moi, j'y suis allé niveau 60, je me suis fait casser la gueule. Je pense qu'il faut y aller niveau 99. Hubert, ne laisse pas filer trop vite cette page de notes, parce que je vous rappelle, par rapport au précédent Sumimasen Turbo, qu'il faut revenir sur un jeu dont on avait largement parlé, qu'on avait OTGS. Fini. Le jeu star. Eh oui, regardez-le. Armored Core. Tout en bout. Ah. Il a pas ses notes, Armored Core 6, Fires of Rubicon, parce que... nous, on l'avait pas encore fini à l'époque avec Daniel, et puis on attendait aussi un petit peu que ton verdict, que tu y joues.
Greg, nous sommes tout oui. Qu'est-ce que tu as pensé d'un Ah bah non, mais. D'accord. Ok. Bah écoute, après vos sorties dithyrambiques, après toute la presse qui s'est dit Elden Ring avec des robots, blablabli, blablabla. Sachant que moi, je jouais à Armored Core before it was cool. Hein, Armored Core 1, 2, 3, on était là. écoute, c'est un jeu qui m'a pas déçu, mais qui m'a pas non plus enthousiasmé outre mesure. C'est un Armored Core. C'est-à-dire, on sent juste que il y a Julien Merceron et ses équipes derrière qui ont mis un petit coup de taquet pour que le jeu soit magnifique, next-gen, ce que tu veux. Mais ça reste la mécanique classique des Armored Core. Avec un peu plus de stagger qu'avant. C'est très procédurier. J'ai trouvé les missions pas très inspirées. Hein, si t'as fait les 5 premiers, malheureusement, ça reste du... fais le tour de la map pour récupérer des trucs. Il y a 5 renégats, élimine-les tous. Introduis-toi dans cette base sans te faire voir. Sors de ces galeries avant qu'elles explosent. Enfin, c'est juste les autres en plus jolis. Et moi, il y a surtout un truc qui m'a énervé, c'est qu'on a voulu Dark Souls-iser, Miyazakiser le jeu, donc on a fait des boss très très durs, etc. Avec cette volonté de... pour chaque boss, il y a un point faible. Donc attention, ce boss-là, bah, regarde, l'hélicoptère qui a posé tant de problèmes à plein de gens, bah, l'hélicoptère, il faut y aller au corps à corps, ce qui est complètement anti-instinctif, mais qui est Par rapport à l'équipement que tu as au début. Oui, oui, et puis même, enfin, d'une manière générale, on te dit, bah tiens, il y a un hélicoptère, faut aller lui donner des coups d'épée. Tu dis, c'est bizarre quand même. Ce qui est très cher à Snable, je trouve, au contraire. Mais... Et donc voilà, bon, il y avait ce côté où chaque ennemi, où moi, je me souviens. Sa solution. Voilà, le gros boss du premier chapitre qui m'a tant énervé, parce que moi, j'aime bien jouer missile. Et j'ai passé une après-midi dessus à m'énerver c'est à chaque fois. C'est bien fait patcher la gueule. D'ailleurs, je sais pas ce que donne le jeu post-patch. Attention, je parle pré-patch. Oui, là. Pré-patch. Hein. Donc pré-patch. C'est refait nerfé aujourd'hui même, ouais. Je crois. Je vais y arriver. Donc j'arrive au premier boss, au premier gros boss, la fin du chapitre 1, où justement, moi j'aime bien jouer missile shotgun et ça marche pas du tout à chaque fois. J'ai passé une après-midi entière où il finissait à un point de vie et où je mourais à chaque fois. Et ça m'a énervé, je dis bon ok, vous voulez jouer à ça. J'ai équipé 2 fusils laser, je l'ai fumé en 5 secondes. Et ça m'embête. Ça m'embête qu'au final on te laisse une énorme possibilité de, alors tu peux jouer shotgun, tu peux jouer à 4 pattes, tu peux jouer à 2 pattes, tu peux jouer avec les pattes de poulet, tu peux machin. Et au final, arrivé au boss, le boss est tellement dur que t'es obligé d'utiliser les armes que les développeurs ont prévues. Donc au final t'as pas de liberté. Après c'est pour mettre l'accent sur la customisation. C'est le premier chapitre surtout. Ouais. Oui mais je suis pas d'accord. Les autres boss c'est pareil, ils ont tous un certain point faible qui les rend beaucoup plus simples une fois que t'as utilisé la bonne arme. Ok, très bien. Le deuxième problème que j'ai, c'est que plus que sur les autres Armored Core, sur celui-ci, il y a l'idée de combat en ligne. Et ils passent leur temps à rééquilibrer le jeu. Et selon si c'est jour pair ou impair. Selon la méta. Voilà, non mais si c'est un jour pair ou impair, j'ai l'impression qu'au gré des updates qui n'ont aucun sens, un coup, telle arme, elle est super balèze, ah bah ils l'utilisent tous, oh, bah du coup on va la baisser. Machin, là j'ai eu il y a 2 jours le shotgun qui était trop fort, on a baissé tous les shotguns. Eh, mais par contre, on a remonté tous les lasers. Ah, puis on a redescendu toutes les armes avec des piquants, les needles, je sais pas quoi là. Mais si tu veux que ton jeu il survive après que tout le monde l'ait fini en solo, t'es obligé de donner du grain à moudre aux gens qui sont lancés en multi. Et puis du coup, si t'es un mec comme moi qui avance à son rythme et qui doit. Il veut juste, moi, les mecs comme moi, on veut juste finir le jeu en solo et ne pas avoir à attendre de savoir si c'est comme au collège, semaine rouge ou semaine bleue, est-ce qu'aujourd'hui j'équipe les missiles ou est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'au final, je suis allé voir un petit peu sur une page japonaise spécialisée dans les mechas qui justement suit au jour le jour les tendances Armored Core. Et au final, bah, tout le monde joue avec le fusil mitrailleur. Parce que c'est tellement compliqué de savoir qui est fort, qui est pas fort. Enfin, c'est comme si tu suivais le cours de la bourse, en fait. Donc, au final, tout le monde joue au fusil mitrailleur. Donc, ils ont gagné. Ils te laissent customiser le truc dans tous les sens. Et au final, tout le monde joue avec le fusil de base. Enfin, donc voilà, ça m'énerve et je mets 6. Ah bah voilà, ah ouais. Même pas besoin de demander. Ce sera 6 pour un Armored Core 6. Puyo. C'est raccord. J'en garde un souvenir ému pour d'autres raisons que le jeu lui-même. Je pense qu'il m'a quand même beaucoup plus énervé que galvanisé. Ah ouais. Et j'étais un peu déçu de devoir recourir
Des stratégies un petit peu fumées pour finir. On l'a vu dans le Sumimasen combo. Ah, mais voilà, tu mets ça ou pas, Hubert? Hubert, il a déjà mis Hubert et Hubert, lis en toi comme un livre ouvert. Alors, je sais que Daniel. Moi, je trouvais ça brillant. Voilà. Moi, je trouvais ça génial. Je pense que c'est le jeu de méca que tous les fans de méca attendaient. Parcourir les environnements, ça me fait absolument kiffer. Vraiment, les niveaux, on le dira jamais assez, mais les niveaux sont géniaux. Il y a un gigantisme. Et ce qui est génial, c'est que ça ne s'arrête pas. Le cinquième chapitre, quand tu arrives dans la forteresse et que la forteresse devient la forteresse de la forteresse et que ça décolle de partout et que tu te bats dans l'espace et tout. Putain, mais dans mes veines, quoi. C'est vraiment génial. Alors, c'est vrai, ils ont nerfé. Je crois que moi, j'ai beaucoup utilisé le Zimmerman à la fin, mais je crois que justement, ils viennent de le nerfer aujourd'hui. Et c'est vrai que faut jouer un peu en fonction de... Il fallait un peu s'adapter par rapport aux tribulations du jeu. Moi, j'ai fini au tout début, donc j'ai pas eu à jouer à ça. Mais en tout cas, je trouve que justement, le jeu est assez ouvert parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Ah non, non, tu peux mettre 9 ». Il y a plein de gens qui... Tu veux dire qu'il est mieux qu'FF16 pourtant? Ah bah, un petit peu. Non, mais il y a plein de gens qui me disaient « Ouais, mais tu pourrais gagner encore plus simplement si tu utilises ce build-là ». Mais en fait, j'ai pu utiliser globalement le build que je voulais et faire en sorte que mon robot ressemble à un Gelgoog de Zeta Gundam. Enfin, vraiment, il y avait vraiment... Et j'ai bien aimé l'histoire, en fait. J'ai bien aimé tout le problème avec tes alliés, le fait que tu doives à un moment sacrifier tes alliances. Genre vraiment, c'était intéressant. Moi, ça m'a passionné. Je trouve que ça m'a... Je pense que pour moi, c'est le jeu de l'été. Avec Pikmin, même s'il est sorti beaucoup plus tôt. Et ouais, non, il y avait un truc, une fusion entre la musique, l'ambiance. Et si tu voulais te battre au contact, au corps à corps, tu peux. Moi, j'ai beaucoup fait de corps à corps. Comparé à toi, Pouillot, toi, t'as lâché le corps à corps. Moi, je le trouve nul à chier, le corps à corps. C'est le premier. Enfin, c'est quand même un jeu. Parce que vous êtes en train de nous refaire l'émission de la fois dernière. Non, mais c'est quand même un jeu où faut charger les coups au corps à corps. Genre, tu donnes un coup d'épée et puis, Pas tous. Il y a des. Non, oui, bien sûr. En fait, il y a plein d'armes différentes de corps à corps. Mais à la base, tu peux pas taper à l'épée. Tu vois, par exemple, au début, j'utilisais beaucoup la deuxième épée de corps à corps qui fait un slash et ensuite qui balance un deuxième slash circulaire très très large, très utile. Mais en fait, au bout d'un moment, la lance laser, elle défonçait. Franchement, j'ai adoré faire des customs. Excellent, on l'a vu, 9 sur 10. Ouais. Et on va. Désolé, Daniel, de te couper dans ton enthousiasme, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Fire Emblem Rubicon et qu'on a, je sais pas, au moins quoi, 10 autres jeux. 7 jeux. Donc voilà, on va un petit peu. Avancé, on parlait donc du mois de l'action RPG et on croyait pas si bien dire puisque juste en face de Dragon Quest No Daibouken le 28 septembre, mais c'est uniquement au Japon, est sorti Is This Nordics. Action RPG. Oui, alors on n'est pas... J'espère qu'en appuyant sur croix, on peut déclencher l'épée. On n'y a pas joué tous les trois puisque... Moi j'y ai joué. Oui. T'as récupéré la version physique, j'ai récupéré la version code avec des points PSN, et puis une fois que la version physique, elle va passer de main en main. De main en main à Greg. Et Greg, peut-être que le mois prochain, aura l'occasion de revenir là encore comme Armor Core sur la petite note qui accompagnera tout ça, et d'autant plus qu'on l'a pas encore fini. Moi je suis à 10h. T'as lancé le jeu. J'ai pas fait 10 heures. Alors justement, t'as pas fait 10 heures, mais combien de temps t'as pu vraiment jouer? Parce qu'en fait, le problème, c'est que je voyais encore que les tutos apparaissaient encore. Tu veux dire que c'est MGS4 Is This Nordics. Il faut savoir une chose, c'est que depuis Is7, mais surtout depuis Is8, Is est désormais très bavard. On a toujours évoqué Is comme l'action RPG étant mené tambour battant, ou voilà, en deux phrases, tu es lancé dans l'aventure. Tu sais quoi, je dois faire presque mon meilleur combat, mais au début, je disais que pour moi, vraiment, la quintessence de Is, c'est vraiment un jeu qui parle pas trop et que t'es lancé dans la plaine, et c'est un truc où t'es un garçon amnésique dans la plaine, quoi. C'est littéralement naufragé souvent. Et j'aimais ça en fait. Mais en fait, je suis pas du tout réfractaire au fait qu'ils adaptent et que. Que les aventures d'Adol, elles changent au fur et à mesure. Pourquoi pas, hein. Le truc, c'est qu'il faut. Il faut trouver l'épisode qui te ressemble le plus. Je sais que vous avez aimé 8, moi j'ai aimé 9. Ouais. Donc voilà. Je le trouvais trop confiné. Alors justement, Is This Nordic, je pense qu'il répond à toutes les critiques de Monstrum Nox avec le fait d'être dans une ville un petit peu limitée à 3 quartiers. Parce que désormais, vous l'avez peut-être vu passer, on va explorer un océan. C'est le côté Black Flag. Tu sais que les jeux à bateau, ça passe ou ça casse. Ouais. Parfois c'est nul, parfois c'est super. T'as pas encore eu le bateau, je pense, au stade non, où tu en es. Tu me diras ce que tu en penses la fois prochaine. Je pense que ça rend service, mais c'est pas non plus le plus grand bateau. Est-ce que je peux faire un corollaire négatif juste? J'y pense parce que je vois ça.
putain, mais la police de caractère japonaise. Ah, les sacs que tu n'arrives pas à repérer. Ouais. Ah, c'est horrible. C'est vraiment, elle est dégueulasse. Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Vivement la version européenne. La version européenne. Ce qui est relativement pratique d'ailleurs, c'est que tu peux te repasser les dialogues en audio quand une fois qu'ils sont passés. Donc s'il y a des mots qui t'ont échappé, et moi je suis avec mon dictionnaire, ça me permet de les repérer. À l'heure où pour l'instant le jeu est uniquement disponible en japonais, il est bon de le repréciser. Alors il est sorti sur PS5, sur PS4 et sur Switch. Et la version Master, c'est la version Switch, mais nous, on joue sur PS5. Et la version, disons-le, elle est sur Switch et ça se voit. Je viens de dire, effectivement. Et ça se voit. Ça se voit. Mais comme tu le dis, Daniel, ça se voit, puisque bah, techniquement, on reste dans la simplicité. Oui, c'est i2. Non, mais c'est un bon jeu PS3. Mais c'est fluide, oui. Ouais, PS2+, hein. Sur PS3, t'avais Devil May Cry 4 quand même. Hein. Oui. Non, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui... Oui, il y a FF13, ouais. Qui base avant tout sur le rythme et sur la musique. Mais donc, ah bah voilà, le SST est-ce que toi, Band, duo de tes 10 heures là ou de 12 heures de jeu? J'en suis encore à la période où il y a encore des tutos. Ah putain. Le recrutement de personnages, on sait depuis Is8, Is9, à chaque fois que tu recrutes des personnages, ça t'ouvre quelque chose dans l'aventure. C'est la partie un petit peu Suikoden de Is. C'est là, désormais, comme tu es en bateau, eh bien, l'équipage va grossir. À chaque fois que tu récupères un membre d'équipage, bah, ton bateau va gagner en résistance, ton bateau va gagner en vitesse. Et heureusement, parce qu'au début, tu avances à 2 à l'heure sur les flots. Après, tu auras des courants marins qui vont t'emporter un petit peu plus vite et qui te permettent de maintenir ta vitesse de flot. Heureusement, parce que vraiment, au début, tu avances à 2 à l'heure. Et le petit boost que tu as, il s'étale sur 3 mètres et t'attends un quart d'heure avant qu'il remonte. Non, j'exagère un peu, mais bon. En tout cas, ce qui est important dans Is10 et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a complètement changé de système. Enfin, complètement, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on a révolutionné un petit peu le système de trinité de personnages qui s'enchaînait. Désormais, tu vas évoluer à 2, puisque c'est d'ailleurs justifié par le scénario. Il va y avoir un lien magique qui va unir donc Karja, la princesse du Nord, et Adol, qui... Et forcément le personnage emblématique de la série. J'aime bien ces idées de trucs prétextes qui te... Comme dans le 9, il y avait beaucoup de trucs prétextes qui faisaient... Mais là, pourquoi ils se transforment en bête? Pourquoi ils se transforment en animal? Là, désormais, ils sont liés par un fil, un fil qui ne peut pas être coupé, à tel point que quand ils doivent aller dormir, eh bien, ils sont obligés d'être dans la même pièce, parce que le mur, oui, c'est comme ça. Et en plus, comme ils s'appellent Kyodai, les uns les autres, il y a un petit peu cette dimension frère-sœur qui s'installe. Et ça, on laisse ça à nos amis au tac. Bon, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de mécaniques qui se basent justement sur le fait d'évoluer seul ou d'évoluer en combo. Là, tu l'as vu, quand tu cours vers les projectiles quand tu es seul, faire des esquives rapides, ce que tu ne pourrais pas faire quand tu es deux, puisque quand tu es deux, tu es certes plus fort et capable d'encaisser plus de frappes directes, mais tu es plus lent. Et donc, ça joue sur la binarité entre des attaques rapides mais peu puissantes et des endurance renforcée quand tu évolues en combo, puisque tu as juste appuyé sur R2 et tu vas voir Karja et Adol s'unir pour faire des attaques combinées. Avec d'autres types de... Comme on l'avait vu dans la démo du TGS. Exactement, on vous renvoie à cette vidéo si vous voulez un petit peu plus de précision sur cette mécanique. Et ça marche plutôt pas mal, ça marche moins bien que ce que j'espérais, parce que finalement, quand t'évolues en duo, c'est quand même souvent la solution à tous les combats de boss. Mais tu patates et... Ouais, l'idée en fait, c'est comme les combats de boss se reposent encore une fois sur une mécanique d'étourdissement et des taggers. Oui. L'idée, c'est d'utiliser tes attaques qui font beaucoup de dégâts de stagger, donc d'étourdissement, en solo, pour ensuite te réunir et avec la mec, jauge de revenge que tu vois là, le petit multiplicateur, envoyer les plus gros starts dans la gueule avec des pouvoirs d'unification. C'est quel jeu n'a pas de stagger? Tears of the Kingdom. Hein. C'est vrai. Et encore, tu peux arriver dans le dos des ennemis. Ouais. Mais bon. Ah, c'est plutôt de la. Oui, c'est plutôt de l'infiltration. Tu voyages, donc tu vogues sur les flots et tu as pas mal de petites îles comme ça qui vont t'accueillir pour soit des missions cachées, soit récupérer des souvenirs. Mais c'est des petits îlots. Elles sont pour bien, l'instant, les îlots sont super. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de longs donjons et c'est un peu ce que je reprocherais au jeu. C'est encore une fois ce déséquilibre entre narration et action. C'est-à-dire que l'action va tellement vite que ta séquence de donjon, pour ce qu'elle est, tu la passes très très vite. Et en plus, tu as plein de choses pour améliorer tes mouvements. Avec les pouvoirs de mana, tu as un surf. T'as la possibilité de te suspendre telle une liane. T'as beaucoup de choses qui font encore plus accélérer le tempo. Alors c'est pour ça qu'on joue à Is, c'est pour avoir vraiment le côté patate dans la gueule. Mais du coup, tu parcours les donjons très vite et après tu repars pour des séquences de 15 minutes de blabla. Alors, donc, moi, les questions que tous les fans et même moi je me pose, c'est 1. Est-ce que le bateau c'est fun? C'est pas mal. D'accord. C'est okay. Pas mal, c'est pas le plus parce grand qu'en bateau. Parce qu'en général, qui soit. S'il y a tout, c'est un bateau arcade, hein, il fait des. Il se retourne très vite. Il drift. Il a du cooldown sur ses pouvoirs, sur ses canons. Mais c'est assez. Ce qui est plutôt bien pensé, c'est que quand tu as une arme
L'arme la plus puissante, c'est celle où tu canonnes sur les côtés du bateau. Bah évidemment. Donc forcément, tu es obligé de passer en latéral suffisamment lentement pour que tous les canons bombardent et que tu puisses éliminer assez vite. Bon, t'as joué à Black Flag, tout va bien. Oui, non, j'ai pas joué à Black Flag parce que Assassin's Creed, c'est vraiment contre ma religion. Du coup, t'as des ennemis à combattre sur la mer ? Bah, t'as des combats de boss. En fait, ça se déroule parfois en deux phases. Donc, t'as une phase où tu vas cumuler de la puissance lors de ces batailles navales. Mm-hmm. Et ensuite, soit tu vas aborder le bateau adverse, donc c'est un petit combat de boss. Soit tu vas carrément plonger dans des donjons en temps limité, avec bah, une note à la fin en fonction de si tu vas vite et si tu abats le plus d'ennemis possible. Et en fonction de la réussite que tu auras eu dans ta phase de bateau, tu vas bénéficier de plus de bonus dans la phase suivante. Et ça, c'est une phase que j'ai eue après 9 heures de jeu. Je sais que pour plein de gens... C'est-à-dire qu'elle a été introduite dans le tuto après 9 heures. Je sais que pour plein de gens, ils vont trouver ça moche. Ah, c'est hideux. Mais... en fait, je trouve que c'est un charme un peu... C'est du rétro gaming, quoi. Voilà, c'est un charme. C'est l'école Falcom, tout simplement. Écoute, je trouve que ça a du charme. Et moi, j'ai envie d'y jouer, je continue ma partie. Le seul truc, c'est encore une fois, et c'est le même problème que Dino Daiboken, c'est que Is This est arrivé en même temps que Dino Daiboken, et aussi que d'autres action RPG. Ouais. Bah, notamment un autre jeu Falcom, qui lui aussi. Lui bah oui, bah, donc à faire. Nayuta. The Legend of Nayuta Boundless Trails, qui est l'autre jeu Falcom. Alors celui-là, il est disponible en Occident, il est arrivé le 14 septembre dernier. Voilà, alors évidemment, un spin-off. C'est encore du Falcom, donc c'est encore dépouillé. Alors non, seulement c'est du Falcom, mais c'est une conversion. C'est une conversion d'un jeu PSP. Un jeu PSP converti aujourd'hui avec les outils de Falcom. Mais avec les outils de Falcom, précisément parce que c'est le premier jeu Switch Falcom réalisé Insider, parce que d'habitude, il le sous-traitait. Là, ce coup-ci, c'est le début d'une nouvelle ère pour eux, puisqu'ils vont directement les faire sur Switch. Et moi, je trouve ça absolument charmant. Mm. Vraiment, tu sais quoi, je suis un peu nostalgique de l'époque où on avait des action RPG un peu... Bah, les Duprism et tout ça, tu vois, les RPG PS1. Et en fait, celui-là est vraiment délectable. Ça se déroule sur une ligne, en fait. C'est vraiment, ça me rappelle Is3 de l'époque, tu vois. Ouais, en fait, c'est pas toujours de profil, mais on va dire que t'es... Ça a le feeling d'un action RPG. T'es pas en 3D, voilà. Ça a le feeling d'un action RPG Super Famicom. T'as pas d'environnement ouvert. Ouais. Tu restes, qu'il arrive, reste sur une espèce de ligne. Et sur un axe. Ouais. Très souvent. Ça a le feeling d'un action RPG Super Famicom. Mais fait de la génération PSP. Bah, c'est un jeu PSP, clairement. PSP, et je trouve que... Je trouve ça absolument charmant. En fait, c'est par rapport aux limitations techniques. Donc, t'as un seul village, t'as vraiment des petites zones assez limitées en termes d'exploration. C'est des missions à chaque fois. Mais ils ont pris un principe de saison qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Ce qui veut dire que bah, tu vas retourner dans des niveaux que t'as déjà fait, mais vu sous le prisme de l'été, de l'automne, tu vas pouvoir planter des arbres qui fleuriront et te feront des bonus quand tu vas revenir. Forcément, la topographie des lieux va changer parce que l'eau monte ou l'arbre va éclos, ou surtout, bah, tu vas avoir d'autres types de monstres à affronter, et des monstres de plus en plus puissants, donc tu vas être invité à revisiter certains des niveaux, d'autant plus que tu as beaucoup de quêtes de villageois qui vont te motiver à revenir. C'est un jeu très simple, hein. C'est vraiment le jeu PSP à l'ancienne. Ça, on a les traces et les stigmates, mais comme j'ai dit, c'est pas désagréable du tout. Il est que sur Switch. Hein. Non, il est également sur d'autres. PS4 et PC aussi. PC, je crois aussi, ouais. Mais après, c'est un jeu qui est déjà sorti sur PS4 il y a un certain temps. Hein. Oui, parce que il me semblait qu'il avait déjà été refait. Il est déjà ressorti. PS3 ou PS4 d'ailleurs. Non. Il faut voir l'historique, mais il est déjà ressorti. Hein. Parce que Nayuta, il me semble qu'il y en a qu'un de Nayuta. Alors, il est ressorti en avance au Japon. Ouais. Mais pour moi, il revient de la PSP et c'est justement pour ça qu'il était attendu. Attends, il y a eu un seul Nayuta ? Ouais, parce que c'est un spin-off donc, de la série des Kiseki, des Trails. Ouais, d'accord. Autre chose, ta palette de coups au départ est extrêmement limitée, mais plus tu récupères de trésors et plus tu vas aller voir le sensei qui va t'apprendre de nouveaux coups au fur et à mesure. Je me rends compte du temps qui passe, je n'ai aucun souvenir de ce jeu. Enfin, je sais à quoi il ressemble et tout, mais je ne me souviens plus. Il est ressorti en remaster sur PS4 et Windows en 2021 et sur Switch. Au Japon. Switch 2022. Ah, c'est au Japon, d'accord, ok. Ok. Là, c'est la première fois qu'on C'est la première fois en Occident. Ok, d'accord, c'est ça que tu voulais dire en Occident. Ah, c'est pour ça. Mais faut les suivre. ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de. Et puis surtout, Falcom, c'est encore l'un des rares éditeurs qui est un petit peu en décalage au niveau des sorties. Ouais. Ah bah, Is n'est pas sorti en World Wild. D'ailleurs, il est même pas annoncé alors qu'il est pour l'instant. Ouais. Donc, enfin, il va arriver, mais il n'y a pas d'annonce officielle d'un éditeur qui va le reprendre chez nous. Bref, c'est un jeu. C'est un peu à l'ancienne. Ouais. Tu lui donnes une note ou t'attends un peu ? Ah bah, il faut attendre un peu. Je sais pas si on lui donnera une note. Il y en aura deux, toi peut-être, Greg. On verra en fonction si on a pu avancer, parce qu'il y a tellement de jeux qui se ressemblent, et notamment celui-là, que
Ça va pas forcément, quand tu as East 10 qui arrive, Daniel Dabeken qui arrive, bah, tu le laisses un petit peu de côté. Il tourne très bien sur Switch, bon, heureusement, vu la gueule du jeu. Mais bah, il y a encore la patte Falcom. Donc pour tous ceux qui apprécient un petit peu les jeux du studio et la, on va dire le feeling dans les coups d'épée. Alors faut pas se fier à ce qu'on voit là, parce que là tu es encore très très limité. Ça, c'est le premier niveau. Ça. Mais après, avec la petite fée qui gagne ses pouvoirs, avec toi qui gagne davantage de type de coup, ça s'étoffe quand même un petit peu en termes de possibilités. Donc voilà pour The Legend of Nayuta Boundless Trails. On va passer à un autre remaster qui est sorti d'ailleurs quasi simultanément, au même moment, qui nous a accompagnés lors de nos pérégrinations au Japon. Le jeu du THS, comme on dit. Patton Kaitos 1 et 2 HD Remaster. C'est vrai que je t'ai vu jouer dans l'avion. Oui, c'est vrai. Et même dans le Narita Express. Parce que c'est dans le Nex, oui. Ouais. Daniel, allez, j'ai rejoué, toi qui ouvre le bal. J'ai rejoué quoi, hein ? Bah oui, parce que forcément, t'as pas envie de te lancer dans le 2. Bah ouais, non, mais surtout le 1 est tout simplement meilleur, en fait. Ah ouais, tu penses ? Ah bah, on m'a dit qu'il était meilleur d'un point de vue scénario, mais que le système du 2 était beaucoup plus intéressant. Ah, le système du 2 est plus abouti, mais le... L'ambiance et le... Moi, je sais ce qui arrive dans le jeu, donc je sais ce qui est plus intéressant dans le 1, quoi. Ouais. Donc, non, et alors, moi, j'ai pris énormément de plaisir, parce que d'abord... ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Motoi Sakuraba aussi inspiré, bah évidemment, ouais. C'était en 2000 et quelques. RPG de 2003, hein, 2003, c'est ça. 2003, ouais. Tri Crescendo. Ouais. Et tu sais quoi, moi j'adore le jeu original et ça me fait vraiment plaisir de le voir dans une version remasterisée. Ça me fait plus plaisir, je dirais même, que Chrono Cross, où le jeu était un peu techniquement flagada, pour dire pudiquement. Là, au moins, ils assurent sur le point de vue technique. Il y a juste un truc, c'est que, comme tous ces jeux des portages de RPG de l'époque, il te propose des options de confort assez intéressantes, du genre tu peux skipper les combats, ou alors tu peux te rendre invulnérable, en fait. Le moindre de tes coups peut tuer l'adversaire. Quand t'as déjà fait le jeu, oui, c'est intéressant, parce que tu passes plutôt vite sur le... Oui, mais le problème pour moi, c'est que ce qui m'intéresse, moi, dans Baten Kaitos, en plus de l'histoire, de l'ambiance, tout ça, mais c'est vraiment le système de jeu. Bah oui, t'as pas forcément envie de t'en servir, alors. Ouais, mais de deck building, mais moi, c'est ce que je préfère, en fait. Bah, donc, tu te sers pas des options, ça que t'es... Non, moi, je m'en sers pas. Ah, oui. Mais bon, je trouve genre, mettre une option aussi puissante que... Insta-def pour l'adversaire. Non, si t'as un combat qui te pose problème, je pense que c'est pour éviter que tu aies le sentiment de bloquer sur un jeu de 20 ans. Ouais, bien sûr. C'est bon, écoute, c'est cool pour ceux qui le voulaient, une option Insta-def. Hein. Ouais, moi je suis... T'as pas joué à l'époque. Ah bah non, puisque c'est Greg qui avait eu l'honneur de faire le test à ce moment-là, et comme on se partageait les jeux, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'était difficile de prendre le temps sur ce jeu-là, surtout qu'à l'époque, il en sortait encore beaucoup. Moi, je vais être le party pooper. Pour l'instant, je ne suis pas du tout transcendé par ce que je vois. Pour une simple raison, c'est parce que les combats sont extrêmement longs, beaucoup plus que ce que je pensais. Pas toujours très intéressant au stade où j'en suis. Donc, j'en suis après 9 heures de jeu encore. Heureusement, tu peux zapper cet écran-là. Tu peux faire. T'as quand même des options de confort, donc tu peux zapper l'écran de résultat. Ça donne. Tu gagnes déjà 10 secondes. Le problème, c'est que le fait d'accélérer les combats, ça accélère la phase d'attaque, donc les animations vont plus vite. Mais ça accélère aussi la phase de défense. Et la phase de défense, t'es obligé d'être au taquet par rapport aux séquences d'attaque des adversaires. Et eux, s'ils t'attaquent la gueule sans que tu trouves la bonne réponse parmi tes objets défensifs à employer dans tes decks de cartes, tu te fais ratatiner quoi, assez vite. En fait, les combats sont lents pour une raison. Voilà, les combats sont lents pour une raison et tu peux difficilement les accélérer. Si tu pouvais uniquement accélérer les phases d'attaque mais pas les phases de défense, je pense qu'on aurait trouvé un équilibre. Là, tout de suite, ça rend donc les combats aussi lents qu'ils ne l'étaient. Et d'ailleurs, le jeu avait été un petit peu critiqué pour ça au moment de sa sortie. Et j'ai pas encore eu le twist scénaristique que tout le monde m'annonce avec Pertes et Fracas. Ah bah non, il faut trop. Ah bah non, je vais m'en prémunir, j'ai pas attendu 20 ans pour me le faire spoiler à ce moment-là. Mais c'est 25 heures encore. Mais du coup, t'avances dans la smoule parce que les déplacements sont lents, les combats sont lents. Là, c'est le 2, là. Ouais, c'est le 2 qu'on voit. Origins, il y a un côté assez rustique dans l'exploration, t'es limité à 3-4 écrans quand tu te balades. Et encore, t'as pas le moment où le deck devient très technique avec les chiffres qui tournent. Ouais, au moins j'ai déjà plusieurs chiffres sur mes cartes. Ce n'était pas le cas au début. Honnêtement, tu vas kiffer parce que... Le jeu ne dit même pas « oriente ton stick pour aller chercher la valeur que tu souhaites sur la carte ». Non. J'ai pas vu le tuto. Alors normalement, tu verras, il y aura... Justement, c'est intéressant. J'ai vu soigner les ennemis dans le train en disant « merde, mais comment on se soigne ?» Alors peut-être que j'ai zappé la page tuto qui te disait « pour te soigner, t'appuies sur L et R pour... » Mais il a fallu que j'aille sur Reddit pour trouver, pour comprendre. Alors peut-être que j'ai pas fait gaffe parce que c'était le décalage horaire ou j'en sais rien, mais en tout cas,
je trouve. Le jeu. Non, mais... Effectivement, il donnait des bananes aux ennemis et ça l'énervait beaucoup. C'est quoi, mais comment on se soigne oui. Et en fait, il fallait s'attaquer soi-même. Et en même temps, 15 heures de vol, c'est deux de plus que d'habitude. Non, mais peut-être. C'est un film de Philippe Lachaud en plus, tu dois être fatigué. Je voudrais pas que ça serve de contre-argument sur le fait ah, t'es complètement. T'as pas su jouer et ferme ta gueule. Ça n'empêche pas. Personne dit ferme ta gueule à Pouillot. Ça n'empêche pas que je trouve le jeu beaucoup. Je le disais plus, mais j'ai envie maintenant. Beaucoup plus vieux et beaucoup plus démodé que ce que j'espérais, même avec les options d'ergonomie aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai l'impression d'arriver trop tard à la soirée. Imagine que Eternal Arcadia aussi ressorte, les gens verront. Il reste plus que du coca tiède sans bulle, quoi. Bah, Eternal, oui, c'est la despé ouverte, le fond de despé ouverte dégueu, encore chaud. Et si Eternal Arcadia ressort, j'espère qu'au moins il n'y a pas de phase de défense. Est-ce qu'il y aura les combats il faut qu'il y ait une option pour que tous les ennemis aient un HP en fait. Ouais. Bah là pour le coup, ce serait utile. Ouais. Mais voilà. Et sans parler du level up aussi, pareil. Qu'il faut aller faire au village. Voilà, je me suis dit, le temple, j'irai plus tard. Parce que finalement, on avance tellement lentement. Si je vais discuter au PNJ, ça va encore prendre trois plombes. Vu que c'est le PNJ un peu important pour faire ton propre level up, il a fallu quand même qu'à un moment je me dise ah bah tiens, c'est pas possible. Je commence à galérer un petit peu. Bref, effectivement, j'ai peut-être pas pris le jeu par le bon bout et je l'ai peut-être pris dans un état de fatigue avancé. Mais néanmoins, nonobstant. C'est pas un jeu à faire fatiguer, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est clair. C'est clair que tu peux vite t'endormir sur ta console. Et c'est pas l'expérience que j'espérais. Je vois la liste. Est-ce que tu t'es endormi en jouant F-Zero 99? Non, c'est un jeu que je préfère regarder jouer que jouer moi-même. Ah ouais, tiens, pourquoi ? Tu vois, quand je vois MV jouer F-Zero 99, ça me passionne plus que moi quand j'y joue, parce que quand j'y joue, je trouve que lui, il est technique. Ouais, enfin peut-être qu'il y prend du plaisir et peut-être qu'il essaie de creuser un peu. T'es arrivé jusqu'où ? Franchement, j'ai juste débloqué le multi à 99. Je me suis dit bon. Ah ouais, vraiment, c'est le. Ah ouais, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je m'en balais que, enfin. C'est-à-dire que Nintendo annonce un nouveau F-Zero, tu bof. Déjà, j'aurais espéré qu'ils annoncent autre chose que F-Zero 99, même si l'idée a du cachet sur le concept, mais. Enfin. c'est not My F-Zero, mais j'espérais un truc plus moderne. Bon, après, au moins, il est sorti, donc ça donne du grain à moudre, mais. Je sais pas. T'as trouvé ça génial, toi? Je trouve que l'idée est. Moi, j'adore. Non, mais le concept est fort, mais après, l'exécution, bon. C'est comme. Mario 35, tu vois. Alors, c'est... Bon. J'adore quand Nintendo reprend un de ses vieux jeux pour en faire un deuxième. Oui, mais Tetris 99, c'est super, tu vois. Tetris 99, c'est super, mais en vrai, c'est au cas par cas. Pac-Man 99. Pour moi, le meilleur, c'est Famicom. C'est les deux jeux Famicom qui sont sortis sur Wii U. Ah, NES Remix. NES Remix, ouais. Famicom Remix, ouais. Famicom Remix, je trouve ça absolument brillant. Voilà, c'est genre, ils vraiment. Ils prennent un concept. Oui, mais celui-là, moi, je te peux demander celui-là. Celui-là. Je sais pas si c'est mon 99, enfin mon jeu avec chiffres préférés. Je pense que Mario 35 était assez incroyable. Ouais. Franchement, Mario 35, je me suis. Franchement, à part Tetris 99, tout le reste, je trouvais que le concept était meilleur sur le papier que l'exécution. C'est trop gadget. Moi, je trouve ça pas mal, mais comme tu dis, je pense que j'aimerais bien voir des powerplay de gars super doués parce que je suis pas assez bon en fait. Moi, j'arrive à peine à tutoyer le 50. J'ai jamais vraiment été au-dessus de 50 parce que j'ai pas eu le temps de m'y consacrer, quoi. Mais en plus, c'est un peu dur, quoi. Non, et puis surtout, il faudrait avoir le temps. Et vous avez vu que notre temps, il a été un petit peu bouffé par d'autres jeux. Donc, Non, mais j'apprécie, par d'autres événements. J'apprécie aussi, le troll de Nintendo quand même. Il te montre des images d'F-Zero et tout le monde dit oh, ça y est, c'est le moment. Et on dit non, c'est ça. Ouais. Donc, il est gratuit, hein, il est offert avec. Il est gratuit si tu es en online. Si tu es en online, Max. Online max. Mais c'est bien d'avoir ce genre d'initiative pour. D'incentive, comme on dit, pour te pousser à t'abonner. Mais j'ai repris un petit abonnement pour voir ce que ça donnait pour celui de ma scène, par contre. Donc, je me suis fait un peu pigeonner quand même. Écoute. Un autre jeu ? Un autre action RPG peut-être ? Encore ? Il y a quoi d'autre ? Allez, on va passer assez rapidement sur Fate Samurai Remnant. Ah oui ! Qui est cartonne, hein, qui cartonne. Plus de 300 000 ventes déjà en l'espace d'une semaine. C'est le chiffre qui vient de tomber juste au moment d'enregistrer dans Susumu Masen. Au Japon, il tutoie quasiment les 100 000 ventes quand même. C'est beaucoup. Pour le Japon, c'est beaucoup. Pour le Japon, alors. C'est pour un jeu Koei Tecmo d'inspiration Musou, il y en a qui sont évidemment beaucoup plus vendus. Même Persona 5 Strikers avait forcément un petit peu. Mais c'est amusant de voir à quel point Koei Tecmo réussit à, non pas réinventer sa formule parce que ce serait beaucoup dire, mais en tout cas à la transposer à différents univers. On a vu Persona 5 Strikers qui était un petit peu plus dans la démarche action RPG. On avait Dragon Quest Heroes qui était plus dans la démarche Tower Defense. Là, c'est un petit peu si tu avais croisé l'univers de Yakuza Ishin. Avec des combats à la Musou. C'est-à-dire que forcément, Fate Samurai Remnant, donc ça s'inspire de l'univers du visuel novel Fate, sauf que c'est transposé à l'époque. D'ailleurs, à quelle époque ? À l'époque Edo.
plus beau. Avec j'y arrive. Yori Miyamoto, lui-même disciple de Musashi Miyamoto, qui s'avère une fois transposé dans l'univers, dans le multiverse de Fate, être une double samouraï à grosse poitrine. Voilà, c'est comme ça. C'est quoi? Ouais. Ah d'accord. Ah, tu savais pas. Hein. Non, je savais pas. Oui. Mmh. Oui, parce que t'as forcément. Ah, l'univers de Fate, c'est. T'as les complexe, masters et les servants. Hein. Hein, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je n'ai pas assez. Yori Miyamoto et pour servant Saber, sauf que au lieu d'avoir les cheveux blonds, elle les a bruns puisqu'on est à l'époque des dos. Et c'est assez amusant d'avoir cette technique, cette petite partie action RPG. Du stagger, du jamais vu. Du stagger. Le boss est sonné. Tu peux l'avoiner. Il y a du stagger dans Ys, ouais aussi. Et ce qui est assez amusant, c'est que forcément, Yori Miyamoto, au début, il est un petit peu faible, mais quand il... tu peux justement incarner le Servant, et en tant que... là, on le voit pas, mais tu peux, à partir d'un certain stade de jauge, eh bien, te transformer en Servant qui frappe plus fort. Et le jeu est plutôt intéressant à suivre. Bon, j'ai là encore, je suis à 7 heures de jeu, donc t'as vu, hein, j'ai quand même beaucoup joué, mais... C'est 7 heures de jeu t'as par jeu. T'as un peu joué à plein de temps. c'est bien. Mais c'est bien, hein. Tu as shotgunné les 10 sorties meilleurs heures de jeu dans Zumimasen. mais en tout cas, ça m'a donné envie de poursuivre. Parce que je trouve l'arbre de compétences, la façon dont il se déploie, hyper intéressant. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont passés maîtres dans l'art du dosage du level up. C'est comme Dai no Daiboken. Mmh. Quand tu joues, t'as toujours cette petite carotte qui est suffisamment éloignée de ta bouche, Dan, mais qui te retombe quand même un petit peu à un moment. Quand tu lui mets pas de notes, mais... Tu lui mets pas de notes, mais en tout cas, le cœur y est. Alors attention, hein, le cœur y est, c'est pas un mousseau. Donc voilà, si vous attendez un mousseau, en termes de mécanique, c'est un peu plus faible. Par contre, en termes d'intégration de narration et ce côté un peu Ishin qu'on retrouve vraiment, le côté de te balader entre les échoppes, entre les couloirs, d'avoir des petites missions annexes que tu vas débloquer... Guillaume. Ouais, mais exactement. Enfin, ça que ça. Mais quête FedEx ou ça va quand même? C'est des quêtes un peu FedEx, mais que tu arrives à faire dans le flow. D'accord. Ouais, c'est pas genre va chercher machin. En gros, si tu fais le tour de la ville, il te dit t'auras quasiment tout rempli. Faut tuer aussi deux mecs en même temps. Voilà, ouais. Et pour l'instant, alors peut-être qu'après ça devient Grindfest et c'est... Ah, une samouraï à cheveux roses, ouais. Et oreilles de chat, voilà. C'est... Mais... Historically accurate. C'est voilà. Authentique. Voilà. Mais tu vois, on l'a un peu snobé au TGS, c'est vrai, parce que... Parce qu'il sortait juste là. Il sortait juste là, et puis on s'est dit, on n'a pas le temps. Et puis pourtant, c'était un gros stand hein, sur chez Koei Tecmo, c'était le jeu qui occupait le plus d'espace. Le seul jeu. Comme Wulong et... Ouais, c'est vrai, c'était le seul jeu. Et en fait, alors après, encore une fois, il y a le côté spectre de la gratuité. Hein. Si je l'avais acheté 60€, peut-être que j'aurais un avis un petit peu plus mitigé sur le plaisir que j'en retire. Mais en termes de mécanique pure, ça marche vraiment pas mal. C'est pas un simple jeu à licence idiot. Bah non, encore une fois, Koei Tecmo, c'est vraiment des faiseurs et ils savent gérer ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de la licence, je pense que ça peut vous occuper, peut-être pas à 60 balles, mais en tout cas... On va essayer de le noter pour le mois prochain. Ouais, peut-être. On verra. Alors, Daniel, un autre action RPG peut-être. Non, tu sais quoi, je vais juste dire un mot. J'ai joué à Foamstar. Foamstar. La bêta de Foamstar qui avait lieu fin septembre. C'est quoi Foamstar déjà? C'est le Splatoon de Square Enix. Sur de la mousse. Ouh là là, ça a l'air confus. Est-ce que c'est aussi confus que ça dans la l'air? Ah, c'est encore plus confus parce qu'en fait, du coup, la mousse, elle, c'est pas juste. Attention à la mousse. Ouais. Ouais, c'est pas juste de la peinture. Ça donne un peu de volume et du coup, tu sais, hein, quand tu mets de la mousse dans tes. Ouais, ça m'arrive souvent. Et là, c'est pareil. À chaque fois que je jouais à ça, je me disais, mais pourquoi je joue pas à Splatoon plutôt? Parce que Splatoon, évidemment, elle est plus. C'est un peu le même principe finalement. Ouais. Tu te fais tes lignes de déplacement. C'est beaucoup plus. C'est pas de l'armement qui est géré, mais c'est les personnages en fait. Mm-hmm. Donc tu gères des personnages qui sont différents en fonction. Et voilà, c'est. Ah, tu veux dire que c'est il y a un peu plus le côté classe de personnage. Ouais, il y a un peu plus classe plus perso. Que l'arme qui ouais, ouais. Et c'est les classes de personnages qui gèrent les spéciaux. C'est pas les armes en particulier comme Splatoon, parce que tu pouvais avoir les armes avec différents finales, différents finishes, différents spéciaux. Ça a l'air incroyablement confus, j'avoue. Et honnêtement, je ferai la passe. Il y avait un bon buzz, disons. Oui, les gens qui disent « Ah, mais c'est pas si mal ». Mais oui. Bon, on l'a dit sur Dai no Daiboken. Hein, mais qui disent « C'est pas si mal » en sortant d'un salon. Mais ils vont pas y jouer, hein, ces gens-là. Ils vont pas le squatter. Et honnêtement, j'ai peur que ça va être un... Encore un événement, t'as peur? J'ai peur que ça va s'effacer comme un bain de mousse. Oh là là. Mais ouais, non. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Mais non, j'ai vraiment. Il y a vraiment un petit côté à quoi bon là-dedans. Ouais. Oula, c'est quoi ça? Oui, d'accord. Bon, c'était une ulti là qu'on a vu arriver. Ouais. Donc, Foamstars, on attendra à voir chez soi. Gage en queue en début 2024. Autre jeu? Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai joué à Detective Pikachu. Oui. Deux.
De le deuxième. Le retour de Détective Pikachu. Qui est sorti il y a quelques jours. J'ai entendu que c'était un peu mou. Souvent, j'ajoute des choses derrière. Alors, c'est pour ça que je testerai pas. C'est pas moi le public de ça, en fait. Mais est-ce que le public enfantin peut y trouver son compte, à ton avis, sachant qu'il est en anglais sous-titré français? N'oublions pas qu'à la base, c'est quand même un jeu qui... J'ai joué en japonais. C'est un jeu qui a été créé suite à une blague. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils considèrent que le film Pikachu, Detective Pikachu, a existé. Ils disent « Ah, mais ils ont adopté nos aventures au cinéma, mais ils ont changé, ils ont fait des adaptations. » Parce que forcément, adapter, c'est trahir. Enfin, il sort un truc comme ça, c'est un peu rigolo, un peu méta. Mais sinon, quand même, c'est soporifique. C'est pas tu peux le dire, hein, c'est pas grave, hein, Daniel. Pas soporifique, mais c'est pas tu t'endors, c'est juste que moi ça me passionne pas. On a encore un autre jeu, si je me souviens, c'était Greg qui nous avait dit qu'il avait joué à... Ah oui, Greg, on lui a filé un gage, du voilà. coup. On s'est dit, Greg, serait bien, c'est toi le spécialiste de Fortnite dans cette émission, et il y a un Battle Royale My Hero Academia qui sort. Alors... Quelle punition. My Hero Rumble, My Hero comment? Alors, je sais même plus. Ah bah d'accord. Je l'appelle le Fortnite Academia. Non, c'est... Enfin, tu l'as vu, là, le mec qui il court, il regarde, il a la tête tournée à 360 derrière, enfin à 180 derrière. Ouais. Donc le Battle Royale My Hero Academia... C'est très compliqué. Donc c'est un free-to-play qui est disponible sur toutes les consoles actuelles. Dans lequel on peut donc incarner au départ 5 héros et 3 vilains, et avec des gachas tu peux récupérer 3 ou 4 autres personnages, et on attend évidemment qu'ils en balancent d'autres, etc. Mais la plupart des gachas, à part pour récupérer 2 ou 3 personnages, pour l'instant les gachas pour lesquels tu dois payer, c'est plutôt cosmétique, on va dire. Comme vous le voyez, c'est un battle royale où en fait chaque personnage a des spécificités, même si au final ils se jouent tous un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont un coup à distance, un coup au corps à corps et un coup au corps à corps plus puissant. Il faut charger évidemment. Donc ils ont voulu conserver vraiment tout ce qui fait le sel de Fortnite. Donc le fait de, quand tu arrives sur la map, faut tout de suite courir vers des coffres pour choper du loot. Sauf que tu peux pas leur filer des armes puisque c'est des super-héros. Donc il faut vite courir pour choper des cartes de power-up pour augmenter la puissance de tes pouvoirs. Voilà. Et après, chaque personnage va avoir, lorsque sa jauge est pleine, accès à un super-pouvoir qui va changer selon qui tu es, évidemment. Donc moi, je joue Mount Lady. Donc c'est une nana qui peut grandir jusqu'à faire 40 mètres de haut, donc évidemment sa furie c'est quand elle devient gigantesque et qu'elle piétine les autres, etc. Donc c'est un personnage qui est intéressant à jouer parce que du coup elle tape très fort, très large, mais elle attire tous les ennemis sur elle parce que c'est une cible facile, quoi. Et donc tu peux, alors il y a trois types de personnages: les personnages qui frappent fort, les personnages qui frappent vite et les personnages de soutien. Sont plutôt des personnages qui vont modifier le relief, notamment le personnage dont je ne me souviens plus le nom, qui fait apparaître des murs, etc. C'est pas super beau. Il n'y a qu'une arène. Il n'y a qu'une seule arène, c'est le camp d'entraînement de l'école. Donc pour ceux qui connaissent la série ou qui ont lu les mangas, en fait, dans l'école de Yue, il y a un endroit où il y a une fausse ville, avec un morceau de la ville qui est en feu, un morceau de la ville qui est effondré, pour simuler des catastrophes naturelles, pour que les gens... pour que les élèves apprennent à être des héros. Donc, tu as des bonus, d'ailleurs, dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des victimes. Et en fait, si tu t'approches des victimes pour les sauver, tu gagnes des points. Bon, au final, ça ne sert pas à grand-chose, parce que les points, ça sert surtout à gagner des niveaux de héros. Mais ce n'est pas parce que tu as sauvé des gens que tu vas gagner la manche, en fait. Tu vas gagner la manche si tu tues tout le monde ou si tu es le dernier survivant. Il y a une mécanique que j'ai trouvée assez étrange. C'est que quand tu n'as plus de HP, comme Fortnite, tu te mets à ramper. Et tu peux te faire soigner par tes copains, ou au bout d'un moment, tu peux te régénérer si tes copains font certaines actions. Mais par contre, les héros peuvent venir t'achever au sol. Genre, tu étais en train de ramper et là, bam, ils te mettent un petit coup derrière la nuque et t'es mort. C'est pas très héroïque. Voilà, j'ai pas trouvé ça très shonen, en fait, quand tu vois les héros de My Hero Academia. Alors, le héros, il dit « Ah, Gomen Nasai !» et pas, il te met un bond direct dans la nuque. J'ai pas trouvé ça très, très fidèle, mais bon. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de bastons que dans les Battle Royale classiques où tu passes le plus de temps à tes pieds et à sniper. La map est assez resserrée. Ouais.
Et surtout, bah, c'est très bourrin. C'est très, très bourrin. On a déjà des tier listes qui apparaissent où on voit que en fait, les trois héros sont craqués par rapport aux autres. Donc Bakugo, Midoriya et comment ça s'appelle, Uraraka, celle qui fait la gravité. Voilà, les trois sont très au-dessus des autres. Hein, c'est, tu sais, les gens qui font des tier list, ils sont SSS et les autres sont A, B, voilà. Et donc c'est dommage, c'est hyper confus. Ça a l'air. Tu comprends pas tellement. La caméra va trop vite pour l'action en fait. Donc des fois tu te retrouves avec le personnage comme t'as vu qui court et il a la tête qui est encore tournée dans l'autre sens. Enfin c'est pas très beau. Le jeu d'une manière générale est pas très beau. Est-ce que les fans ils vont y aller? La maniabilité est pas ouf. Alors bah écoute. Je sais pas si moi je suis pas assez fan pour me réjouir d'avoir ce jeu. Mon fils qui adore My Hero Academia a rage quit le tuto. Donc c'est-à-dire qu'il m'a dit, je préfère jouer à Fortnite avec les skins de My Hero Academia. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le concurrent direct, en fait. Bah, c'est-à-dire que les personnages de My Hero Academia dans Fortnite sont plus beaux que dans le jeu My Hero Academia. C'est dommage, quand même. Non, mais c'est un classique aussi qu'on a souvent vu dans les médias et dans les jeux vidéo japonais. C'est à un moment, il y a les Occidentaux qui font un truc bien. Les Japonais se disent « Ah, mais on va le refaire à notre propre sauce. » Et en général, ça passe pas. On l'a vu, par exemple, du point de vue des Toys, le moment où les Toys américains et européens arrivaient en force et ils se sont dit « Ah, mais ils font du super taf avec nos héros, on va le refaire. » Mais c'est pas si simple, parfois, de refaire un truc. Non, mais le problème, c'est que le jeu a le cul entre deux chaises, quoi. Ils essayent de faire un jeu japonais avec de l'entraide, avec des petits bonus, genre « Il faut sauver les gens parce que c'est bien. » Et en même temps, ils essayent de retrouver l'aspect Battle Royale des jeux occidentaux. Je trouve ça un peu fort de café. Non, mais c'est surtout que le mec, il rampe au sol. C'est-à-dire que dans Fortnite, c'est un Battle Royale où c'est des no-names, donc ça te choque pas. Mais voir des héros dans l'univers, c'est-à-dire que c'est même pas des skins, c'est vraiment eux, quoi. Voilà, achever des mecs au sol, ça m'a un peu sorti du truc, on va dire. Mais bon, après, il faut aussi penser à la mécanique du jeu. Bon, rappel, le jeu est gratuit quoi qu'il arrive, donc si vous avez envie de l'essayer, c'est largement. Ça coûte 20 gigas sur ton disque dur quoi. Donc voilà. Ah, regarde, voilà mon personnage là, Lady qui pète tout. Et je trouve l'effet où elle grandit à la Ultraman, où elle est gigantesque, mais au ralenti, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais voilà, ne perdez pas forcément votre temps dessus, sauf si évidemment vous êtes fan de My Hero Academia. Alors, pour le coup, si vous êtes fan de My Hero Academia, la première chose à faire, c'est évidemment d'aller dans les options et de mettre les voix en japonais. Oui. C'est sûr. Il me reste un jeu. Ouais, il m'en reste un aussi, mais moi je vais le zapper. Mais c'est juste pour signaler très très vite. Très très vite. Juste que voilà, Phoenix Wright 1, 2, 3 est arrivé sur le Game Pass. Voilà, très bien. Juste pour dire ça. Moi c'est pour dire que j'ai fini Sea of Stars, le RPG Brochette Fromage. Est-ce qu'on devrait faire un spécial Brochette Fromage en fait? Ah, de ces quatre. Ces jeux, ouais, c'est sûr. Sumimasen Momiji. Momiji. Genre Hokkaido Turbo. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça aussi transcendant que je l'ai lu pareil sur les différents. Qui a une cote assez incroyable. Oui, voilà. Donc merci Hubert de mettre quelques petits extraits, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. RPG réalisé au Québec par l'équipe de The Messenger, Sabotage Studio, mais avec donc c'est super joli. Ascendance japonaise qui rappelle forcément et Chrono Trigger. Et c'est qui en musique? Et en musique, c'est... Alors, Mitsuda est crédité, mais il n'a pas fait l'essentiel. D'accord. On va dire que le système de combat, je l'ai trouvé un peu trop redondant. Par contre, le level design m'a par moments assez bluffé. D'accord. Par contre, Daniel, jeu japonais, et t'avais vraiment envie d'en parler. Et puis parce que ça a été un petit peu notre dernier arrêt au TGS. Je l'ai acheté le dernier jour, quand vous étiez déjà dans l'avion, et moi j'avais quelques heures, et je suis allé le chercher. On a vu un article, en fait, il faut parler de la genèse, pourquoi cet achat et pourquoi à ce moment-là. C'est que c'est un jeu qui est sorti en juillet sur PS3, Xbox, PC, et qui est disponible donc sur Steam. Il est disponible sur le monde entier et pendant 3 jours il était disponible dans le Game Pass, on va y revenir. Et en fait c'est un jeu qui a été un bide incommensurable. C'est un jeu de Détroit Publisher qu'on aime bien, Détroit, parce qu'ils font toujours des trucs rigolos. Et là c'est un jeu, ils se sont dit on va appeler Edo, alors ça s'écrit Edo, Ed Zero, Edo Zombie Uprising. Et c'est un dungeon RPG c'est des dons. Star Roguelite, voilà. Je peux juste me permettre une petite parenthèse avant que tu rentres dans la description du jeu. En fait, tu te dis bide incommensurable à tel point qu'il a eu droit à son propre panel au Tokyo Game Show. C'est ça. Où Matsuyama, Arada, donc Matsuyama de Cyber Connect 2, Arada de Tekken et le producteur, je crois, chez Detroit Publishers sont revenus sur les raisons qui ont fait que ce jeu a bidé. Ouais.
Ce qui est une ce qui est rarissime. Qui est rarissime. C'est, rarissime. Voilà. C'est un post-mortem. Un post-mortem où on parle de bide au Japon, ça n'arrive pas. Et oui, parce qu'on considère que les jeux sont des expériences. Et voilà. S'il avait une raison d'exister, ce jeu. Et honnêtement, le post-mortem était passionnant, surtout de ce qu'on pouvait attendre de personnes qui sont liées à Détroit. Parce que Détroit, il faut le savoir maintenant, c'est une filiale de Namco Bandai. Donc il y a quand même un boss de Namco Bandai. Il y a quelqu'un qui participe activement à Namco Bandai. Et une autre personne impliquée, ça aurait pu avoir un côté grivois du genre on se moque d'un Kusoge. Et en fait, non, d'abord pour y avoir joué, c'est pas un Kusoge. C'est pas un jeu de merde. C'est comme ça qu'on appelle. Mais c'est vrai que selon les critères Puyo, c'est-à-dire en c'est termes. C'est pas les comme du gameplay. Si, c'est très gameplay, mais par contre, c'est. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Le gameplay qui a été travaillé pour être très, très, très rédhibitoire. Ouais. On est dans un dungeon RPG, donc dès que tu perds la moitié de ton. C'est la Dark Soulisation. Ouais. C'est ça. En gros, t'avais l'impression sur le papier que t'allais avoir un mousseau avec des zombies à buter. En fait, c'est plus un roguelite Dark Souls. Voilà. Ça ressemble beaucoup à Dark Souls en plus. C'est un peu les gnaux, quoi. Les coups d'épée sont sur le côté. On peut sauter, donc il y a un petit côté Elden Ring. Et alors, le personnage est très très vilain et l'histoire est débile puisque, tu sais, c'est les fameux Kuroifune, les bateaux noirs qui a amené l'Occident au Japon. Et sauf que les bateaux noirs qui ont amené l'Occident au Japon, ils ont amené aussi les zombies. C'est vraiment genre la faute aux étrangers, quoi. C'est vraiment le contexte. Ah, ben bah ils ont amené les moustiques. Hein, le contexte nationaliste. Donc de c'est ce pas jeu. Les puces de lit, ça va. Ouais. Et bref, donc il y a un contexte un peu débile autour de ce jeu. Et qui s'assume aussi par de espèce que visuellement, parce que c'est. Comment on dit déjà ? C'est drag roll. Tu sais, c'est. Les personnages sont des espèces de pantins désarticulés, quoi. Tu vois le personnage. Ragdoll. Ouais. C'est, tu vois, le héros, quand il se fait balader, vraiment, c'est du ragdoll pur. Les ennemis aussi, c'est ragdoll. Enfin, vraiment, c'est. Il y a un petit côté un peu amateur. Mais par contre, la mécanique de jeu, elle m'hypnotise. Et le problème, c'est que je vois très bien qu'il faut que je donne trois fois plus de temps à ce jeu pour devenir meilleur. Là, je suis sur le troisième niveau. As-tu trois fois plus de temps? Là, je suis sur le troisième niveau et le troisième niveau, il est en 15 étages et donc il faut faire des runs très très corrects et arriver en bonne forme devant le boss parce qu'il y a des boss à toutes les fins de run. Il y a pas tant de niveau que ça, mais c'est par contre, c'est pas si mal alors. C'est ça que t'es en train de me dire, que le bide est pas mérité. Non, c'est super. Ça mérite. Mathieu Yama a dit bon. Est-ce que t'aimes parce que c'est un bon jeu ou est-ce que t'aimes parce que c'est un jeu cassé et que t'aimes bien les jeux cassés? Alors, je pense que j'aime parce que c'est un bon jeu cassé. Parce que Matsuyama, il a dit, bon, il y a quand même une raison fondamentale pour laquelle le jeu s'est pas vendu, c'est que moi, je l'ai essayé, je l'ai pas trouvé super bon. Donc, Ouais, mais Matsuyama, bon, c'est peut-être pas son... Oui, c'est vrai son, qu'il a fait la Sorazoise. C'est peut-être pas son style de jeu. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super, parce que, en fait, je suis en demande de jeux un peu à la Hades, ou plutôt à la Dead Cells, à la japonaise. Vraiment, si vous... On n'en a pas, hein, dans Tokyo Game Show, on n'en a pas vu. En ce moment-là, il y en a quelques-uns qui sont sortis quand même. Ce qui arrive, c'est maintenant les Vampire Survivors. Là, dans deux ans, Survivors à licence, vous allez en avoir à tous les goûts. Je pense que Dragon Quest Survivor. Une idée. Tu as des slides. Mais oui, non, bref. Non, mais vraiment, Edo, c'est vraiment chouette. Vraiment, j'ai passé un super bon moment en plus. Bon, et puis l'avantage, c'est qu'il doit pas être trop cher hein, maintenant, vu qu'il a. Alors, moi, je l'ai acheté à 3 000 yens en occasion. Ah, mais tu l'as pris en boîte. Ah, mais je l'ai pris en boîte sur PSA. Mais non, comment je vais pas l'acheter en démat à vachement cher. Oui, c'est sûr. Et il y a plein de manières de casser le jeu, comme tu vois. C'est-à-dire là, t'as la Kunoichi qui est super balèze. Il y a plein de manières de devenir plus fort. Et évidemment, plus tu rentres dans le donjon et plus tu peux débloquer des perks, ce qui facilite un petit peu le truc. Mais honnêtement, le prix à payer pour débloquer des trucs est très très cher. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut vraiment beaucoup de thunes, il faut vraiment. Là, je me suis pris le. Il a empoisonné le tigre. Je me suis pris le dernier boss du niveau où j'étais dans la gueule et j'ai fait. Ah, tu pouvais rien faire. Pourtant, j'avais le maximum. J'étais dégoûté, quoi. Mais un peu comme dans le sanctuaire de Dai, quoi. C'est vraiment des jeux qui demandent un peu d'implication. Et bien, c'est sur ce jeu-là qu'on va clore ce Famitsu Mimasen. C'est super. Voilà. Et vraiment. Alors, il était donné 3 jours dans le Game Pass. Je crois que c'est. Tu sais, c'est pour un, genre pour se racheter. Mais c'est que tu crois 2 ou 3 jours et c'est voilà, c'est, ça ne l'est plus. Famitsu Mimasen avec quasiment 10 jeux, hein. Je pense que c'est peut-être un record et je pense qu'on compte battre de sitôt parce que exactement, il est sorti. Il y a novembre-décembre. Ah, je suis pas sûr. Et mars.
Ouais, ah bah oui, février-mars 2024, là, je pense qu'on pourra, on peut abandonner les gros sujets et tout ça, on va faire que du jeu vidéo. Que du jeu vidéo. C'est sûr. Bon, bah voilà, c'est l'heure de saisir la petite tablette et c'est l'heure d'envoyer le jingle des news. Il y a un jingle, je sais même plus. Non, il n'y a pas de jingle. 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 Eh bah écoutez, on va enchaîner sans plus attendre pour les news de jeux vidéo. Allez, on va commencer ce tour de l'actualité en rendant hommage à encore une personne disparue. Voilà, c'est pas forcément gay, mais ça nous semblait nécessaire. C'est la disparition de l'illustrateur Yoshitaka Tamaki, cher à l'équipe de Tsumimasen Turbo. Si vous ne connaissez pas Yoshitaka Tamaki, on vous invite à découvrir les œuvres auxquelles il a collaboré, notamment Landstalker, Shining Force, Shining in the Darkness, Feda, Emblem of Justice, Climax Landers. C'est le grand artisan des années Climax, donc des années de la Mega Drive. Et Shining Force. Et Shining Force. Voilà, un illustrateur de génie. Illustrateur de génie. Une belle jaquette que je connaisse, c'est vraiment. Je pense que si Yasen Turbo existe, si nous on existe. C'est grâce à ça. C'est grâce à cet illustrateur qui avait le bon goût de mêler l'heroic fantasy occidentale et en même temps de sa capacité à faire du manga aussi. Ça, c'est l'illustration de l'époque Climax Lander qui est beaucoup plus tardive. Mais c'est quelqu'un qui mélangeait bien l'heroic fantasy. Il y avait un don pour les draper. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai écrit justement un article pour Tsumimasen Turbo où justement je disais que Shining Force 2 est génial, malgré l'absence de Tamaki. Tamaki que j'ai eu la chance de rencontrer une fois. Pour Anime Land, d'ailleurs, l'interview est ressortie sur Twitter, traduite en anglais. Ouais. Comme souvent en pareil cas, la disparition, on l'a apprise plusieurs mois après le jour. Oui, il est décédé quand 13 juillet, à l'âge de 55 ans. Un cancer du poumon, puisque ça avait l'air d'être un fumeur invétéré. Et d'ailleurs, je crois que dans la cérémonie, il y a carrément un paquet de clopes qui fait partie des différents objets autour de lui. Vers la fin de sa carrière, c'est vrai qu'on a, on a perdu un peu de vue, parce que son projet préféré, c'était Feda, auquel il a énormément participé. Les réalisateurs de Feda. Il a été, en fait, le game designer. Et puis ensuite... Sa société Salamander s'est orientée plutôt vers la gestion de, par exemple, du son et des bruitages de Robot Tyson. Il l'expliquait, il voulait réaliser des jeux sur PS2 et sur Game Boy Advance, mais ça ne s'est pas fait, puisque soit le projet de jeu il avait été repris, l'inspiration était venue d'une autre société qui avait eu le concept avant et qui avait pu le réaliser avant, soit la PS2 c'était pas suffisamment bien vendu au moment où ils espéraient sortir le jeu pour avoir un public suffisamment captif. Et puis il y avait cette illustration de Runebreed qu'on a vu pendant des années. Runebreed, RPG tactique Xbox qui n'a jamais vu le jour. Hélas. Tous les jours on se dit mais où est Runebreed avec True Fantasy Live Online. Voilà, il a été annulé comme beaucoup de ses projets ambitieux sur Xbox, des générations Xbox. Post-TGS, il s'est passé des choses. D'ailleurs, même durant le TGS, il y a des centres qu'on n'a pas vus. Dans les commentaires de Tsumimasen Turbo, il y a plein de gens qui nous ont dit « Mais est-ce que vous avez vu passer la Saturn Mini ?» Il y a une Saturn Mini qui se balade dans les allées du TGS. Alors, elle n'est pas dans les allées. Alors, elle était... Si, elle n'était pas loin de stand Konami, si j'ai bien compris. Ah, d'accord. Sur le stand de Taisei Denki. Alors, c'est pas du tout sur le stand Sega, puisque voilà, c'est une... En fait, C'est un prototype, c'est une boîte réalisée par une autre, une boîte, comme vous le voyez, réalisée par une autre entreprise qui s'appelle Taisei Denki et qui suggère l'éventualité d'une console Saturn Mini, puisque en fait, il faut savoir que la technologie FPGA, donc qui est de l'émulation hardware et non pas de l'émulation software autour de la Saturn, connaît actuellement un bon grandissant. C'est également le cas pour la Nintendo 64 et je pense que sur ces bases-là, ils ont mis en boîte un petit PC, ils l'ont mis dans une forme de Saturn Mini, ils se sont dit, si on a des gens qui peuvent être intéressés par l'émulation FPGA et éventuellement Sega pour une Saturn Mini, regardez, ça existe et ça peut tourner, ça fait actuellement tourner. Là, ils mettent Dracula X, mais on voit tourner Darius 2, je crois. Ça marche pas très bien. On voit tourner Darius 2 version Saturn. Ils voulaient montrer Dracula X parce qu'il vaut 20 millions. La boîte Taisei, elle se charge de distribuer d'autres machines un petit peu sur le même principe similaire comme la Retron 5, et ils se sont dit, peut-être que ça va attirer les regards, peut-être que ça servira à négocier des contrats, des deals, notamment aux côtés de Sega, pour une Saturn Mini. C'est intéressant de voir comment Nintendo s'est un peu évacué de ce marché-là. En sortant, ils ont sorti la NES, ensuite la SNES, mais en fait, du coup, maintenant, leur concentration, c'est le Switch Online, quoi. Et puis surtout, après, ça commence à coûter un petit peu plus cher que des simples matos de téléphone que tu refourgues avec des émulateurs dessus, je pense.
Bref, tout ça pour dire qu'il y a un spécialiste des consoles mini, il s'appelle Zwicky. Ils ont sorti, alors on parle, le X68000Z. C'était le 28 septembre, lui aussi. Cette petite machine inspirée du Sharp X68000. Peut-être qu'on en fera un SummerSlam combo. Hein. Si on réussit à s'en procurer un. Parce que ça vaut très cher. Ça vaut quasiment le prix d'une console. Si tu veux, alors si tu rajoutes la version avec l'option de l'écran, ça coûte quasiment 450€, je crois. Bon, tout ça pour dire que Zwicky a frappé. Puisqu'après, c'est eux qui étaient derrière les matos des Mega Drive Mini et du X68000 aussi. Et là, ils ont carrément annoncé en projet Kickstarter le Dance Dance Revolution Classic Mini, à savoir une mini-borne Dance Dance Revolution qui inclurait Dance Dance Revolution phénomène au tournant des années 2000. 1, 2, 3. Ah, voilà, 1, 2, 3 qui inclurait First Mix, Second Mix, Third Remix, mais pas forcément avec l'intégralité des chansons sous licence. Il y a beaucoup de chansons sous licence, mais au moins les chansons de Konami, en tout cas les plus célèbres. Et donc, Butterfly n'est pas dessus. Non, mais la campagne va commencer le 10 octobre, sur Kibidango, qui est l'un des Kickstarter japonais. La borne fait 40 cm, elle se branche en HDMI, mais tu as également un petit écran LCD de 5 pouces si tu veux jouer, et même des tapis à main. Eh oui. C'est-à-dire que tu peux brancher ton tapis USB classique, mais tu peux également jouer avec les doigts. Est-ce que tu as envie de jouer à ça ? J'ai envie d'avoir la borne juste pour le plaisir du... Ce qu'il faut savoir, sur une borne, tu déchirais. Oui, parce que t'avais les steps quoi. Ce qui me bute, c'est de savoir que Dance Dance Revolution a plus de 20 ans. Mais ils ressortent pas un tapis pour aller avec. Je crois qu'il est compatible en tout cas avec certains tapis USB si t'en as besoin. Je sais pas si d'autres. Je pense qu'ils vont les ressortir. Ouais, ce sera l'occasion de commercialiser des vrais tapis. On l'a également appris juste après le TGS. C'était le lundi. C'est le départ d'Hideki Kamiya de Platinum Games. Tu sens qu'ils ont dealé ça, genre, est-ce qu'on peut faire le reveal juste après le TGS? Histoire d'éviter que tout le monde parle de ça dans les années. Ouais. Comme ça, on signe les contrats avant. Voilà, c'est ça. Il y a eu parfois ce genre d'événements qui ont eu lieu durant le salon et ça avait alimenté toutes les conversations. Après 17 ans de bons et loyaux services, l'un des cofondateurs de Platinum Games, Akatsushi Inaba, quitte le navire. Alors, Hideki Kamiya, on le sait, Devil May Cry, Resident Evil 2, puis Bayonetta. Ensuite chez Platinum, Bayonetta, Wonderful 101. Malheureusement, Scalebound n'a jamais vu le jour parce qu'il a été annulé en 2017. Mais voilà, son départ sera effectif le 12 octobre. Il y a eu une toute petite annonce de Platinum qui s'est contentée. Une toute petite annonce. On aurait dit un faire-part de décès, vraiment. Ah, on est désolé. Ouais. On a brillé ensemble et maintenant, bye. Ciao l'artiste. Atsushi Inaba, donc l'autre cofondateur historique, ne s'est pas exprimé sur le départ. Et Hideki Kamiya a dit si vous voulez. Voilà, c'est une décision qui a été prise après une longue réflexion basée sur ses propres convictions. On sait que Platinum a connu des années un peu moins fastes, notamment entre Babylon's Fall, le dérivé spin-off de Wonderful 101 qui a passé totalement inaperçu. Que là, ils sont en phase de modernisation, Platinum. Là, ils sont dans une phase intermédiaire. Ils ont ouvert un autre studio. Ils comptent quasiment 350 employés. Ils ont récupéré des anciens Nintendo. Ouais. On sent qu'ils sont dans une phase transitoire. Une phase de transition dont Hideki Kamiya n'avait visiblement pas envie de faire partie, ou en tout cas, on ne connaîtra pas encore le fin de l'histoire. Soit il va chez un Chinois, soit il va faire ses petits shoot'em up 16 bits dont il rêve. Hein. Ouais, comme Yuzo Koshiro, finalement. Voilà. Ouais. Et puisqu'on parle de Kamiya, il n'y a d'ailleurs aucune nouvelle de Project GG. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Project GG, un teaser, un chat, ou non, un chien, voilà. Enfin, voilà, une ville apocalyptique. Ça, c'est un truc qu'on a vu, ça date déjà de 2020. Donc c'est dire si ça remonte. Alors on a une réapparition en juillet 2022. C'était montré où ça ? Je crois que c'était un PlayStation Showcase ou un événement de ce genre. Et c'était un Platinum ça ? Ouais. Et alors là par contre lui il est porté disparu et je sais pas si on aura des nouvelles prochainement. Hein. Vraiment voilà, producteur Atsushi Inaba. Ce sera un petit peu le... C'était un Kamiya ? Enfin, en tout cas, Platinum était impliqué sur le projet et Kamiya aussi, ouais, tout à fait. Directeur. Ah, bah oui, Kamiya, c'est carrément le réalisateur. Sans lui, il n'y a pas de jeu, quoi. Voilà. Ah non, Project GG, Project GLHF, comme on dit. Alors. Quoi ? Ouais, bon, c'est putain, mais ça a l'air super ! J'aurais voulu que ça sorte, Oui. Bah écoute, pour l'instant, ça ne sortira pas. Ça a été annoncé juste après le TGS, comme quoi c'était peut-être pas digne du TGS. C'est le HD Remaster, portage HD Remaster de The Legend of Legacy. C'est vrai. Le Saga, qui n'est pas Saga, mais pourtant, on retrouve à peu près le même. Même monde, compositeur Masashi Yamauzu, Tomomi Kobayashi aux illustrations, Masato Kato au scénario, enfin voilà, c'était le Saga qui se réclamait de l'école Saga. C'était la fameuse année... L'année Furyu. Il y a deux époques RPG très particulières du Japon, il y a eu l'époque Image Époque, et il y a eu ensuite l'époque Furyu, qui était à la fois des tenanciers qui essayaient, des tauliers en fait, qui essayaient de refaire des RPG à l'ancienne avec les talents d'autrefois. C'est ça, janvier 2015, l'épisode original, et puis là, l'original arrivera début 2024 avec doublage anglais-japonais.
PS5, PS4, Switch, Steam, ergonomie améliorée, bref, toutes les options qu'on peut attendre d'un HD remaster. Bon, bah peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler hein, au moment où il sortira. FF7 Rebirth, on a eu des nouvelles de FF7 Rebirth durant le TGS. Bon, on vous l'a dit, hein, c'est un FF qui va tenter le pari du monde ouvert, contrairement à FF7 Remake qui était lui plutôt... Ah, du monde ouvert, des zones très ouvertes. Des zones ouvertes, contrairement aux zones couloirs de FF7 Remake. Et donc, il faudra... Ou des boyaux de FF7. Ouais, c'est ça. Il faudra gonfler le monde, il faudra lui ajouter pas mal de petites choses, notamment du craft. Hein. Il y aura des points, du matériau à crafter pour transmuter les objets. Mais qui te rapportent de l'XP. Ça, j'ai bien aimé. Chadley, qu'on avait rencontré dans FF7 Remake, eh bien, il sera là toujours de retour pour vous épauler dans les simulateurs de combat. Il était dans le Ah non, c'était le même mec du Death Simulator. Voilà, et bien là, désormais, il va se mettre en quête. C'est le jeune mystérieux, là. Il est un peu à la Hope, je crois. Petite casquette, petit jeune. Ben là, il va se mettre en quête de tour de communication. Donc ça veut dire qu'il faudra sans doute se balader. C'est Far Cry, ton histoire. Assassin's Creedisé. J'espère qu'on devra se synchroniser en montant certains... Ouais. Puis il y aura des points de voyage rapides. Enfin voilà, l'idée, c'est d'occuper un petit peu l'espace et d'avoir de quoi justifier le voyage. Mais ça encore, on y reviendra très prochainement. Ce sera le 29 février. Super. Et je suis assez content qu'ils ont l'air de s'émanciper un peu de 7, quoi. Et de moins suivre l'itinéraire tracé et d'aller réutiliser le matériel pour en faire autre chose. C'est l'impression que ça donne. Du Gold Saucer, enfin voilà, tout ce que... On vous renvoie évidemment à la preview. Normalement, spoiler alert. Il y a quelqu'un qui meurt. Voilà. Alors, on verra. Est-ce que les serpillères volantes ne vont pas interrompre le cours du destin? Parce qu'il y a les serpillères volantes et il y a les mecs en capuche qui arrivent de Kingdom Hearts, quoi. C'est vrai. Et il faut le dire, ils ont l'occasion de réécrire l'histoire, de réécrire le... En mieux, quoi. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est du niveau de Luc, je suis pas ton père, quoi. Alors oui, ça peut être... Oups, Luc, je suis dans Terre 3. Voilà. Petites annonces du côté de Metal Gear Solid Master Collection qui a montré, vous savez, les fameuses grilles où on voit le framerate en fonction des versions, la résolution qu'on peut attendre, espère atteindre. L'émulateur tourne bien, quoi. Ouais, bah tu vois, ce sera 30 FPS quoi qu'il arrive pour Metal Gear Solid, puisque c'est un jeu qui tournait à 30 FPS dans sa version de base. Et puis voilà, en fonction de la version que tu choisis, notamment la Switch en mode portable, forcément, ce sera du 720p. Les deux, hein. Là-dessus, Attends. Ah oui, non, mais pour les autres, oui, bien sûr. Mais tu vois, en mode classique, TV, La Switch, elle est en 30 FPS quoi qu'il arrive. Je trouve ça assez bizarre. Et non, pas bizarre, mais genre presque poli de leur part d'être aussi. Transparent, le fait d'éviter la version Switch. D'habitude. Sur le fait que, il y a une version techniquement qui est... Oui, mais il y en a une qui te permet de jouer au lit. Voilà. Alors, bientôt, il y en aura deux, puisqu'avec le PS Portable... PlayStation Portable... À ce moment-là, il y a le Steam Deck. Hein, voilà, exactement. Tout à fait. Et puis, pour terminer, des chiffres de vente, Sekiro. Sekiro a passé le cap des 10 millions de ventes. Hein. C'est le troisième Soulsborne le plus vendu. Elden Ring, 20,5 millions. Wow, moi, c'est pas un Soulsborne, c'est un jeu d'action, pas un RPG. Oh là là là, Zelda n'est pas un Dino Daiboken. Très bon. Bref, en tout cas, il est derrière Dark Souls 3 et Elden Ring, si on le considère comme un Soulsborne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, visiblement. C'est pas mon cas, mais je pense que c'est. Je pense que c'est peut-être le meilleur jeu d'action de. Faisons le top des jeux From Software avec un mec qui a une épée. Voilà, il est numéro 2. Dans les jeux From Software post Dark Souls, voilà. Ça c'est bon, c'est techniquement correct. Ouais. Allez, on va parler des. Mais pourquoi qu'ils en font pas d'autres? Sekiro 2. Ah, mais moi, mais je pense que ça sera pas à cause de Activision. C'est vrai qu'il y avait Activision dans le milieu. Je pense que ça se fera plus maintenant. Ça serait fort que le 1 soit une exclu PlayStation et que le 2 soit. Bloodborne. Non, ça aurait été drôle que celui-là devienne une exclu Xbox. Parce que du coup, tu aurais Bloodborne sur PlayStation et Sekiro 2 sur Xbox. Et tout le monde aurait son From. Je pense que ça se passera pas comme ça. Est-ce qu'ils vont baisser leur from? Il est temps de parler business, exactement, avec les grands patrons du jeu vidéo qui sont vraiment succédés pour faire des déclarations parfois fracassantes. Bon, là, c'est pas une déclaration fracassante, c'est juste Sean Layden qui a pris en photo ce qui semblerait être la dernière PSP produite de l'histoire. Et en plus, comme vous voyez, sa batterie n'est pas déformée, on dirait. Ouais, elle n'a pas gonflé. Peut-être qu'il s'en est pas trop servi, puisque les collecteurs. Et on voit le nombre de machines produites durant la longue histoire de la PSP qui a fêté l'anniversaire de la fin de production le 26 septembre 2014. On va être en compte. Il y avait 10 ans de... 10 ans de production et quand même 82 millions de machines. Est-ce que vous vous souvenez du mini-disc Gate?
où les premières PSP éjectaient le disque toute seule. Et puis le bouton carré, souviens-toi. Le bouton carré. Tout ça pour dire que 82 millions de PSP... qui était en mauvais état. Non, qui était trop près. Le bouton carré était trop près de l'écran. Et donc, quand tu appuyais trop fort, ça déformait l'écran. Enfin, ça pouvait même l'abîmer. Enfin, il y a eu quand même pas mal de pétouilles au début. Ah, mais gros succès, hein, parce que c'est quand même plus que la 3DS, 75,94 millions d'unités. Et plus que la Game Boy Advance. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. J'avais oublié ça. 81, ah, c'était une autre époque aussi. Il y avait pas Monster Hunter, les mecs. Monster Hunter, etc. Bon, on est encore, évidemment, on n'en rattrapera jamais. Et pour cause, la DS est 154 millions d'unités vendues. Et la Switch, elle a dépassé. Elle est à dépassé la 3DS, 120 c'est sûr. Je sais plus où on est. Ouais, ah non, non, la Switch. L'enjeu de la Switch, c'est de dépasser la DS. Vous prenez de court. Ouais, ouais, oui, non, mais bien sûr. C'est pas, bon. N'est pas Oscar Le Maire qui veut. Pendant qu'on était au Japon, il y a eu un énorme leak encore de la FTC, la Federal Trade Commission, je crois. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Phil Spencer, t'as pas vu tout ce qui s'est mais passé oui, autour c'est de vrai. Microsoft, Phil Spencer, il a dit ce qu'il voulait manger au petit déjeuner, il a dit je voudrais manger... Et parmi les... je voudrais manger Nintendo. Parmi les innombrables déclarations de cibles... Facile. Eh bien, on a compris que Nintendo faisait partie... en tout cas des constructeurs des grandes boîtes du jeu vidéo. C'est un truc qui est dit entre la poire et le fromage. Oui, c'est quand même dans des mails. Non, ouais. C'est dans des mails et ça a été étudié. Ouais. Genre, étudiez-moi la possibilité de racheter ces mecs-là. J'ai le sentiment que si une entreprise américaine avait une chance avec Nintendo, nous serions probablement dans la meilleure position. On rappelle, hein, quand Microsoft est venu voir Nintendo avant la première Xbox pour discuter un petit peu, Nintendo leur a rionné. Hein. Ouais. C'était vraiment combien coûte Nintendo aujourd'hui, c'est la vraie question. Le problème, c'est non pas combien il coûte, mais surtout la trésorerie qui les rend quasiment impossible à racheter pour une boîte telle qu'en plus il y a la trésorerie. Oui, mais n'oublions pas tout que tout a un prix. Non, c'est alors déjà tout a un prix d'une part et puis n'oublions pas que 10% du capital de Nintendo désormais appartient à l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc comme quoi, hein, il suffit de Voilà. Et donc, dans les échanges, il rappelle que le conseil d'administration de Nintendo n'a pas de stratégie de croissance ou d'acquisition comme les autres boîtes. Donc, forcément, ils ne vont pas se mettre en position de fragilité. Non. Et ça les rend d'autant plus compliqués à obtenir. C'est d'autant plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles voir les petits, faut que tu ailles gratter à la porte des petits porteurs. Qui reste les gros à acheter? Il y a Capcom, Square Enix. Capcom, Square Enix, c'est. Vous savez que Square Enix. Konami, hein. Square Enix, je ne sais pas si tu vas en parler des résultats. Du fait d'avoir... F-16, oui, c'est vrai qu'on en a... Je ne l'ai pas mis dans la... Je l'ai pas listé. Bah écoute, ils en parlent justement parce qu'il y a les résultats mythiques mérissants d'FF16 et surtout, ils sont en train de faire le bilan de leur stratégie des deux dernières années qui était de sortir plein de trucs. Et tu te souviens de Diophile Chronicle? Diophile Chronicle qui fait partie des jeux listés comme les échecs lancement de nouvelles c'est franchises. C'est vrai qu'on le voyait à Millienne maintenant. Oui. Valkyrie Elysium, enfin voilà, toute la période qu'on a traversée l'an dernier. Et ils se demandent, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à suivre? Non, ils en sont revenus carrément. Ouais, mais ils se rendent compte aussi que FF16, le fait d'avoir été lancé sur une machine d'exclusivité, forcément le parc installé était insuffisant. Et FF16 est considéré, en tout cas par les observateurs, comme un semi-échec commercial. Il aurait fallu à minima sortir la version PC en même temps. Donc il y a des gens qui sont légitimement inquiets pour la santé de Square Enix et justement la possibilité de se faire racheter. Ou alors de voir ce qui s'appelle... pour les historiens du jeu vidéo, on appelle ça le boom des jeux vidéo de 83. C'est qu'en 83, il y a eu un crash du marché du jeu vidéo. Mais un crash, le 80% du marché a disparu du jour au lendemain. Les éditeurs... Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est intéressant à noter, c'est qu'au Japon, on appelle ça le Atari boom, en fait. Mm. Parce que c'était Atari. Et du coup, on n'appelle pas ça le crash des jeux vidéo, on crash le crash d'Atari. Et les gens se demandent, est-ce que... C'est légitime comme question. Est-ce que les jeux vidéo pourraient reconnaître encore une ère glaciaire comme ils ont eu deux années où tout explose? Enfin, le marché n'est pas comme ça aujourd'hui. Alors, le marché n'est pas comme ça, mais par exemple, au moins par société, vu le nombre de licenciements qui ont lieu actuellement dans le milieu des éditeurs de jeux vidéo après les grands éléments de la tech, on vit quand même une période assez compliquée. Compliquée, et surtout la moindre sortie de jeux vidéo après est un prétexte à tout de suite dire merci à cette équipe. On le voit, c'est surtout chez les Américains, rappelons-le, chez les Japonais, c'est un peu. Ils essayent de faire plus subtil ou alors ils restructurent. Mais on peut se poser la question de... Mais non, c'est pas ça le vrai problème. Mmh. Excusez-moi de dire le capital est méchant, surtout dans une émission consacrée au divertissement. Hein, mais oui, le capitalisme, c'est méchant. Le problème, c'est la capitalisation des sociétés. C'est-à-dire que ton jeu cartonne ou pas, ce qu'il faut, c'est minimiser les pertes et maximiser les gains.
Donc, dès que tu as fini ton jeu, bah, tu vas pas garder des employés payés à rien foutre 2 mois le temps que le projet suivant démarre. Le jeu est fini, hop, vous êtes tous virés, et puis on vous réembauche dès qu'il y a un autre projet. En plus, l'industrie va contre ce sens-là, puisque maintenant, on est dans l'ère du service où les jeux sortent, mais ensuite, il y a du DLC, il y a du suivi de jeu, il y a des jeux qui gagnent en plus 1 an après, 2 ans après. Ils sont nombreux. Enfin, on en a même pas parlé, mais Sonic. J'ai joué au DLC de Sonic. Ah oui, bah c'est pas grave. Mais c'est peut-être l'occasion de le dire. Mais un an après, ils sortent encore du contenu avec des missions. Tu joues avec Amy, tu joues avec Knuckles. Oui, bah ça permet de relancer une campagne du jeu, de le présenter en solde. Voilà, en fait, le temps est long pour certains jeux. Voilà. Mais quand même, t'es obligé de faire tes preuves assez vite. Et ouais, comme le dit Greg, bah voilà, si quand le studio a sorti son jeu. Ouais. Soit ils rembarquent tout de suite pour un autre projet. Soit les volontés des investisseurs sont pas les mêmes que. Non, parce que tu as tellement peur de la réaction des actionnaires tu anticipes en disant regardez, on a viré tout le monde, comme ça on perd pas trop d'argent. J'espère que vous êtes contents. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, je me souviens justement d'une sortie absolument admirable de Iwata, où justement, Nintendo avait traversé une période un peu compliquée avec la Wii U notamment. Les actionnaires disaient, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme les Blancs et que vous ne virez pas des gens pour pouvoir regagner un peu, enfin pour moins perdre d'argent. Et Iwata avait eu cette réponse très sensée qui montre vraiment la différence entre Nintendo, qui est historiquement un fabricant de jouets et de divertissement face au conglomérat américain où l'actionnaire est roi. Il a eu cette réponse, il dit, est-ce que vous pensez vraiment qu'en tant que société qui produit de l'amusement, si les employés avaient peur à chaque instant de perdre leur emploi, ils pourraient se concentrer sur la manière de créer les choses les plus amusantes possibles. Ouais, vivre dans la peur, il dit, c'est pas comme ça que je construis une société. Et c'est tout à fait logique, mais c'est logique si tu as à cœur de réaliser des produits et que ton credo, c'est de dire, je crois tellement en la qualité de mes produits que, quelle que soit la manière dont je les vends, les gens vont me suivre. Ce qui n'est pas du tout la manière de fonctionner aujourd'hui des jeux-services à l'américaine où tu embauches et tu vires au gré des updates, au gré des saisons. C'est pas du tout comme ça qu'ils le conçoivent. C'est-à-dire que pour eux, les artistes sont interchangeables. Et c'est cette année-là où Iwata a d'ailleurs décidé de se voter non-salaire. Il a renoncé à son salaire. Il a baissé son salaire à lui. Voilà. Salaire, oui. Et ça, c'est pas imaginable. Surtout, on parlait d'Activision, par exemple. Combien il touche Bobby Kotick, là ? Il touche plus 30 que... millions. Il touche 30 fois plus que le boss de Nintendo. Et le mec qui a coulé un gros étron au milieu de la soupe, là, le patron d'Unity, le débile de première. On en a beaucoup entendu parler au TGS. Mais c'est incroyable. Tu te dis, ces mecs-là gagnent des millions à être cons. Enfin, c'est vraiment... Tiens, je vais rendre chaque balle que tu tires dans... C'était quoi ? Il avait dit, dans Battlefield, ce serait bien que les gens payent pour recharger leur arme. Tenez, reprenez 10 millions. C'est ahurissant. Twitter. Mais non, mais tu sens vraiment que ces sociétés sont aux mains de gens qui ne connaissent pas le produit qu'ils conçoivent, en fait. C'est ça qui est flippant. Et on peut dire ce qu'on veut de la non-méritocratie japonaise où tu montes quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si t'es nul, tu vas monter. Bon, tu iras pas tout en haut, mais même l'ancienneté t'assure une promotion. Mais il y a au moins cette volonté de transmettre quelque chose aux gens. De dire, voilà, t'as commencé à gratter des pixels, tu vas monter, au bout d'un moment, t'es directeur. Une fois que t'es directeur et que t'as vu un peu les aspects, tu vas être producteur. Une fois que t'as 50, 60 balais et que tu vois un peu comment fonctionne l'entreprise, puisque t'as dû gérer le fric et tout, tu vas monter au board, etc. etc. Et c'est de cette manière-là que sont conçues la plupart des sociétés japonaises. Et c'est finalement assez sain, en fait, parce que même s'il y a eu un gros coup de pied dans ce système-là, notamment avec l'arrivée des nouvelles sociétés il y a 10-15 ans qui faisaient du mobagay, donc du mobile game, et où il y a eu l'Eldorado du mobile game, où les jeunes directeurs se sont dit « Non, je ne vais pas attendre 15 ans de passer producteur, je vais directement signer chez Tencent ou chez machin, et je vais aller faire des gachas de merde, parce que je vais tout de suite gagner plein de fric. » Donc il y a eu une espèce de déperdition, je pense qu'on a perdu 5 à 6 ans d'expertise japonisante sur la réalisation de jeux vidéo à cette période-là. Qui était la pire période d'ailleurs, hein. C'est la période PS3. C'était il y a 10 ans. Voilà. Le fameux TGS 2013, le pire. Mais il y a malgré tout cette volonté de,
de transmettre quelque chose aux générations futures. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai eu l'honneur de m'occuper de Shigeru Miyamoto quand il est venu faire sa conférence et sa masterclass à Japan Expo. Bah, c'était pour le premier Splatoon. Donc, ça doit être il y a un moment. Hein, 15 ans. C'était à la sortie de Star Fox, il me semble. Sur Wii U, donc 2016, quelque chose comme ça. Un truc comme ça, oui. On doit être à 7-8 ans à peu près. Ah, c'est que 7-8 ans. Moi, j'aurais dit 10 ans. Déjà. Et je me souviens, c'était Super Mario Maker. Et il avait amené avec lui M. Takahashi, qui a toujours été dans son ombre et qui est lui aussi un artisan de Mario, bref. Et je me souviens, il avait insisté spécifiquement, parce que les équipes de Nintendo Europe lui avaient fait un déroulé, voilà, maître, ça se passerait comme ci, comme ça. Elle a fait, ah non, pas du tout, vous mettez mon pote en avant. Takashi Tezuka, c'est ça? Oui, Takashi Tezuka, qui est donc l'homme de l'ombre de Mario. Hein. Qui est maintenant le monsieur Mario, attitré de... Et donc il a dit, non, moi j'ai ramené mon pote Takashi, que personne connaît, hein, mais voilà, c'est lui qui va être avec moi, il va être avec moi sur scène tout le temps. Et il était co-auteur du premier Mario. Je me souviens d'ailleurs que, je sais pas si j'ai le droit de dire, tant pis, mais bon... en fait, quand je ne sais plus quelle chaîne de télé avait voulu interviewer Shigeru Miyamoto, il se dit « Non, l'hôte à lunettes, on ne le connaît pas. » Et Miyamoto, il a dit « Ah si, c'est soit il est avec moi pour l'interview, soit on ne la fait pas. » Donc il y avait vraiment une volonté, justement, de se dire « Écoutez, moi, je lâche, en fait. » C'est-à-dire que Miyamoto, il regarde les jeux de loin. Aujourd'hui, il est au board, il est au machin. Mais et il y a cette volonté, justement, de transmettre. Et il avait insisté énormément en disant « J'ai fait venir... » Alors, je crois que c'était Sakaguchi, à l'époque, le jeune producteur de Splatoon 1, si je ne dis pas de bêtises. Et il avait fait, justement, venir sur scène. Il avait insisté pour ramener avec lui, à Japan Expo, le producteur de Splatoon 1. En disant, voilà, je veux aussi, les gens qui veulent m'interviewer, je veux aussi qu'ils fassent un sujet sur Splatoon, parce que c'est la transmission, voilà, la nouvelle génération de Nintendo, c'est Splatoon, c'est les nouveaux créateurs qui vont venir, qui vont... Et cette volonté de transmettre les choses, enfin, tu l'as pas, tu sais vaguement à peu près, t'as cette légende de comment Fortnite a été sauvé grâce à un mod, machin, mais tu sais pas qui est à l'origine de ça, tu sais pas qui a transmis les codes de Fortnite, etc. Tu vois, t'as pas vraiment beaucoup ça. Tu vois, aux États-Unis, t'as quelques légendes, tu vois. De temps en temps, on te saura, Jade Raymond, voilà. C'est une femme qui a fait plein de trucs à Ubisoft, elle est incroyable et tout. Mais il n'y a pas cette volonté, justement, d'avoir des créateurs qui ne sont pas forcément indispensables, mais des gens, tu vois, comme John Carmack, des gens comme ça, qui étaient un peu starifiés dans les années 80. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait un cigare et une Ferrari. Il faut reconnaître... Mais il faut, je pense, recommencer à mettre les gens qui créent les jeux vidéo sur le devant de la scène en tant qu'artistes et valoriser leur créativité. Encore, si tu me permets, Greg, Nintendo, c'est particulier. C'est une société qui fait plusieurs jeux super connus, mais dont le créateur n'est pas crédité à l'intro. Il n'y a jamais eu Shigeru Miyamoto présente. Oui, mais ça date de l'époque. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Yu Suzuki, il a son nom devant le truc. Alors Kojima, il a son nom. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. C'était une volonté de Sony de starifier les gens qu'ils allaient récupérer. C'est-à-dire qu'avant la génération PlayStation, t'avais jamais une photo. D'ailleurs, si vous avez des Famitsu de l'époque 94-95, vous voyez les métamorphoses, mais c'est incroyable. Ah, les photos de Kojima de l'époque. Quand tu vois avant la PlayStation, quand ils faisaient des interviews des créateurs de jeux, les mecs étaient tous avec des polos un peu trop grands, coiffés n'importe comment. Et post-94-95, les mecs sont des rockstars, ils ont tous des lunettes de soleil, des petits trucs Armani, ils arrivent, alors on va faire les PlayStation Awards, donc habillez-vous bien et tout. On a vraiment transformé les directeurs et les producteurs de jeux vidéo en réalisateurs de films, en fait. C'est la stratégie qu'avait utilisée Sony de starifier un petit peu les créateurs comme ça. Et si tu me permets de poursuivre justement la parenthèse... Rapidement. On entre dans une autre ère, à mon avis. Uber, rapidement. Alors, on a un conducteur après. Hein. C'est qu'on rentre dans une autre ère en termes de production. C'est-à-dire que, et je pense que FF16 est un peu l'emblème de tout ça, c'est qu'on est dans une ère, en ce moment, d'ère de producteur. Plus que les générations PS1 ou PS2 ont été l'ère du chara-designer. Du directeur. Le chara-designer star, le chara-designer qui devient réalisateur. On l'a vu avec Nomura et d'autres. Et d'autres, tout d'un coup, les caradiens... Mais on l'a vu, on en parlait, Tamaki était un caradienneur, qui est devenu réalisateur. C'était vraiment... les années 90, c'était vraiment l'ère du caradienneur roi, encore dans les années 2000, sous l'impulsion de Nomura. Mais aujourd'hui, si tu regardes, le caradesigner de FF16,
Tu vois, c'est, ils ont pris un mec qui existe, ils ont pris un mec qui travaille sur FF14, mais c'est pas, ouais. Ils n'ont pas pris Nomura. Oui, ils n'ont pas mis son nom. Et de, moins en, de plus en plus sur les jeux, le character designer n'est pas crédité dans le copyright. Donc, je pense qu'il y a en ce moment un turnover qui s'est orienté vers les producteurs. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce qu'on disait, Square Enix, ils disaient dans leur rapport, peut-être qu'on a donné trop de force aux producteurs. C'est des jeux de producteurs, mais c'est pas des jeux de réalisation. Oui, c'est ce que disait l'analyse. Oui, mais c'est une excuse bidon, parce qu'au final, je suis pas sûr que l'empreinte Yoshida soit si importante que ça sur FF16. Ben, justement, je pense qu'elle n'est pas assez importante. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que TLDR, comme on dit. je pense que le vrai problème aujourd'hui des sociétés américaines, c'est qu'elles ont tellement peur que les développeurs prennent de l'importance sur les projets et que du coup, il faut les payer plus cher et tout parce que les actionnaires derrière, ils font chier, que t'as pas cette envie ce réflexe même d'éduquer des gens, de les former et d'en faire des gens brillants. Donc les gens tiennent parce qu'ils ont la rage, parce qu'ils sont passionnés et qu'ils sont contents de faire ce qu'ils font. Mais je trouve que c'est plus compliqué qu'au Japon. Et même s'il y a un peu de népotisme, moi je vois toujours l'exemple de Tsujimoto. Donc Tsujimoto, le fondateur de Capcom, son fils aujourd'hui, c'est lui aussi le patron. Mais sauf que son fils, il n'est pas arrivé genre, tiens, mon fils, voilà les clés de Capcom. Il a commencé tout en bas de l'échelle. On lui a filé Monster Hunter, mais en le prévenant, on te file Monster Hunter parce que ça cartonne. Mais par contre, si t'en fais de la merde, la boîte est morte. Enfin, tu vois, la pression, c'est pas genre, tiens, mon fils, le petit bourgeois, tu vas récupérer le truc. Il a fallu qu'il fasse ses preuves. Écoute, tu m'offres une transition toute trouvée. Alors, c'est pas le producteur de Monster Hunter, c'est son frère. Mmh. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Aoruhiro, je sais plus. Tsujimoto, qui a fait des déclarations durant le Tokyo Game Show, parce que voilà, lui aussi, il était dans les salons business où on était, et il a dit notamment que le prix des jeux était trop bas. Voilà. Bah, il a raison. Il a raison, oui. Moi, je préfère payer mes jeux entre 50 balles que 90 balles. Entre la hausse continue des frais et l'inflation, oulala, ça devient difficile de rentabiliser, alors que Capcom réalise année sur année des résultats sur des remakes. Les records et les marges de bénéfices d'exploitation. Ils ont des bénéfices, mais la marge est de plus en plus petite, puisque les jeux sont de plus en plus chers à faire. Oui, mais enfin, quand tu gonfles ton bénéfice d'année sur année, même si ton projet t'a coûté, finalement, il est finalement plus rentable derrière. Enfin, je pense que... Je suis pas sûr. Bah non, regarde, l'électricité, aujourd'hui, ça coûte cher. Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu'à l'époque de la NES, mais le prix des jeux n'ont pas augmenté proportionnellement. Bah ouais, c'est toujours 6800 yens, un jeu. Alors non, ça dépend des jeux, 9800 pour justement, FF16, mais SNES, cela dit, l'époque SNES, les jeux, c'est ça la révolution, c'était que c'était très cher. Les jeux étaient à 9800 yens. Ah non, mais je parle de la PlayStation 1 à aujourd'hui, on est à 6000, 7000. Sony est arrivé, a mis une bombe dans la fourmilière. Les jeux sont repartis à 6008. Capcom, 116 millions d'euros de bénéfices rien que pour le dernier trimestre. Donc ça va, ça laisse un petit bas de laine. Mais peut-être qu'ils préparent un petit peu le terrain. Ils savonnent un petit peu la planche pour annoncer une augmentation de prix assez prochaine. Les jeux PS5 sont 10 euros plus chers que les autres. Oui. Ils sont pas à 59, ils sont à 69. Même les jeux Xbox. Oui, enfin les jeux génération PS5, 80 euros en physique. Ils sont à 69 au lieu de 59. Ils sont à 69 au lieu de 59. En prix officiel, disons-le. Parce que oui, après Carrefour, tout ça, ils se mettent une marge, comme ça, tu vas acheter la moutarde chez eux. Casse les prix. Mais oui, je me souviens, on a dû acheter un jeu dernièrement. Il était à. Merci l'écologie, il était à 59 euros en boîte livrée avec du pétrole. Et il était à 69 euros en déboîte. Après, est-ce qu'il n'y a pas un prix plafond aussi que tu peux difficilement dépasser. Je pense que 80 euros, ce sera difficile de justifier. Il y a la c'est l'effet psychologique. Et c'est pour ça qu'ils font au maximum des deluxe packs. C'est ça. Parce que les deluxe packs, tu te fais énormément plus de marge. Sans compter la rentabilité sur le marché du numérique où tu prends une part beaucoup plus importante puisque tu n'as pas forcément tous les distributeurs à rincer. Alors ça dépend parce que pour faire moi du numérique, parce que j'ai distribué les mangas de Inazuma Eleven sur 3DS, pour faire du numérique, il faut savoir un truc. Les gens s'imaginent, mais le numérique, c'est pas cher. Il suffit de faire des copier-coller et les fichiers, machin. Ouais, mais non, parce qu'en fait, les serveurs, c'est super cher. Et il faut des serveurs qui arrivent. Il faut des serveurs qui assurent. Si tu veux... Enfin, vous imaginez, quand tout le monde télécharge la même update en même temps sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, machin. Enfin, il faut des serveurs hyper costauds.
Donc c'est ça qui coûte très cher en fait. C'est-à-dire que toi tu te dis oui, bah, je fais un CTRL-C, CTRL-V et puis j'ai mon fichier. Non, derrière il faut des serveurs énormes avec une bande passante gigantesque pour que des millions de personnes puissent télécharger le jeu. Parce qu'à minuit, quand tu as des jeux comme Pokémon, Dragon Quest, etc., à minuit une, le mec il veut télécharger son truc, tu vois. Donc c'est ça qui coûte très très cher en numérique. Il stresse si jamais il le trouve. Alors je dis pas évidemment que c'est plus cher de faire du numérique que de faire des boîtes en plastoc avec du pétrole et tout. Ah non, mais c'est pas un coût négligeable. Mais c'est, voilà, faut pas se dire, oh bah c'est du démat, c'est gratuit. Il a reconnu que Capcom avait été une cible par le passé pour des éventuelles acquisitions, mais qu'ils préfèrent, ils ont toujours décliné poliment, puisqu'ils étaient en position de le faire, et qu'ils veulent maintenir leur indépendance. Et eux aussi, voilà, ils ont dit, je crois que nous pouvons utiliser des partenaires externes, nous n'avons pas l'intention d'acquérir qui que ce soit. Toujours la pulsion du mobile hein, chez Capcom avec la sortie de Monster Hunter Now. Qui a réalisé un joli démarrage. Incroyable parcours Monster quand Hunter même de Now. Capcom. D'ailleurs, on peut teaser, on a un sujet très Capcom qui arrive du Japon. Voilà, donc Monster Hunter Now que l'on voit là, qui a réalisé déjà 12 millions de dollars de recettes rien que sur iOS, 14 millions de dollars sur l'ensemble du premier mois d'exploitation. Il est sorti le 14 septembre, non 14 septembre, oui, juste pour le TGS. Oui, mais Niantic a viré des gens. Niantic a viré des gens pour, à cause des autres résultats, parce que voilà, Harry Potter Wizards Unit et NBA All-World, ça a forcément moins marché. Donc ça reste l'un des meilleurs succès de Niantic, en tout cas l'un des meilleurs démarrages pour le moment. Hubert, on va revenir juste un petit peu en arrière, on va parler aussi de l'annonce du départ de Jim Ryan, puisque Jim Ryan est président de Sony Interactive Entertainment. Après, il a annoncé son départ, il partira en mars 2024. Il avait pris la tête de Sony Interactive Entertainment en 2019, donc ça veut dire qu'il a vécu la période Covid et le lancement de la PlayStation 5. Écoute, il s'en est pas mal sorti. Oui, il s'en est pas mal sorti. Il faut dire que la console a été visiblement attractive. Et bien accueillie, on va dire. Il était, par le passé, président de Sony Interactive Europe. Il avait été nommé en 2011. Et directeur des ventes et du marketing en 2018. Mais voilà, il a reconnu qu'il était difficile de concilier la vie de la partager en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, puisqu'on rappelle, Jim Ryan est britannique, donc comme on le disait, il a géré le décollage de la PS5. Michel Drucker JPEG. PlayStation Studios, donc les acquisitions de Insomniac, Housemarque, FireSprite, Blue Point, très égoïstement, moi très égoïstement, je dirais juste, remettez un japonais. Oui. Et remettez un peu de fric et remettez un peu de comment dire, ça de sang neuf dans le Sony Japon là, parce ça que t'as pas plu qu'ils aient fait table rase de non, Sony Japon. God of War 14, j'en ai rien à foutre. Moi je veux des Morikawa Kunigo, moi je veux des Parappa, moi je veux des trucs rigolos aussi. Tokyo Jungle. Ah oui, mais ça fait pas de gros chiffres. Non, mais tu peux faire les deux. Enfin, quand tu vends 25 millions de Last of Us remake HD, remake plus machin, collection Nathan Drake. Comment tu garantis les dividendes de tes actionnaires et une croissance perpétuelle si tu les... Comment tu dis ça? Voilà. Putain, le Figaro. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais ça tue la créativité. C'est le nerf du problème, c'est ce qu'on était en train de dire. Et au final, tous les jeux ressemblent à Resident Evil 4, sauf que comme ils sont moins bien que Resident Evil 4... Ou alors Uncharted, avec des briques... Excuse-moi, c'est Resident Evil 4 avec des trains. Hein. Voilà. Écoute, Sega, on parlait de rentabilité maximale, Sega a décidé justement d'annuler un projet réalisé en Europe, réalisé chez Creative Assembly, pour justement s'éviter peut-être un bide. Ce projet, c'est Yenas, qui a été annoncé depuis déjà quelques mois, plusieurs années même. Yenas, pas d'argent. Hein. Les employés ont appris, juste après les investisseurs, que le projet a été tué dans l'œuf. Annulation immédiate du développement. D'autres jeux non annoncés ont également été annulés. Excusez-moi, je fais le mec qui gueule depuis tout à l'heure. Mais depuis que je suis revenu du TGS et que j'ai parlé avec plein de gens de l'industrie, je suis très très énervé. Je suis pour, si j'étais ministre de la Culture, je voterais une loi pour obliger les jeux bêta annulés à être dans le domaine public. Ah ouais ? Ah bah oui, parce que c'est tout ce travail perdu pour rien, quoi. Ça veut dire que le jeu n'était pas fini non plus. Donc... Non, mais c'est triste. Ouais. Tu vois, parce que dans le cinéma, tu peux faire. Comment il s'appelait là, le gars Terry Gilliam, qui avait fait pendant 20 ans, il a essayé de faire un jeu sur Don Quichotte. Un film sur Don Quichotte. Ça s'est jamais fait, du coup, il a fait un film sur le film qui s'est pas fait, etc. L'énergie mise dans le film n'a pas été perdue, tu vois, il en a fait quelque chose. On prononce cette phrase toujours pour rigoler, mais que reste-t-il? Ah oui, non, mais voilà. C'est hyper triste. Et le nombre de jeux, moi je suis fan de Star Wars, je repense à Battlefront, le vieux Battlefront qui est jamais sorti, qui avait l'air extraordinaire. Voilà. Il y avait.
Enfin, ça a l'air marrant. Le jeu était peut-être pas super, mais c'est rigolo d'avoir des skins Sonic. Enfin, j'ai envie de récompenser ces gens-là qui font du C4 en forme de Mega Drive, tu vois. Oui, mais après, visiblement, je pense que les résultats de la bêta, le jeu est complètement passé inaperçu. Les résultats ont sans doute pas été à la hauteur des espérances et ils se sont dit, si on lance, on va se cracher encore bien plus. Bien sûr, mais récupère les assets pour faire un autre truc. Ah non, mais c'est gravissime, non, mais je suis d'accord. Peut-être qu'ils le feront. L'explication officielle, c'est le déclin économique et l'inflation, et il était temps d'améliorer la rentabilité. Je rappelle que dans une autre émission, d'autres lieux, d'autres mœurs, d'autres temps, au moment du changement de président, j'avais dit ça va être très tendu les prochaines années pour Sega. Qu'ils ont l'entité Atlus qui fonctionne à plein, mais leur phase de modernisation, je crois qu'ils est encore, et je crois qu'ils ont limité la casse, quoi. Après, Creative Assembly fonctionne avec les Total War. Je crois qu'il y a Total War Pharaoh qui va sortir prochainement. Enfin, oui, voilà. Mais et puis, ça veut dire qu'ils manager, vont rester malheureusement cantonnés aux licences qui fonctionnent. Et dès que tu veux créer une nouvelle franchise, on le sait dans le jeu vidéo, c'est tout de suite une prise de risque. Il y a le petit Badland Football Manager qui rapporte un petit peu de fric chaque année. Sonic qui reste toujours une franchise extrêmement rentable. Mais c'est vrai que tu sors de Sonic et de Ryu Ga Otoku, c'est compliqué. Il y a Atlus, heureusement. Non, mais quand je parle de Sega, Sega. Hein, Atlus est géré de manière autonome hein, dans Sega, pour l'instant toujours. Il leur laisse libre cours à. Enfin voilà, liberté totale de ce qu'ils font. Et comme les résultats sont là, ils se disent, on va pas y toucher, comme ça, ça marche. Moi, il y a un truc que je regrette. J'ai pas eu le temps d'enquêter sur le fric que rapporte PSO. Fantasy Star Online chez Sega. Fantasy Star Online 2, Genesis. Alors New Genesis, je ne sais pas, mais Fantasy Star Online 2, ça a longtemps été une locomotive du côté de leur segment. Oui, c'est le comment dire, c'est la gagneuse silencieuse. Hein. Fantasy Star Online 2, ça rapporte un petit peu de fric tous les ans, ça continue depuis 20 ans maintenant. Mais non, le New Genesis, je voudrais. Bah si, Fantasy Star Online 2, GameCube. Non, enfin pas le Online 2. Bah si. Non. PSO 2. Online 2, il est sorti en 2014. PSO 2 ? Ouais. Bah, t'avais Phantasy Star Online version 2, mais c'est pas le Phantasy Star Online 2. Bah, ouais, t'as eu un transfert de personnel, mais bon. En tout cas, voilà, Phantasy Star Online, depuis 20 ans, ça rapporte du fric sous ses différentes itérations, et j'aurais voulu savoir s'il y a eu un gros transfert de joueurs, de comptes, etc., ou juste des nouveaux joueurs en nombre sur New Genesis, parce qu'ils n'ont pas vraiment communiqué dessus. Comme on dit dans la drogue, follow the money. Allez, on va faire quelques petites news en vrac qui vont nous prendre un petit peu moins de temps. Tomb Raider et Devil May Cry, il va y avoir des adaptations sur Netflix. Ouais. Devil May Cry sera supervisé par Hideki Tsuno en tant que producteur, donc le réalisateur des récents Devil May Cry. C'est un studio coréen, le studio coréen Mir qui sera... C'est toujours Adi Shankar, voilà. Qui est un peu le... Qui supervisera le mec qui... cette adaptation. Ouais. Oui. Adi Shankar, fait déjà... Gardien de Justice et Castlevania. Ouais. Et il va faire Onimusha, j'imagine, aussi. Onimusha, est-ce qu'il n'est pas déjà sorti? Non, il est en cours. Il est en cours. Mais il est bientôt. Il n'est pas censé sortir dans quelques mois? Bientôt. Je crois que c'est ce mois-ci. Ça va trop vite, Netflix. Ouais, c'est clair. Compile Heart, souvenez-vous. Enfin, je ne sais pas si vous On n'a même pas eu le temps de voir Tomb Raider. Tomb Raider. Ah, mais c'est un Tomb Raider japanime? Ah oui? Ouais. Ah, j'avais pas suivi ça. Je crois que c'était. Ok. Tomb Raider. On va parler d'un autre studio japonais qui est un studio. De niche, hein, c'est Compile Heart qui a fait une grande annonce dans Famitsu. Ils ont présenté les différents projets Compile Heart. Vous connaissez peut-être pour les séries que l'on voit derrière, notamment Neptunia. Alors, Compile Heart a changé d'équipe dirigeante. Le président est désormais Naoto Tominaga, le réalisateur Hikaru Yasui, que l'on voit ici devant les différents panneaux. Donc, Idea Factory, Compile Heart et Design Factory. Ça veut dire qu'ils ont dévoilé quelques-uns des différents projets qui vont arriver très prochainement, parmi lesquels figure Mado Monogatari 4. Et ça, ce qui veut dire que Mado Monogatari, la série dont est dérivé Puyo Puyo, la série de Dungeon RPG. Dungeon RPG, exactement, en vue à la première personne. En vue à la première personne, et bien ce sera Sting, un développeur qui lui aussi revient un petit peu de Ah oui, ça fait longtemps que j'ai développeur des années Dreamcast, même s'ils sont revenus. Développeur sur Dreamcast. Voilà, ils ont fait la série des Union, notamment. Shinki Sekai Evolution, je crois que c'est Sting. Evolution aussi. Ils ont fait les deux. Sera donc au chevet de cette nouvelle adaptation M2, le fameux studio M2. J'aime bien, à chaque fois qu'on a des références comme ça, j'imagine Hubert en train de dire « Merde, faut que je cherche Shinki Sekai Evolution, on fait chier. » M2, spécialiste des shoot 'em up, reviendra également avec un shoot inédit. Il y a également un RPG qui va s'appeler Todokelo Tatake et Calamity Angels. Enfin voilà, pas mal de projets. Des trucs qui vont sortir bien entendu en Worldwide, ça, tu sens. L'idée... Sur PC, hein, peut-être. Malgré cela, l'idée, c'est d'essayer d'aller toucher un petit peu au-delà du Japon. Alors, je sais pas si c'est avec Toho Spell Carnival, un tactique RPG dans l'univers Toho, ou avec Death and Request Code Zion, un nouveau RPG dans l'univers de Death and Request. Il dit ça en rigolant. Mais si tu mets ça sur Steam, tu touches
tous les gens que ça intéresse. Ah, regarde le les ateliers. Les ateliers, au final, ça a fini par servir la licence de. Ah, mais c'est acté d'aller maintenant. Toucher un public beaucoup plus large. Le TGS a acté quand même le que tout sort plus ou moins sur Steam. Quoi. Bah, on revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure pendant qu'on déjeunait avec Alex Pilote, c'est que on était les seuls médias francophones à avoir fait une couverture totale du TGS. Mais par contre, il y avait énormément de médias asiatiques. Souviens-toi, la présentatrice télé thaïlandaise là, qui nous est passée devant à Ryuga Gotoku. Tu te souviens de... Alors, on peut le dire, mais cette, je ne sais pas si ça sera dans les happenings ou si... Hubert, tu vas le mettre ou pas ? La fausse Chun-Li. Ah oui, la fausse Chun-Li. Incroyable. La fausse Chun-Li qui nous avait arrêté pour qu'on fasse semblant de la... Ouais, voilà. Ah, voilà. Il y a une Chun-Li qui est arrivée vers nous et dit faites. Ah bah non, mais dis pas. Ah bah d'accord, on dit pas, je suis même pas au courant. Voilà. Bon, bref. Ah là là, c'était. Ce qui vient de nous arriver est incroyable, puisque on vient de se faire alpaguer par une Chun-Li. C'est une streameuse japonaise qui voulait qu'on fasse semblant de l'interviewer pour une télé étrangère, et du coup elle a filmé, elle va mettre ça sur son. C'est rigolo. Enfin, une fausse Chun-Li, il n'y a pas la vraie Chun-Li. Enfin, la vraie Chun-Li n'existe pas, mais. Mais non, donc voilà, il y avait quand même une grosse présence des médias asiatiques au Tokyo Game Show, beaucoup de télé, de network ou même de streamers chinois, thaïlandais, taïwanais, philippins, coréens aussi. Donc, grâce au PC, grâce aux versions Steam, maintenant, le jeu vidéo japonais redevient fort en Asie. Et je trouve un débouché. Et le jeu, il faut voir aussi, c'est que Vietnam, Chine et tous ces pays-là, Thaïlande, ne sont pas si loin. On s'imagine par contre que la Thaïlande, c'est proche. Non, Thaïlande, c'est comme 6 heures d'avion jusqu'au Japon. C'est comme si tu allais en Grèce, quoi. Ouais. Non, pas en Grèce. Si vous aimez les roguelites et si vous aimez les RPG, les Dungeon RPG, eh bien, le père fondateur, enfin l'un des jeux les plus importants du genre, Fulai no Shilen, Shilen the Wanderer 6, a été confirmé en Occident pendant qu'on tournait le dos. Voilà, il va sortir le 25 janvier au Japon et il sortira fin février, le 27 février. Ailleurs. Ah, alors t'es là, content vous... là. Bah non, mais c'est cool. Bon, problème, c'est qu'il a l'air moche. Il est quand même un peu momoche. La seule confirmation qu'on a, c'est que c'est l'équipe de développement des précédents jeux, notamment des épisodes DS, qui sera là et qui vont s'assurer d'un équilibre qui se rapprochera peut-être un peu plus des anciens épisodes. Donc il sera plus dur, sa mère. Tu sais que le. Il sera assez dur, visiblement. C'est pour préparer les gens à la difficulté, ça. Le meilleur Fulai no Shilen, celui que conseille le meilleur par les fans, c'est Fulai no Shilen 64. C'est vrai ? Ouais. Parce que c'est le plus dur, non ? Ah ouais. Non, mais c'est plus... Genre, c'est pas le Super NES. Il n'y a pas le Game Boy 2 ? Non, c'est le N64. Et en plus, esthétiquement, c'est un peu spectacle de marionnettes. Ouais. Il est très beau. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour la première date de sortie. Autre date de sortie, on en parlait dans le segment spécial Shoot 'em Up de Sumimasen Tokyo, Sumimasen TGS. Radir J2 a été repoussé. Il aurait dû sortir le 7 décembre, et bien il arrivera le 28 mars. On le rappelle, c'est un shoot qui s'inspire pas mal des réseaux sociaux aussi. La culture Twitch, puisque tu as des commentaires en direct pendant que tu es en train de jouer. Alors, des commentaires en direct qui sont générés aléatoirement, qui sont censés s'adapter à ce qui se passe à l'écran. Donc c'est plutôt rigolo à regarder en tant que public aussi. Ouais, alors par contre, il faut, en tant que public, parce que toi, pendant ce temps-là, tu as un peu du mal à suivre. Autre jeu, c'est l'adaptation de Spy Family Spy, Anya Operation Diary. Il a une date au Japon. Au Japon, pour l'instant, ce sera le 21 décembre sur Switch. Pour les autres plateformes, il faudra attendre 2024. Alors, c'est bizarre de vouloir le sortir absolument sur Switch, tout ça, avant la fin d'année. C'est pour une fois. C'est le public. C'est le public. Mais tu sais quoi, quand je vois les jeux qui normalement devraient sortir sur Switch d'abord et on dit la version Switch arrive plus tard, je dis mais ils n'ont rien compris. Hein. Je crois que Sandland, par exemple, c'est la version Switch plus tard. Alors, mais ça, c'est une question pour voir des développeurs aussi qui font du multiplateforme, la Switch aujourd'hui, tu galères. Hein. Sauf si t'es pas en lead Switch, c'est très compliqué de faire tourner le même jeu sur PlayStation et sur Switch. Et je sais que Greg a son devoir de réserve sur cet excellent manga. Mais la Spy Family au Japon, incroyable popularité. On le conçoit quand on se balade dans la rue, quand on regarde les goodies, quand on regarde les gachapons. Par exemple, quand on était au ciné, la page de pub pour dire ne piratez pas les films, elle est assurée par les personnages de Spy Family, un dessin animé qu'ils ont fait réaliser, un petit court-métrage d'une minute qu'ils ont réalisé exprès. Donc c'est vraiment assez impressionnant de voir l'empreinte de Spy Family, gros succès. Qui l'eût cru ? Bah écoute. Deuxième manga le plus vendu en France. Félicitations, Chacho. On va parler justement d'un autre MOBA. Là, on a parlé surtout d'un Battle Royale tout à l'heure dérivé de l'univers de My Hero Academia. Eh bien, il y aura carrément le MOBA inspiré des mangas de Shonen Jump. Ça va s'appeler Jump Assemble. Bizarrement, le Japon n'est pas concerné à l'heure qu'il est.
Ils ont parlé d'Asie du Sud-Est. Sans doute la vérification des cellules, elle a été faite par un bureau annexe de celui de Toriyama, quoi. Parce que regarde, le Goku, il a vraiment une sale gueule. Hein. C'est la... Mais il est à l'envers, non? La mèche de cheveux, elle n'est pas à l'envers. C'est Je sais pas, il y a le Go. Le Go est bon. Shueisha Copyright Limited et Dena, l'un des, des grands noms du jeu mobile au Japon. Et donc, on va retrouver tous les héros qu'on aime dans un MOBA en 5 contre 5. Enfin, qu'on aime, pas tous. Enfin, celui d'extrême gauche et celui d'extrême droite, tu peux les dégager. Hein. C'est, ah oui, ils ont Mashle et Undead Unluck. Tu sens que c'est les. C'est les séries qui ont un peu. Enfin, qui sont moyen fort et qu'on essaye de transformer en hit, mais le public suit Mashle, pas. Mashle, il y avait quand même. C'est comme si tu mettais un truc rétro et qu'on te mettait Tachan. Ah non, non, non. Tachan, c'est Tarzan Chan. Ah non, mais c'est vraiment nul. Tarzan marchait plus que ces deux-là au Japon. Ah bien sûr, mais c'était un gros carton. Mais Mashle, comparativement au marché, Mashle est un plus gros succès en France qu'au Japon. D'accord. Ah bah c'est pour ça que j'avais une vision déformée. Ah oui, c'est ça. C'est Mashle, c'est un carton en France. Non mais vraiment les visuels ils sont dégueulasses. Alors même, que je suis au Japon, désolé, ça a pas. Il y a des gens qui lisent, hein, évidemment, parce que sinon ça continuerait pas. Mais c'est pas un manga qui est tenu en très haute estime par les gens qui lisent des mangas d'une manière générale. C'est pas le manga que les jeunes vont citer spontanément. Alors que tu vois Demon Slayer. J'aurais mis Demon Slayer avant Bleach, quoi. Clairement. Ah ouais, carrément. En termes de puissance et de popularité, oui. Il est encore puissant. Hein. Ouais. Après, effectivement, Bleach reste très très fort aux États-Unis. C'est ça. Mais c'est malin. Hein. Bon, évidemment, Dragon Ball et One Piece, c'est les deux indétrônables. Et Puyo, Naruto est très très fort en Europe. Bleach est très très fort aux États-Unis. Oui, c'est malin. Puyo, on n'aura donc pas cet épisode ton avis sur One Piece, la série. Bah, je l'ai pas regardé, surtout. Greg, non. Bah écoute, on s'en fout, j'ai envie de dire. Vas-y, continue, Puyo. Allez, cela sera la dernière news. Si vous avez 90 000 yens en banque, eh bien, c'est possible que vous fassiez plaisir avec un petit trip rétro. C'est-à-dire que pour l'édition Supra Collector de la compilation Taito LD Game Collection qui inclut Time Gap. Ah putain, ça a l'air tellement bien. Voilà, donc ce seront des jeux sur Laserdisc à l'époque, donc des dessins animés interactifs. T'as le DVD ? T'as un DVD, c'est ça ? Non seulement tu as donc, les jolies collections que l'on voit là, donc les. C'est marrant, il n'y a pas de visuel de Uchusenkan Yamato. Voilà, t'auras les posters de l'époque. T'auras donc le spécial Blu-ray disque de Hayate. Et tu auras surtout la grosse PLV. Grosse PLV de l'héroïne de Time Gal. Ah, t'auras une grosse PLV. T'auras une Leica en taille réelle. Une Leica en taille réelle. On devrait 1m70 au moins. C'est ça, exactement. Non, c'est une PLV d'1m70. Voilà, tu vas la voir. Ouais. Pour les 35 ans. Ça coûte combien ce pack? Bah, il dit 90 000 99 000 90 000 yens. Ah, merde. Alors, j'ai plus la taille exacte. Je crois que c'est 1m70, effectivement. Non, bah attends, pour un bout. Est-ce que pour Sumimasen Turbo, ce serait pas nécessaire pour habiller le décor? Alors, écoute, ça fait 500 balles quand même. Hein. Ouais, mais on lance un. Ah, tu sais quoi, 500 balles pour une PLV toute neuve là que. Hein? Ah non, moi je préfère qu'on la mette là entre vous deux là. Écoutez, si on a 90 000 yens. Si on a un ami commun qui achète le jeu et qui peut nous prêter. Qui sait pas quoi faire dans ce jeu. Je préfère qu'on achète une fontaine à soda et qu'on puisse se servir. Ouais, c'est vrai qu'on a soif. Hein, on a grand soif. Et une machine à chococro. Bah écoutez, on verra. Hubert va parler longuement des chococros et de sa passion dans le Director's Cut. Ah ouais, t'es déjà dans le futur antérieur. Ah bah je sais, il m'a dit, il faut que j'en parle. Ah oui, bon, bah très bien. Bah on verra ça juste après l'agenda des sorties que l'on va consulter tous ensemble. Et bon, on va essayer d'aller rapidement. C'est comme la fin d'année. Hein. Oui, bah là c'est le mois d'octobre. Un mois d'octobre, bah, écoute, il y a déjà des jeux qui sont sans doute disponibles à l'heure où l'on parle, ou en tout cas à l'heure où cette émission est diffusée. C'est-à-dire que Disgaea 7 va arriver très très prochainement. Bah là, Disgaea 7, malheureusement, alors je suis sous embargo, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est le dernier épisode en date de la grande saga de Nippon Ichi Software, et ça va encore plus loin dans le délire. Là, regardez, c'est presque FF16. Silent Hope est également disponible depuis le 3 octobre dernier. Alors, je ne sais pas. C'est le dernier jeu de Marvelous. Et il y avait l'ambition d'en faire une autre série après Harvest Moon et Rune Factory. Il y a ce côté toujours de culture au-delà l'épopée. Un action RPG avec des petits bonhommes. Souvenez-vous. Des petits bonhommes qui ont des jambes qui font
à peine un cinquième de, ah, de leur vois, proportion. Maintenant, quand je vois un truc qui a marqué débloqué niveau 1, débloqué niveau 2, je sais, ah, j'y arriverai. Rendez-moi mon samouraï dans mon donjon. Front mais ça a l'air, Mission ça a l'air 2 remake est ça a l'air sorti. Adorable. Normalement, à l'heure où l'on parle, Front Mission 2 remake. Tiens, je viens de voir qu'ils annoncent une version boîte PS4, PS5, Switch. PS4, PS5, Xbox Series X chez Microids. D'accord. Ah, de Front Mission 1. Ah, en boîte. Ouais. Enfin, tu sais, limited machin là. Donc ce sera l'occasion d'y jouer sans temps de chargement. Je suis désolé, mais il est vraiment, j'ai détesté ce portage. Ah le 1 ou le 2 Le 1. Le 1. Il est vraiment dégueulasse. Et je pense que le 2 sera peut être que meilleur parce qu'ils ont tout refait pour le 2. Alors que le 1, vraiment, quand tu as vu la version même DS, ou. Enfin, vraiment, c'était. Ni fait ni à faire. Ouais, c'était pas un bon moment. Quoique là, ça a vraiment l'air mieux, hein, là, ce que je vois. Donc est-ce que c'est refait? Est-ce que c'est. Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. On parlait de Detective Pikachu Returns, qui est donc disponible lui aussi depuis le 6 octobre dernier. Il y a un autre jeu qui est sorti au moment où l'on tournait, c'est Sword Art Online Last Recollection, qui sort donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. J'avoue que moi j'ai décroché depuis un moment. Donc je sais pas mais il y a un public pour Sword Art. Hein. Bon, bah, très bien. 11 octobre, Honkai Star Rail, le phénomène, l'autre phénomène du YoYoverse arrive sur PS5. Et là encore, si c'est à la hauteur du portage de Genshin Impact sur PS5, bah, je pense que c'est de la monnaie gratuite. Alors moi je vais l'essayer, hein, c'est sûr et certain. Ouais. Ah mais parce que je. Ça y est, tu veux pénétrer dans le YoYoverse ? Non mais parce que j'ai déjà été dans le YoYoverse. Avec Genshin Impact et j'étais halluciné de voir. Et je pense que tous les développeurs japonais devraient jouer à Genshin Impact. Je pense qu'ils l'ont fait. Je pense que surtout les mecs de Tales of ils devraient. Ils l'ont fait aussi, ouais, tout à fait. Parce que vraiment il y a beaucoup d'enseignements à voir comment ça c'est du AAA. Du AAA asiatique. AAA gratuit, quand on voit le nombre de contenus que tu peux avoir dans ce genre de jeu. Non, mais vraiment, avant tout, c'est la réalisation qui est incroyable. La réalisation, tout ça gratos. C'est ce à quoi devraient ressembler les jeux japonais en HD depuis. Mais on n'est pas. Avec une inspiration. On n'est pas si loin, c'est juste qu'il y a 30% de puissance en plus. Quoi. Mais après, je préfère jouer à FF7 Remake que ça, mais. Non, moi je parle pas des jeux Square ou des jeux Capcom. Je parle vraiment des jeux dont la direction artistique s'inspire de l'animation japonaise. Mmh. Ah oui, d'accord, dans le Japanimeverse. Voilà, quoi. Dans le Japanimeverse, les jeux YoYoverse mettent une leçon. Enfin, tu vois, à part Tales of, il n'y a pas de jeu, peut-être DQ11 et encore, qui tient à peu près la comparaison avec les modèles 3D de ce que fait YoYoverse. C'est le fruit d'un beaucoup de boulot. Hein. Octobre qui sera placé donc sur le signe du RPG, de l'action RPG. Il y aura les portages PS5 de The Caligula Effect et The Caligula Effect 2. Si tu les as pas faits, c'est l'occasion de repartir. Je sais pas si ça. Je crois qu'on était pas chaud, hein, sur Caligula Effect. C'est pas ça, mais c'est que. C'est vieux. C'est vieux, c'est du sous-persona. Moi j'aimerais bien avoir le temps. Tu vois, c'est le genre de truc que je donnerais un peu plus de temps, mais tu vois, quitte à me donner du temps, je préfère rejouer un vieux jeu. Hein. Ouais. C'est le problème que j'avais avec Caligula 1, c'est que il y a un peu ce côté chunibyo, ce que les Japonais appellent chunibyo, c'est la maladie de la deuxième année du collège, donc ce qu'on appellerait en France le syndrome de la quatrième, quoi. Où en gros, c'est ces gamins de 14-15 ans qui aiment tout ce qui est dark, tout ce qui est, les gens ils disent ouais, personne peut me comprendre. On nous cache tout, mais moi, c'est la faute à la société. Je saurais découvrir ce qui se cache derrière les adultes, qui sont tous mauvais, machin. Et donc, c'est... Tu sais, où t'as tout ce côté... En fait, Yu Yu Hakusho, c'est le proto de Chunibyo, où en fait... Et comme ça, là, ah, je... Les adultes. Je sens que si je ne me retiens pas, je vais faire un malheur. Enfin, voilà. Et t'as vraiment ça dans ce genre de jeu où... Justement, Persona évite tout ça, et Caligula tombe en plein dedans. Où tu te dis, ah, les gamins de 14-15 ans, plein de darkitude dans leur tête. Du coup, j'ai envie de jouer à Caligula maintenant, à cause de toi, parce que j'ai envie de voir ce que c'est que le Chunibyo d'aujourd'hui. 12 octobre toujours, et au Japon toujours, pour Rire Sekai. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer au TGS. On va bien rire. Pourtant, il était présent. Ouais, il s'est pas tapé des super notes. Hein, et toujours, vous aurez compris qu'on nage en plein isekai et qu'on est dans une logique d'action RPG vu de dessus, si ça vous manquait, avec des pouvoirs à cooldown. Et voilà. Écoute, je vais pas recharger ma Vita. Ça, ça sortira sur Switch, je sais pas si on aura. Est-ce qu'il y a des shields ? Est-ce qu'il y a le méchant des shields ? Est-ce qu'il y a du stagger ? On ne sait pas encore. L'homme champignon avait l'air d'être un peu évanoui. Si vous êtes un petit peu plus à l'ancienne, sortira River City Rival Showdown. Voilà, encore une itération de. Il y a un jeu que j'ai pas joué, j'aimerais avoir le temps pour en parler. Oui. Fois, c'est le jeu de Yeo. Ouais.
qui s'appelle Fading Afternoon. Afternoon, j'ai pas eu le temps d'y jouer. La mais... suite spirituelle ouais. de Friends of Ringo Ishikawa que tu ouais. avais adoré, qui visiblement est incroyable aussi, même si le créateur disait c'est, on a parfois du mal à bosser autant d'années sur un écoute, jeu de merde. Tu écoute, vois je, lui ouais. parlant régulièrement, on se parle de temps en temps en DM, là il était un peu occupé, je lui ai envoyé un message il y a peu de moment, et je crois que c'est très compliqué de faire un jeu de la Russie, un jeu en plus d'inspiration occidentale ou orientale, justement parce que il avait mal vécu l'échec de son précédent jeu. Mais ouais, est-ce que je dirais le mot qui, enfin, il est pas en dépression, mais voilà, c'est genre il a des phases de décor. Il a le baby blues post je finis. Non, il avant je finis, il a des grosses phases de découragement, et je trahis pas un secret, il le dit publiquement, je suis dégoûté, mon jeu il est tout pourri. Pourquoi on en parle ? C'est parce ouais. que Fading Afternoon, Ringo Ishikawa s'inspire grandement de l'esthétique de Kuniokun, tel qu'on peut le voir ici. Mais en tout cas, je jouerai à son jeu sans aucun problème. 17 octobre, 20 octobre, c'est le choc des titans. 17 octobre, ce sera Sonic Superstars. Que j'ai joué au TGS. Auquel on a joué au TGS, ce sera peut-être l'occasion pour le goodies. De faire un petit peu de un petit peu de multi ensemble. Ah oui ? Tiens, salut l'un de nos... Est-ce qu'il est multiplate ? Salut, oui, il est totalement. Non, mais je veux dire, l'un de nos fans sur Soumimasen Turbo. Vous savez, au TGS, en fait, si tu montrais un écran de précommande devant le stand de Sonic Superstars, tu repartais avec un t-shirt. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a précommandé le jeu sur Fnac.com. Il a montré donc sa préco française à l'hôtesse qui lui a tonné. Et il a annulé la préco. Si j'avais su, j'aurais dû faire préco sur Amazon Japon depuis sur place, montrer le truc, repartir avec le t-shirt. Mais quel scandale! Voilà, vous le voyez, Super Mario. Regarde, il regrette de ne pas l'avoir fait. Il a été beaucoup pas plus audacieux. Quel dommage. Quel beaucoup plus audacieux que moi, et on le remercie. On avait d'ailleurs une discussion enflammée aux sorties de Soumimasen Turbo live. Ouais. Pendant que vous voyez Super Mario Bros. Wonder. Ouais, c'est ça. Avec donc Mario Elephant, et ça aussi, ça va jouer en multi. Donc ça aussi, ça va passer sur le grid de Soumimasen Combo. Sera le 20 octobre, très précisément. 24 octobre, on en parlait, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Bon, bah voilà, sera peut-être l'occasion de ressortir et de rechanter le générique de Snake Eater à tue-tête, comme ce fut le cas au Japon. 27 octobre, autre JRPG, Cry Machina. Toujours d'inspiration un petit peu émo, hein, comme vous le voyez. Ah, mais c'est un Furyu. C'est un Furyu. Enfin, je sais pas si c'est un Furyu. Il y avait écrit Furyu. Bon, bah, c'est un Furyu. Comme il est édité par Nice America, effectivement. Voilà. Vous voyez. Ah, tu sens qu'il y a quand même un post. Post-Nier. Post-Nier Automata, quand même. Est-ce qu'il y a du stagger? J'espère. Et pour terminer. J'aime bien le stagger, continue. 30 octobre, portage iOS à 39,99€, je crois, hein, de Resident Evil Village. Et ça aussi, vous avez pu l'essayer. Ah, mais moi, je l'ai essayé, ouais. Au TGS, et visiblement, ça tournait. Incroyablement bien. Alors ouais, mais j'ai eu des, je peux le dire, hein, j'ai eu des bugs calamiteux. Hein, par contre, préversion, gageons que la version. Oui, gageons que la version. Par contre, j'ai raconté dans l'épilogue, j'ai joué à Resident Evil 4 VR. VR. Ouais. Coup d'épée, coup de couteau. Ben voilà, record battu pour Soumimasen Turbo, j'en suis à peu près sûr. Tu crois? Ah bah c'est garanti. Voilà, franchement, je sais pas comment vous allez faire pour. Si vous prenez le temps, de toute façon, il en sort un tous les mois, donc en un mois, vous avez le temps de les savourer. Oui, il y a des gens qui nous ont dit, ah, vous avez sorti trop de vidéos, j'ai du mal à rattraper. C'est pas grave, elles restent. Les vidéos restent. Voilà, donc vous pouvez vous faire de temps en temps un petit Soumimasen Turbo. Au pire, c'est en audio, donc ça passe tout seul. C'est pas le TGS tous les jours. Hein. Et c'est pas le TGS tous les jours, mais voilà, on l'a dit. Ça prend forcément, s'il y a la timeline, c'est possible de passer d'une séquence à l'autre. Et puis, il y avait tellement d'actualités à rattraper, tellement de jeux qui sont sortis, et puis c'est tellement de choses à dire. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Vous avez vu la liste des jeux pour le mois d'octobre. Là, je pense que rien qu'en combo, on a de quoi s'occuper. Sans parler du contenu Japon qui arrive. Sans parler du contenu Japon qui est, à mon sens, on va distiller. Exceptionnel. Je pense mais on va le distiller. Je pense qu'on a 7 sujets qui arrivent. 6 ou 7. Ouais. Hein, Hubert. Mais c'est pas grave. Hubert, il fait ça entre la poire et le café. Ah bah non, mais attends. La poire et le café. Ouais, c'est l'expression. C'est l'expression pour le fromage. Ah, la poire et le fromage. Bah oui. Café poire. Entre lui qui veut dynamiter la fourmilière et la poire et le café, c'est bien, on est dans les à peu près. Le choco-crème. Ah bah c'est ça, après 4 heures d'émission, hein, on sait plus ce qu'on dit. Bon, en tout cas, voilà, patreon.com/soumimasen, c'est ce qui rend cette émission possible. Merci les mois. Merci encore de votre soutien. Très beau t-shirt, Hubert. Merci d'avoir été particulièrement nombreux à vous abonner, que ce soit directement sur la chaîne ou directement sur le Patreon.
Voilà, Uber, il faudra trouver un moyen d'avoir une caméra un peu plus fluide. Parce que là, on se croit. Mais non, mais alors Uber va parler beaucoup. On va le faire parler pendant les bonus. On dirait que Uber est animé par Ray Harryhausen, c'est fascinant. On croira qu'Uber est sur Switch. Uber squelette. Uber squelette. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve. Sur Switch. On se retrouve dans quelques semaines. J'ai cassé la dia. Voilà. D'ici là, de toute façon, vous aurez beaucoup de vidéos pour vous occuper. Et puis, nous, on va en tourner quelques-unes supplémentaires. Pour vous occuper jusqu'au mois de novembre, on parlera je pense, de Super Mario Bros. Wonder. Je pense. Monsieur Pense, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur Sumimasen Turbo. Sayonara. Salut. Merci Hubert. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。